Bonjour, bienvenue sur l'épisode 7 de Game of Thrones. Enfin, l'épisode 7, mais on était aussi impatients que vous, on n'en pouvait plus, on voulait savoir la suite des aventures. Bienvenue, et j'ai d'excellentes nouvelles, puisque non seulement on est là ensemble pour 3 heures, mais en plus on sera là la semaine prochaine ensemble, donc le 8, réservez vos pizzas déjà, et aussi le 22, nous serons ensemble. Dérive n'a pas encore dit qu'il sera là, mais je pense qu'il sera là. Oh, je serai là. Voilà. Donc, on va se voir 3 fois avant août, et ça, ce sera très très bien, on va vivre de grandes aventures. Autour de la table, j'ai avec moi Niklas von Trunkel, alchimiste qui aime la vie. Voilà, qui aime la vie, très bien. On a également Clodomir de Cuivrechamp, magicien de la nuit. Magicien de la nuit, oulala. Ketra d'Achanul, gladiatrice et voleuse. Et aussi récemment. Et aussi. Bah, voleuse du coup. Bah oui. Parce que t'as volé tous les pouvoirs. Voleuse de magie. Et voleuse de cartes. Et enfin. Et Atlan Gretten de Quirk. Le vent dans le micro. Ah hein. Oui, c'est le vent. Atlan Gretten de Quirk, en provenance du 9-2. Ah, il a été vu. Il est un petit peu fatigué, soyez gentil. Il a eu un décalage horaire compliqué. Alors, ça fait quand même 6 semaines qu'on ne s'est pas vu, donc on va faire un gros récap sur qu'est-ce qui se passe, qui est là et qu'est-ce qu'on va faire. Donc, ça fait... ça fait danser les oiseaux. Oui. Ça fait rire les oiseaux, ils font danser les... Ça fait chanter le soleil. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça fait la compagnie créance. C'est la compagnie créance. Eh, c'est la compagnie, la compagnie créance. Ils sont sur le bateau, le Malawi Ardent. Et, oui. Voilà. Et à bord de ce bateau, nous avons donc Atlan, Clodomir, Niklas, Kaitra. Nous avons Sangfroid Fillon, un lézard géant, exactement domestiqué par notre sorcier. Nous avons Fripouille, un chat sacré. Nous avons un petit gang qui s'appelait le gang des petites poules, mais un gang de moins de 12 ans qui ont été engagés comme marins. Donc il y a Dawib Kanabi, qui est un peu le leader du gang. Il y a aussi Sidol, Eltony et Gruik Music qui est la vigie. On a aussi un petit rebelle qui s'appelle Amaury, héritier de la famille Tréherne, qui autrefois était attaché à Tama et s'est détaché récemment. On a un mystérieux aventurier qui s'appelle Bonne Fortune, que vous n'avez pas croisé qu'une seule fois dans votre aventure. Vous avez une navigatrice qui a eu un petit coup de mou, qui s'appelle Formol. Ouais. Et vous avez aussi deux lapins, Arcana et Nilnea, qui sont encore à bord. Voilà. Beaucoup trop d'animaux. Alors, le Malawi Ardent, un joli bateau un petit peu brûlé sur les bords, avec une jolie figure de proue en forme de morue qui a été sculptée par Linkouf. Oui. Il a même fait un petit dispositif... On a un petit dispositif défensif, d'ailleurs. Voilà, anti-pirate, exactement. Ouais. Et qu'est-ce que vous... Alors, vous êtes en route vers une île qui s'appelle Alta Bianca. Alors, oui. Je vous ai fait un petit récap de quête que je vais vous transmettre à la fin de ce petit récap. Mais en gros, vous avez une grande quête qui consiste à... apporter la boîte et le parchemin au sultan d'Aqaba pour gagner le poids en or d'un de vous, donc aussi manger un petit peu des loukoums en arrivant, ou une récompense équivalente, savoir, artefact secret, je ne sais pas, voilà. Donc ça, c'est sur le chemin d'Alta Bianca. Alta Bianca sera juste une étape entre-temps. Clodomir, qui a retrouvé son maître, maintenant on va essayer de trouver un maître un petit peu plus puissant. Il a eu un petit tips, c'est quelqu'un qui s'appelle Tamerlan, peut-être qui pourra, un magicien quelque part dans le monde, on ne sait pas où, mais qui pourra devenir son mentor. Kaitra recherche quelqu'un, une mystérieuse femme, on ne sait pas trop qui c'est, mais elle a appris pendant ses pérégrinations qu'elle est quelque part sur une île, et vous allez justement sur une île, donc peut-être qu'elle est toute proche. Il faudra peut-être éventuellement ramener Amaury au manoir Tréherne, histoire d'avoir une énorme récompense. Atlan, enfin, après un jeu de piste avec son domestique Zlatko, Arya, tout ça, des missives, le capitaine Ibolia qui allait tout dire, mais qui est mort juste avant, va peut-être découvrir le secret de sa famille dans le manoir familial sur l'île d'Alta Bianca. Il y a quelques instructions à suivre. Je te laisse faire. En tout cas, le secret d'Atlan est peut-être sur cette île.
Alors, également, petite side quest, mais on sait qu'on les aime bien à la gourmandise. Hein, ça permet de vous occuper. Souvenez-vous, le bourgmestre de Vandermeer vous a demandé de rapporter une longue vue. Oui. Qu'on peut trouver uniquement sur Altabianca, contre une récompense de 2 écus. Alors, vous êtes plein aux as. Mais Nicolas a fort judicieusement dit une longue vue. Peut-être même on en achètera 2 parce que ça pourrait toujours nous être utile. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et puis, est-ce que notre cher bateau est toujours chargé d'un vin, un vin d'avoine? Alors, j'y suis, on n'y est pas encore, mais j'y suis. On s'est bien fait arnaquer. Alors, vous avez accepté de porter un mystérieux coffret à un manoir qui s'appelle le manoir Dolce, contre une récompense en pierres précieuses. C'est vrai. Vous êtes aussi invité à vendre un couple de lapins, les fameux Nilnea et Arcana à Altabianca, d'une façon ou d'une autre. Donc, est-ce que c'est pour manger, est-ce que c'est comme animal de compagnie, et en faire le rapport au vendeur de lapins de Vandermeer. Ça encore, c'est la petite quête gourmandise qui, à mon avis, va peut-être vous obséder, je ne sais pas. Vous avez tout claqué en vin. Et l'expression est chouette. C'était pour des noces. Non, oui, en vin, V-I-N, mais effectivement en vin, V-I-N, pourquoi? Parce que, effectivement, l'île d'Altabianca va recevoir bientôt le mariage princier du prince Léonide et de la princesse Giocanda. Et on vous a dit, on vous a un petit peu effectivement, puisqu'on vous a dit, oulala, il va y avoir, qui dit mariage dit noce, dit vin, vous allez pouvoir vendre très très cher. Malheureusement, bonne fortune que vous avez un petit peu titillé sur le... Il y a eu une petite tension à un moment sur le voyage, vous a dit, bon écoutez, j'ai un truc à vous dire, votre vin, vous n'allez pas pouvoir le vendre parce que le mariage, il est prévu depuis 2 ans, donc c'est mort. Le vin, ils l'ont déjà acheté. Ils ont déjà stocké. Ils sont déjà plein de vin, mais il y a un moyen peut-être voler le vin et de revendre votre vin, pourquoi pas le vin à eux, voilà. Donc, il vous a donné un petit tips. J'aime bien ça. Il vous a dit, c'est, à mon avis, c'est possible parce qu'il y a on va dire, les caves sont en plein air, en fait, caves de vin sont en plein air à flanc de falaise, à vous de trouver où elles sont. Et puis, de toute façon, ta compétence de voleuse fait que tu as un network de voleurs un peu partout dans toute la planète, donc peut-être il y a des choses à faire. Voilà. Et dernier point, vous avez fait aussi un petit deal avec Bonne Fortune, mais ce n'était pas sous serment, mais c'était invité. Il vous a proposé, il vous a donné rendez-vous à 3h du matin, la nuit qui suit le mariage princier, dans la baie d'Altabianca, contre une belle récompense donnée par la famille royale d'Aria en personne, parce qu'il travaille pour la famille royale, c'est un agent de la famille royale. Voilà. Donc, voilà tout ça. Donc, y a aussi des questions ouvertes. Où se trouve le sceptre du roi des rois? Que veut la sorcière Xa? Que veut Zoltan l'archiprêtre? Où se trouve la tombe du roi des rois? Je vois que c'est des questions que vous n'êtes jamais posées, donc je les pose quand même. Mais bon, voilà. Donc, voilà votre checklist. Le sceptre, c'est ma quête, la quête de ma vie, mais en fait, elle est un peu liée aussi à Ketra. Donc, une fois qu'on ira vers Akaba, je pense qu'on avancera dessus. Voilà. En attendant, je pense qu'on va aller voler du vin et le revendre. What could go wrong? Faudra pas oublier aussi de revenir à Naporia pour aller casser la gueule. La vengeance. Comment s'appelle le bourgmestre de Naporia? Alors, moi, j'ai le Ronin. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est le Ronin. C'est lui qui nous a vendu le vin. Je propose qu'on le bute, qu'on vole toutes les richesses de la ville, si on peut. C'est Icar. Le maire de Naporia. Ok, voyons. Ah oui, c'est Icar, c'est le bourgmestre. Alors, comme d'habitude. Les subs sont intégrés dans le jeu. Si vous subez, vous n'êtes pas intégré, ne stressez pas. Il y en a qui n'ont pas déjà traité. Vous êtes dans une stack list. Ne vous inquiétez pas. Vous arriverez tôt ou tard, mais vous serez intégré. Et vous serez tué. Petit flashback. Nous nous retrouvons juste au moment où. Grâce à sa magie puissante, Clodomir imaginait la scène sous une nuit de tempête domestique, sans froid Fillon le lézard, voilà, qui s'endort sur le bateau et qui dort comme un totoro. Et dans la foulée, Keitra récupère la carte discrètement. Voilà. Notre magicienne commence à avoir des pouvoirs aussi. Le lendemain, Gruc Music, la vigie, annonce qu'elle voit Altabianca. La houle se dissipe. Dans le rougeoiement du soleil levant, vous voyez une grande falaise qui se dresse depuis la mer, au sommet de laquelle s'élancent vers le ciel des tours fines, blanches, irréelles, le palais royal d'Altabianca. Comme des oiseaux posés sur la mer, de grands navires aux voiles blanches convergent par dizaines de toutes les directions vers le port le plus riche, de la plus riche des cités du monde, pour un mariage princier. Le navigateur en cours, qui est Bonne Fortune, parce que votre navigatrice a eu un petit coup de mou pour une raison qu'on ne sait pas d'ailleurs, vous repasse la barre. Alors, vous arrivez par le nord, vous voyez le palais royal. Vous faites le tour de l'île. Votre navire contourne le phare d'Altabianca, vous faites le tour par l'ouest. Alors, on arrive par le nord, on fait le tour par l'ouest. Voilà, vous contournez le phare d'Altabianca qui se dresse au sud de l'île. Vous découvrez une cité bâtie sur le gros rocher, faite d'arches immenses et de manoirs luxueux. Donc, vous arrivez à l'entrée du port et là, une chaloupe vient à votre rencontre.
Alors, j'ai une petite question. Est-ce qu'en faisant le tour de l'île, on a vu un peu les réserves de vin qui sont à flanc de falaise? Alors, vous avez vu des ouvertures importantes dans la falaise sous le palais. Vous avez vu des rangées de catapultes. Et vous avez vu des palais vraiment très luxueux. Voilà. D'accord. Et vous voyez le phare également. Donc là, une chaloupe vient à vous. Et dedans, il y a trois personnes. Il y a deux rameurs, je vais vous donner leur nom, c'est Raniden et Romix. Et il y a également Niwan, le préposé aux marchandises. Très bien. Et il vous dit, Ola, il a un petit accent. Et ils disent, des marchands? Alors, il ne faut pas qu'on lui dise qu'on a du vin. Bah non. Attends, ou alors, il faut qu'on lui dise qu'on a du vin. Si, on peut dire qu'on a du vin. Oui, parce que si on dit qu'on en a, justement, on n'aura aucune raison d'être soupçonné. Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire qu'on vient pour vendre du vin. Ouais. Et on mais va pas spécialement vin. Pour le mariage. Non, mais on va se prendre un vin, c'est pas grave. On dit, bon, tant pis. On est marchand, ouais, tout à fait. Alors, forfait de 10 écus pour accoster et vendre vos marchandises. 10 écus, 10 écus. Mais attendez, quelle marchandise? C'est le plus grand port du monde. Vous allez faire d'immenses affaires ici. Bah, 10 écus. 10 écus, c'est super. On n'a jamais dépensé 10 écus. Alors, attendez, on les a pas, quoi. Si vous n'avez pas l'argent pour le quai, vous pouvez mouiller dans le port. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décharger, vous pouvez juste mettre votre bateau pour un écu. Bah, c'est ce qu'on va faire. Oui, c'est ce qu'on va faire. Attendez, quelle est la différence entre ça et... On ne peut pas décharger, on vend des marchandises. Ce qui n'est pas trop grave. Bon, après, c'est pas très grave. Ce qui n'est pas très logique, parce qu'on est censé revendre le vin qu'on va pétard. Ouais, mais tu sais, la nuit, les gardes... Alors, j'espère que tu ne dis pas ça devant lui. Non. Non, bah, bien sûr qu'il est trajet. Bon, comme vous voulez. Un écu. De toute façon, on n'a pas les écus. Oui, un écu. Tenez, on n'a rien à décharger, puisque personne ne va nous acheter notre pinard. Donc, la barque vous guide. On s'est quand même déclaré comme ayant du très bon vin de Naporia. Bah alors, pourquoi vous ne payez pas les 10 écus? Parce qu'on sait que, pour l'instant, le mariage a déjà eu lieu. On se bat plutôt d'île en île. Non, le mariage, c'est dans 2 jours. Le mariage va avoir lieu, mais que je suppose que vous avez déjà tout organisé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bon, ok, je ne vous pose pas de questions. Non, mais on a d'autres choses. On a un coffre, on a des lapins, on a d'autres choses à faire. On fait le tour des îles, mais après, on vend le vin sur les autres îles. Il y a d'autres îles? Bien sûr. D'accord. Vous l'ignoriez? Ok, ils te prennent un peu pour un mec bizarre. Donc, la petite barque, et à un moment, ils vous donnent effectivement à quelques encablures du port, où il y a de grands bateaux qui déchargent beaucoup de caisses. Vous avez une petite bouée où vous pouvez mouiller l'ancre, ce que vous faites. Niwan vous dit, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse monter un garde à bord pour surveiller votre bateau? Alors, le prix? Un écu. Bah non, de toute façon, on a un équipage, c'est vrai que je vois pas que dans l'équipage, il y en a qui tente une rébellion de mineurs de 12 ans dans notre dos. Amaury, il ne faut pas qu'on le perde. Le petit Amaury, il faut faire gaffe parce qu'il ne faut pas le laisser seul. Hein, oui. Est-ce que le lézard, on ne peut pas le dresser là, pour qu'il fasse le chien de garde? Ouais, est-ce que sans Franfidion, on ne peut pas... On a le temps en 10 minutes. Il obéit. Sans froid, il m'obéit. S'il lui fait un petit coup de magie, là. Ouais, mais il est vigilant, quoi. Moi, je peux lui parler aussi, non? Je peux lui parler? Oui. Je peux essayer. Vas-y. Sachant que si tu rates, comme pour les lapins, si tu fais un échec, c'est fini, critique, ouais. Tu ne pourrais plus jamais lui parler. Ok. Donc, ok. C'est comme pour les lapins. Tu passes combien? Bah oui, elle ne peut plus parler aux lapins. C'est bon. 23. Ouais, donc, qu'est-ce que tu 50. Dis? Un ordre très simple. Protège. Ok. Protège 20. Oui, mais attends, il ne faut pas qu'il. Protège nous... tout le bateau. Trois fillons opinent. Et voilà. Mais il faut qu'ils nous reconnaissent quand même. Hein. Oui, d'accord. Oui, enfin, il est pas con, quoi. Il m'obéit, donc ça va. C'est un lézard. Hein. Ouais, mais bon. C'est un lézard domestiqué. Oui. Un lézard domestiqué. C'est rare. Alors, sachant que vous n'avez pas de petite barque à bord de votre navire, est-ce que vous voulez prendre celle de Niwan? C'est gratuit pour aller à terre. Ah, c'est gratuit? Oui. Bah, bien sûr. Bah, on peut même la prendre pour aller ailleurs. Non. Il est là, il vous accompagne à terre, mais il ne vous la donne pas, ça va. Ah. Ah, parce qu'on serait allé voir les falaises. Ouais. Hein. Bah oui. Moi, j'ai direct, les mecs, bah, pas du tout discret. N'empêche que là, on a laissé le bateau avec nos lapins, le lézard, etc. Les lapins, on a eu tout le mal du monde quand même à les rattraper, à les retrouver. Et 12 et des petits-enfants, quand même. Un petit gang qui peut... Enfin, il y a une chance de mutinerie, les amis, quand même. Hein. Mais non. Amaury, il avait des vérités de mutinerie. Amaury, il faut qu'on le prenne avec nous. Ouais, on va prendre Amaury avec nous. On le prend avec nous, on ne le lâche pas d'une seconde. Je le recolle à la main. Non, mais Amaury, il vient avec nous et on laisse Gruckensick à la vigie et... Gruckmusic. Non, Gruckensick. Par contre, il faut qu'on prenne les lapins aussi. Et le coffret. Faut vraiment qu'on se charge tant que ça? Bah, c'est ce qu'on doit ramener normalement. Ah, c'est vrai. Non, le vin, on verra plus tard, mais... Je peux pas te ramballer de la marchandise parce que ce moment-là, c'est pas de la marchandise, c'est mes animaux. C'est mes animaux de compagnie.
Ok, vas-y, fais un jet de... Prends ton chat aussi, Atlan. Ah oui, mais le chat est toujours là sur l'épaule. Et t'as un petit bonus parce que t'as bien réagi. Ouais, vas-y. Parce que j'ai pas beaucoup en moins. Bah, c'est pas grave. Ok. T'as un petit bonus de 20. Ah bah, ça passe pile, ça fait 50 du coup. 53, ça dépasse. Oui. Il dit non, non, oh, pas de lapin. Juste vous, avec votre gamin, si vous voulez, mais pas de marchandises. Ok, attends, par contre, notre bateau n'a pas de petite barque pour rejoindre la rive. C'est bizarre, ça. Vous un bateau aussi, gros. Ouais, quoi. Ça va coûter 10 écus, laisse-moi deviner. Bah, pour l'instant, vous n'êtes pas encore au port. Ouais, bon, vas-y, on prend ton bateau. On prend ton bateau, on prend juste le chat. D'accord. Au pire, on fera deux allers-retours. Le chat. Et le coffre. Mais non, on n'a pas le droit de prendre des marchandises. C'est un coffret, mais tu peux le cacher sous ta cape. Non, mais c'est un coffret. Non, c'est un coffre comme ça. C'est pas lourd. Bah, c'est notre coffre, c'est nos affaires. Ce sont nos bagages. Sans eux, nous ne pouvons pas commercer. C'est le bagage cabine. C'est le bagage cabine. Écoutez, ça passe. Vous n'êtes pas censé nous faire. Ça passe, ça rentre dans les trucs. Tu peux ouvrir ce coffret? Alors, vous pouvez, mais c'est à vos risques et périls. Mais non, c'est pas ça. C'est vos papiers. Oui. Oui, ils mais. Ils vont me mordre. Non, mais vous pouvez pas comprendre. Le coffret est un peu ancien. Bon, écoutez, vous savez quoi? Vous m'ennuyez, je vous transporte pas. Voilà. Quoi? Et il retourne. Il repart. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est quoi ces conneries? Non, mais vous êtes sur votre bateau. Ah. Vous êtes sur votre bateau. On est loin. Vous voyez la magnifique d'Alta Bianca. Attends, loin. Le lézard, il peut pas nous amener si on monte sur son dos. C'est pas un lézard géant? Non, mais c'est un lézard géant. En tout cas, il nage. Ouais, c'est plus compliqué quand même. Si on pose les lapins, le coffret sur le lézard. On peut pas, non, mais on va pas mettre 6 heures à descendre du bateau. On peut pas utiliser un tonneau de vin dégueulasse. Si tu donnes un ordre simple qui est Uber. Et hop. Faut pas qu'il oublie l'ordre précédent. Ouais, vous savez quoi? Moi, je prends sans froid mon lézard et je vais sur le quai tout seul. Ok. Salut la compagnie. Donc, tu montes dessus, il nage? Ouais. Donc, il nous lâche. Alors, par contre, faut qu'il retourne protéger le bateau. C'est elle qui peut lui donner un ordre. Non, c'est mon lézard, t'es gentil, toi. Tu l'as apaisé? Non. Il est domestiqué. C'est ton ami, mais de là, imagine un chien. Tu vas pas lui dire. Enfin, c'est compliqué de parler à un chien, tu vois. C'est un peu la même chose. C'est un animal. Bon, on paye les 10 écus et on accoste? On a pas les 10 écus, on peut pas, on a payé. Mais non, mais on prend un avaloir sur ce qu'on Ouais, mais on appelle qui? Y a personne. Donc on demande on a payé un écu pour être Kéblo. Il est sur le bateau, bonne fortune. Oui, bien sûr. Et lui aussi, il a envie d'être débarqué. Il connaît pas quelqu'un. Bah, c'est vraiment pas 10 euros, 10 écus? Non. Ah non, mais vraiment? Vous avez combien? Ah non, mais je veux même pas les payer de base, mais on en a pas. Ah non, mais il n'y a pas de crédit, il y a quand même... Non, on est bien, là, un écu, c'était parfait. Bon, mais est-ce qu'on peut nager comme des clochards jusqu'à l'arrivée? Non, mais comment ça s'appelle? Vous savez ce que... comment dire? Ce qu'on va faire, c'est que... On va essayer de négocier... Ok, on va négocier... Alors, bonne fortune, dis, je m'en occupe, d'accord? Ah. Je vais lancer un jeu pour lui, il va négocier un peu. Ah bah, il a fait 0,3. Alors, il dit... Pour 5 écus, vous pouvez accoster, mais vous ne pouvez pas décharger de marchandises. Ça vous va? C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Ça va déjà. C'est non, mais on a déjà payé. Mais vous, si non, vous voulez décharger des marchandises, vous ne paierez que 5 écus ensuite. Non, mais c'est pareil. C'est un crédit en fait. Si, allez. Ouais, on le paye en deux fois, c'est pas très bien. C'est mieux. Ouais. Hein, alors, super cher, c'est tout autant. Non, mais regardez. On a genre. Mais on va vendre le vin. Eh les gars, vous inquiétez pas, on va vendre le vin. Les gars, quand il fallait accoster à Aria, c'était 18 écus qu'il fallait payer. Bon. C'était 10 écus. Adieu, fortune. Et après, on s'est retrouvé à brûler des bateaux et... Bon. Qu'est-ce que tu me donnes? Je donne 5 écus. Pour histoire. Non, ça vaut un dixième d'écu. Ah oui, d'accord, c'est ce que tu m'as dit alors. Parfait. Merci. Bon, donc, on a accosté, ça nous a coûté 5 écus au lieu de 1. Vous arrivez. Alors, vous arrivez on vous donne une place, voilà. Et il y a un garde. Alors déjà, les gardes d'Alta Bianca, ils sont un peu particuliers, ils ont des armures... vraiment très belle, étincelante, bien entretenue, avec des petites ailes dans le dos. Voilà. Attends, des ailes dans le dos? Des petites ailes dans le dos, oui. Ok. Comme des hussards prussiens. C'était Aria ou les casques avaient des plumes de 3 mètres de long? Oui. Mmh. Okay. Alors. Une thématique oisale. Ouais. Effectivement, il y a un lieutenant de l'armée qui s'appelle Velo Santo qui vient et qui dit étant donné que vous avez une place au port, je peux garder votre navire pour vous. Gratuitement? Ça coûte combien? Zéro. Mais alors pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi Je voulais changer de garde. Il y a un autre garde qu'on peut appeler si vous voulez. Non, mais ça m'étonne qu'un lieutenant prenne cette initiative. Non, mais on le prend, mais on a le lézard, si jamais. Ouais. Le lézard est à bord, effectivement. Tout le monde commence à s'amasser autour de votre bateau en regardant ce lézard qui dort. Voilà. C'est vrai qu'on risque de nous le. Alors, bonne fortune, dis écoutez. Bah, écoutez, on se revoit à 3h du matin dans 2 jours. Mmh. Mmh. Ok, très bien. Bye. Salut. On prend les lapins et le coffre.
Il y a aussi Formol qui se rétablit un peu. Il dit, bon, écoutez, moi, je vais un peu... si vous me cherchez, je suis du côté du phare. Voilà. Je serai là pendant le jour et puis vous m'appelez. Formol, elle a intérêt à bosser pour nous gratos la prochaine fois parce qu'on a un peu payé à rien branler. Hein. Ben, vous l'avez payé pour l'aller-retour. Oui. Donc, dès que vous partez, oui, mais on elle, a même pas fait l'aller. Sera près du phare. Elle nous a même pas fait l'aller. Ah ouais, nous a lâché en plein milieu. Ok, on pourra négocier. Ouais, bien sûr. Bien sûr, pour je vous rappelle aussi à toute fin utile que vous avez engagé Formol parce qu'elle avait une petite connaissance de Alta Bianca. Ah oui, bah alors pourquoi est-ce qu'elle nous quitte là? Parce que là, elle est un peu fatiguée, ça. Bah, non, elle va juste manger un coup, mais si vous avez besoin, elle est là. Mm. Ok, donc bah, elle est au phare. Elle est au phare. Ouais. Vous êtes débarqué. Enfin. Alors, dites-moi, oui, qu'au moment où vous débarquez et que les gens s'amassent, qui part dans cette petite expédition urbaine? Bah, tout le monde, non? Bah, tout le monde, ouais. Même les enfants? Non. Ah non, 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 on prend Amaury. Amaury, on le prend. Oui, on le Amaury, prend. On le prend. Comment on laisse les stagiaires à bord. Mm-hmm. On leur dit de s'occuper du bateau, de, voilà, de ranger les cordes, les mâts, tout ça. Et que si jamais ils font une bêtise, le lézard peut les attaquer. Au fond, pas de bêtise. Non, non. Oh, la méchante. Oh là là, la méchante, elle est de retour. Non, non, mais on va les... Ils ont pas toi, ils t'appellent la méchante. Ouais, hein. C'est vrai. Ouais. Non, mais on les responsabilise. Mais oui, oui, ils sont grands, ça va. Tu peux les responsabiliser et les effrayer, c'est les deux mamelles d'une bonne éducation. C'est vrai. S'ils ont peur de toi et qu'en même temps, tu les responsabilises. Donc, vous emportez Amaury avec vous, un coffret, les lapins. Les lapins, le chat. Le chat, et c'est ouais. Tout. Alors, Amaury, oui. Est-ce que vous le tenez par la main ou vous le laissez devant vous? Est-ce que vous avez une autre stratégie? Alors, moi, je ne vais pas utiliser une potion pour Amaury, quand même, une potion de super glu. Non, il reste devant nous. On lui fait porter le coffre. Non, non, il peut partir. Est-ce que Amaury sait qu'on doit le ramener sur son île ou pas? Pas vraiment, en fait. Non. C'est juste que nous, on l'a reconnu, mais lui, il ne sait pas qu'on est en mission pour le récupérer. Mm-mm. Non, parce que sinon, s'il le sait, il va s'être échappé, c'est sûr. Ouais, mais il le sait pas. Il sait même pas qu'on l'a reconnu. Hein. Je voulais être sûr. Non, on le laisse avec nous, mais on en est très vigilant. Vous le laissez devant vous. Pas l'attacher à un truc. Attends, parce que là, le fait que t'insistes un peu, c'est-à-dire qu'il y a... Ah non, mais c'est un petit trésor sur pattes. Donc, effectivement... Ouais. Moi, j'aime pas trop la comme faut, ça. Il faut l'attacher. Tu veux pas l'attacher avec une corde? On va pas attacher notre... T'as des gens qui se baladent avec des enfants en laisse, littéralement. Non, mais tu l'attaches sa taille à ta taille, apparemment. Ouais, on a une corde ou pas? Moi j'en ai. Oui, vous avez des cordes, plein de cordes sur le bateau. Passe-moi la corde et je l'attache. Voilà, vous encordez. Je l'encorde à Amaury à moi. D'accord. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix quand même. Non. Bah disons qu'Amaury va pas se coucher tôt quoi. Ouais, voilà. Il risque de pas se coucher du tout et ça m'inquiète un peu. Je sais pas si c'est la bonne solution. Il risque de voir des choses qu'il pourra pas dévoir. La ville d'Alta Bianca s'ouvre à vous, elle est fantastique. C'est un labyrinthe rocheux où la ville ne serait pas construite entre les murs du labyrinthe mais sur les murs du labyrinthe. Donc au-dessus. Ah, c'est beau. Il existe de nombreuses arches, donc les arcas, qui permettent de franchir les précipices qui plongent vers les ténèbres. La ville semble très riche. Les plus pauvres de ses habitants vous semblent d'une opulence rare et vous font sentir misérable. L'animal clé d'Alta Bianca, c'est l'alcyon. C'est un oiseau blanc, gracieux, entre le goéland, le cygne, il a un bec de martin pêcheur. Il y en a partout sur les murs, que ce soit en peinture ou en chair et en plume. Il y a une ambiance de fête. Partout dans la ville, des fanions et des musiques, des portraits de Léonide et de Gioconda. Le mariage a lieu demain soir, mais la fête est déjà présente. De chaque côté de l'île et à toute portée du port marchand où vous êtes, vous voyez de lourds trébuchets et des catapultes qui sont entretenus par la garde royale qui n'hésite pas à montrer la puissance défensive de l'île. Et voilà. Très bien. C'est sympathique. C'est bien, on dirait Lyon, quoi. Alors, je vous dis un petit peu, donc nos auditeurs, nos spectateurs voient l'île devant eux. Vous avez devant vous, vous êtes sur le port marchand, où on décharge des caisses. Un peu devant vous se trouve un marché de gros, en marchandises en gros. Vous entendez les clameurs. Sur votre gauche, ça remonte, il y a des maisons un petit peu plus pauvres et il y a le phare. Et sur votre droite, il y a un chantier naval. Et également, parce que vous êtes dans une baie, tout au bout, il y a une grande statue d'une femme qui semble tenir un panier. Voilà. Attendez. Je mappe la chose. On aime bien les statues, en principe. Mm-hmm. Ouais. On aime bien les paniers aussi. On aime bien les paniers, ouais. On aime bien les marchés. Ouais. Chantier naval. Tout de même, on aime bien les chantiers Ouais, justement. Pour les brûler. Où allez-vous? Alors du coup, attends, les priaux, voler du vin ou... Bah déjà, faut... savoir où il est stocké. Voilà. Ouais. Le mariage, il a lieu dans 2 jours. Demain soir. Du coup, on n'a que 7 nuits pour agir. C'est 7 nuits qu'il faut qu'on agisse. C'est-à-dire que la priorité numéro 1 pour moi, c'est de faire le repérage. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'être tous ensemble pour faire le repérage? Je ne suis pas sûr. Non, on peut se séparer, ouais.
On ne peut pas demander à Formol, si elle connaît bien la ville, elle doit savoir. En fait, elle est partie, elle est juste à côté. Ketra, qui est la voleuse et qui a sûrement plus d'habilité à grimper, et Formol pourrait faire un bon duo pour faire le repérage. Après, au-delà du repérage. Gère les lapins, le coffret. Au-delà du repérage, il faut savoir ce qu'on fait une fois qu'on est rentré là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? On sabote le vin ? On vole le vin pour le revendre ? En fait, ça dépendra de ce que. Parce que ça va être compliqué. De ce que Ketra, tu vas trouver, en fait. Tomber à la mer, ouais. Le plus simple, c'est de le faire tomber à la mer. Ou alors on ouvre les caisses, on éventre les tonneaux et on les laisse par terre. Mais ce qui sera encore mieux, c'est de récupérer les tonneaux, la marchandise. Mais non, de toute façon, on ne peut pas la stocker dans notre. Tu veux descendre des tonneaux comme ça le long de la falaise ? On attend de voir ce que Formal et Ketra vont voir en repérage. Imaginons que c'est jouable, genre on fait tout tomber dans l'eau et qu'après, on récupère tout. Donc là, en fait, il faudrait qu'on aille au phare. On aille demander à Formol si elle peut nous guider le long des côtes avec une barque qu'on va trouver quelque part. Est-ce qu'on y va tous ? Non, je pense pas. On peut se séparer en deux groupes, mais qu'il y ait au moins quelqu'un d'autre aussi qui vienne avec toi. Toi, tu vas repérer avec... Moi, j'y vais avec toi. Ouais. Ok. Et nous, on va en ville. Et nous, on va en ville. Alors, deux groupes, c'est ça. Moi, je vais aller à la mer avec Tabianca, je suis très content. Alors, et je propose qu'on trinque. Tiens, on va demander On a des gobelets portables, alors. Hop là. Oui. Parce qu'on n'est pas dans une taverne, là. Non, mais on se quitte. On boit dans des gourdes. Non, mais on a des gobelets de festival que tu accroches à ta ceinture, tu vois. Alors, il y a deux groupes qui se font, c'est ça ? Ouais. Nous, on part vers le phare. Vous deux phares. Et attendez, du coup, je vous laisse le coffret, peut-être, si vous avez envie, pour le rapporter au manoir Dolce. On a le coffret de lapin et Amaury. Voilà. Alors, on va d'abord traiter le phare. Alors, il se trouve que, normalement, j'ai préparé toutes les pages et je n'ai pas imprimé le phare, donc je vais le faire de tête. En gros, vous remontez un ensemble de quartiers un petit peu pauvres, plus pauvres que d'habitude, mais quand même standard plus chez Aria. Et au bout, vous arrivez à un grand phare qui a une grande bâtisse bâtie sur du carré, elle est blanche et il y a une grande flamme et de partout, on voit le phare. Et si la plupart des gens que vous avez croisés semblent très riches, là, c'est un petit peu les marins, les ouvriers, les pauvres un petit peu d'Alta Bianca qui sont là. Il y a des grandes tablées et ils sont tous en train de manger. C'est l'endroit où les gens mangent, où les gens boivent, pour a priori pas cher. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? On cherche Formol est attablée et elle est en train de manger du crabe qui vient d'être pêché. Est-ce que vous voulez manger du crabe ? Il y a de la place à côté d'elle ? Ah, bien sûr, il y a de la place. Et non, un crabe, c'est juste 5 fortunate de niente, c'est-à-dire 5 pièces de cuivre. Donc presque rien. Ah oui. Très bien. Allez hop, vas-y, on mange ça, nous. Vous commandez ça ? Ouais, ouais, alors deux crabes pour monsieur. Si d'ailleurs, on veut livrer du crabe, si la régie veut livrer du crabe. Pour l'instant, vous... Tiens, vas-y, prends, parce que là, il y en a beaucoup trop. 1, 2, 3... Ah oui, c'est des petites. 4, et oui. 5. Voilà, 5, bon. Parfait. On vous livre du crabe. Vous arrivez au port marchand. Donc, Alta Bianca a de gros besoins, mais ne produit rien. Le port marchand rugit d'une activité intense, de jour comme de nuit, et des centaines de caisses sont déchargées pleines et vides à toute heure du jour et de la nuit. Et le port est une bourse d'échange assourdissante. Rien n'est vraiment acheté, toutefois, car tout va directement dans les manoirs des nobles de la ville qui enchérissent. Mais... il y a un truc qui vous attire parce qu'il y a un marché aux esclaves. Et heureusement que Ketra n'a pas vu ça. Voilà. Là, autre chose. Donc, il y a un espèce de grand vendeur d'esclaves qui s'appelle Flippo. D'accord ? Flippo, pas Filippo. Hein. Flippo. Il y a deux esclaves qu'il est en train de vendre en disant « Mais c'est des esclaves fantastiques, achetez-les !» Voilà. Donc, il y a un premier esclave qui s'appelle Guigui. C'est un barbare au bras énorme. Et il y a aussi Nakampi, une jeune fille qui est battue et édentée, mais qui derrière sa crasse a une jolie figure, mais qui n'a connu que des tragédies. Donc les gens sont en train d'enchérir. Est-ce que de participer à cette vente aux enchères d'esclaves, ça vous intéresse ? Une édentée d'un barbare au gros bras. Moi, je suis un peu amoureux, je t'avoue. Hein. du quoi ? Du barbare au gros bras ? Des deux. Donc pour l'instant, c'est un écu. C'est pas cher pour l'instant. Pour le fun, vas-y, un écu. De toute façon, pour le fun, mais à quoi ça nous servirait ? Au pire, on peut revendre par contre les stagiaires. Alors attends, tu renchéris sur qui ? Sur Guigui ou sur Nakampi ? Je sais pas pourquoi, justement, qu'on va avoir besoin de gens et de bras pour notre opération. De gens ou de bras ? Parce que c'est différent. Justement, j'hésite. Mon cerveau dit Guigui et mon cœur dit Nakampi, bien sûr, mais... Moi, je te suis pas vraiment sur l'affaire. Il y a peut-être d'autres esclaves qui sont encore mieux que ça. Bah, là, il y en avait d'autres ou il n'y a que ces deux-là ? Il n'y a que ces deux-là. C'est un peu la fin de la vente. Hein.
Ah ouais, ah, en plus, on est sur des fins de stock. Ah bah, c'est des chutes, c'est le fin de marché à 13h. Mais c'est le moment où tu fais des bonnes affaires. Ouais, c'est vrai, mais bon. Si tu regardes pas trop. Ouais, mais c'est pas super durable en fait. Bah, si tu consommes tout le jour même, c'est bon. Vas-y, choisis, je donne un écu. Par contre, je montrerai pas au-delà de. Ah non, mais le prix est déjà un écu. Il y a une femme qui a déjà enchéri. Donc il faut mettre un peu plus qu'un écu. Tu peux faire un écu et un sceptre. Non, mais attends, c'est un écu pour un. Un écu pour un, ouais. Et on sait pas sur qui. Les deux, il y a un écu. Bon, allez, on va accélérer un petit peu ça. Donc, il faut mettre un peu plus. Allez, deux écus. Non, deux écus, t'es fou. Un écu 50. Un écu 50. Sur donc, les dentées. Y a... Sur les dentées, sur ma campi. Pour le monsieur bizarre, un écu 50. Alors, il y a une certaine Loretta qui lève la main et qui dit deux écus. Deux écus 20. Deux écus 20 pour le monsieur mystérieux. Oui. Alors, il y a la. C'est déjà le plus beau jour de sa vie à Macampi. Ah oui. Le drame, les gens se battent pour elle. Donc, déjà, tu vois, on lui offre du bonheur, même si on n'a pas l'enchère. Alors, Loretta, qui est en chérie, elle dit ouais. Pourquoi vous payez 2 écus pour cette personne? Écoutez, je fais ce que je veux. Alors, elle dit 3 écus. Et pourquoi vous payez 3 écus pour cette personne? Parce que j'ai mes propres intérêts. Macampi coûte beaucoup trop cher pour qu'il se paye rien derrière. Ouais. On n'est pas là. Redescendez un écu sur l'autre. Bon, on va parier sur le barbare. Enfin, on va miser sur le barbare, non? Donc, tu veux vraiment les denter à 3 écus, hein, je te rappelle qu'on vient de claquer 5 écus pour accoster. Ouais, c'est beaucoup. Et qu'on est dans une probablement dans la ville la plus chère du monde. Mais je sens que Nakampi derrière ses dents. Enfin, non, parce qu'il y avait la patte dedans, mais. Donc, on a encore quelqu'un à nous. Derrière, sur le pied de ses dents, se cache quelque chose d'intéressant. Oui, et quoi? Je sais pas. Alors, mais Loretta se bat pour elle, tu vois. 3 pièces d'or pour Nakampi, une fois, deux fois, trois fois, c'est terminé. Ça part à Loretta Medico. Loretta de Abadjo, excusez-moi. Loretta de Abadjo. Guigui, il est quand? Elle est toujours le petit Guigui, toujours un œuf. Oui, Guigui est toujours à un écu. Il n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Un écu, hein. Un écu. Il a des bras, il pourra porter des tonneaux. Un écu 0,5. Allez, un écu 0,5 sur Guigui. Un écu 0,5. Loretta, elle dit un écu 10. Non mais Loretta. Alors Loretta. Non, tu sais ce que c'est Loretta? C'est les personnes qui sont engagées par les vendeurs d'enchères pour faire monter les enchères officiellement. Eh ben un écu. Technique gitane. 17. Alors elle dit 3 écus. Direct. Tu veux vraiment le barbare au gros bras? 3 écus pour Guigui, une fois. Il pourrait nous servir. 3 écus 0. Pourrait nous servir. 3 écus 0. Loretta, elle dit 10 écus. Ok, laissez tomber. Bravo, Loretta. Bravo. Félicitations d'être un beau Loretta. Barbare et une édentée. Félicitations d'être riche, Loretta. Voilà. D'être né riche avec une cure. Mais je suis content de lui avoir fait perdre un petit peu d'argent. Ah ouais. Même si ça ne doit pas représenter grand chose. D'ailleurs, elle vient de voir et elle te dit alors, alors, le barbare, je pense qu'il peut vous servir à des gens comme vous, des marchands. Bon, mais Nakampi, pourquoi vous voulez l'acheter? Nous avons nos propres raisons. Mais vous pouvez me dire quand même. C'est une jeune fille, mais elle n'est pas très très jolie et elle n'a pas l'air. Mais nous voyons au-delà de sa simple apparence. Voilà. D'accord. Okay. Derrière ces petites. Vous venez d'arriver à Altabianca. Tout à fait. D'accord. Bah, écoutez. Et qu'est-ce que vous faites vous, Loretta, sur Altabianca? Je suis là pour l'aventure. Je suis très riche et. Vous habitez ici? Oui. Vous aimez l'heurtoir? Non. Ok. C'est étrange. Habituellement, nous achetons des oiseaux pour les libérer. Ça porte bonheur pour les mariages. Mais là, je fais la même chose avec des esclaves. Vous les achetez pour les libérer? Oui, je voulais. Demain pas... Oui, le jour du mariage. Voilà. C'est-à-dire que vous les lâchez comme des colombes? Exactement, c'est un peu l'esprit. Mais sur Terre, j'imagine. Je vous demandais. Au bord d'une falaise. Ah, parce que. Rejoins ton peuple. Non, mais parce que Nakampi ne valait pas son euro 17, donc son fantonate des Corona 17. Bien sûr. Je suis surpris que vous vouliez l'acheter aussi. Mais écoutez, nous avons détecté en elle peut-être un potentiel supérieur à son apparence. D'accord, ok. Écoutez. Vous êtes déjà intéressant. Si vous avez des questions sur Altabianca, j'aurais des questions sur Altabianca. Loretta, vous êtes native d'Altabianca? Oh oui, je connais très bien Altabianca. Écoutez, Loretta, vous m'êtes sympathique. Exactement. En mode Alfredo de la Puerta. Est-ce que la régie peut livrer à manger à nos convives? Comme ça, on re-switch ensuite. Vas-y. J'aurais une petite question à vous poser au sujet d'un manoir, d'une propriété. Nous bien sommes sûr. Marchands et nous avons des marchandises à livrer. Et on nous a parlé d'un certain domaine. Alors, quel est le domaine? Il y a, donc, domaine d'une famille. C'est la première fois que vous êtes à Altabianca? Tout à fait. Donc, l'Altabianca est séparée en quartiers qu'on appelle les Isolotto, qui sont séparés par des arcas. Mm-hmm. Et si vous cherchez un manoir, c'est plutôt un manoir qu'on appelle le Libero. Un Isolotto qu'on appelle le Libero, dans lequel il y a tous les grands manoirs. Les grands manoirs, les grandes familles. Voilà. Donc, vous allez vers le nord-ouest et vous tomberez sur le Libéro. Vers le nord-ouest? Oh, quand vous serez dedans, vous verrez très bien. C'est des grands manoirs très beaux. Très bien. Je vous remercie pour toutes ces informations et je vous souhaite bon courage dans la libération d'esclaves demain. Si un jour on peut vous retrouver, nous avons
sommes susceptibles de peut-être participer au mariage dans les parages. Si un jour on veut venir vous voir, vous retrouver. Prenez son numéro d'Alcyon. Voilà. Je n'ai rien à faire aujourd'hui, donc je peux éventuellement vous accompagner. Mais ce sera tout. Ah. Pendant ce temps-là. Voilà Gianni. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne? Oui, mais mangeons un petit coup déjà. Non, vous n'êtes pas du tout ça. C'est nous. On est au port. Merci, mon prince. Mon cher Nicolas. Seuls ceux qui sont à la table peuvent manger. Hein. Oui. Donc nous, officiellement... On est en train de marchander avec quelqu'un qui est quand même bien trop sympa, pour être honnête. Loretta? Ouais. Je sais pas, en tout cas, elle aurait pu nous payer à manger parce que j'ai faim soudain. Écoutez, Loretta, j'accepte que vous nous accompagniez. Pas longtemps et pas très loin et pas dans des coins louches. Nous vous suivrons. Mais je vous suivrai, vous voulez aller où? Déjà, on avait prévu d'aller à la taverne, nous deux. On avait prévu d'aller à la taverne. Quelle taverne? Ah bah justement. Une bonne taverne. Je crois que vous commettez une grave erreur, vous. Altamirka n'est pas un lieu touristique. Nous détestons les touristes et les guides sont des choses... Nous cherchons une taverne de marchands. Nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des marchands. Il n'y a pas de taverne. D'accord. Pas de taverne. Wow. Alors nous cherchons un endroit qui nous permettra d'ouvrir des pistes parce que nous avons plusieurs choses à faire à Altamirka, notamment livrer des objets, des animaux. Vous les livrez à qui? C'est une excellente question, Loretta. Aux meilleures personnes, aux personnes intéressées. Vous nous dites que vous... Vous voulez vendre des choses? Oui, nous avons... Et ben vous êtes sur le marché ici. Alors, connaissez-vous des nobles, j'imagine, intéressés par tout ce qui est exotique? Alors, tout autour de toi, tu as des gens qui achètent en gros, qui sont des gens qui sont envoyés par les manoirs, qui achètent en gros les marchandises. Donc, tu peux approcher de l'un d'entre eux et proposer ta marchandise. Qu'est-ce que tu veux vendre? En fait, le coffret, il faut le livrer à une personne précise. Ouais, ouais, ouais. Les lapins, je crois qu'on pouvait les vendre librement. Moi, les lapins, librement. Je les vendre à une sorte de dandy un peu... Est-ce qu'on peut faire croire à Loretta que les lapins sont des esclaves pour les vendre très cher? Moi, j'y crois pas, donc... Moi non plus. Ok, on va vendre. On a que les lapins, de toute façon. Là, on a le coffret et les lapins. Le coffret, il faut le garder sur nous. Et les lapins, on va les vendre au marché. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où des animaux sont vendus? Nous avons des animaux de très bon pédigré à vendre. Mais pour manger ou pour de compagnie? Des animaux de compagnie, des animaux, des raretés exotiques. Mais ça peut m'intéresser, moi. C'est vrai? Nous avons un couple de lapins. Qu'est-ce que c'est, des lapins? Vous allez voir, c'est le truc le plus mignon que vous aurez vu de votre vie. Alors, elle dit... Ils n'ont pas l'air très intelligents. Non, mais leur job, c'est d'être mignon, c'est pas d'être intelligent. Est-ce que vous avez déjà vu des choses aussi mignonnes? C'est une créature qui a une excellente durée de vie. Combien d'années? Je dirais plus de 27. Et ils peuvent faire des tours? Vous pouvez essayer de leur en apprendre, oui, tout à fait. Et ils sont intelligents, alors? Ils sont assez intelligents pour se reproduire à peu près deux fois par jour. Donc, Et c'est des lapins. Ils ont un chant mélodieux? Alors, le cri du lapin est rare, non. Mais... Ils ont pas vraiment de cri, mais le seul petit couinement que vous entendrez, c'est le vôtre quand vous les caresserez, parce que c'est trop mignon. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez essayer de me vendre cet animal avec... parce que là, pour l'instant, les grandes oreilles, il est plutôt difforme. Est-ce qu'actuellement, vous ressentez un vide dans votre vie? Quelque chose à combler? Eh bien, je manque d'aventure, je veux dire. Le lapin, c'est pour vous? Pourquoi? Le lapin est docile. Le lapin est une créature mignonne. Le lapin sied parfaitement à votre style de vie, je pense. Vous pouvez le laisser. Pensez que quelqu'un qui a besoin d'aventure a besoin d'une créature docile? Oui. Avez-vous besoin d'émerveiller vos amis? D'obtenir des likes? Ok, combien vous le vendez? Ça coûte très cher, ce sont des bêtes. Vous l'avez dit vous-même, vous n'avez jamais croisé une créature pareille. Je pense que le lapin pourrait épater. Alors, c'est un peu spécial. Combien pour les deux? En fait, ce qui est spécial, c'est que... On les vend l'unité par deux, mais ça coûte plus cher si on vend le couple parce qu'ils vont reproduire d'autres lapins. Donc vous allez pouvoir en avoir beaucoup. Donnez-moi un prix. Je pense que c'est au moins 15 écus pièces et 40 écus les deux. C'est rarissime. Moi je dirais 15 écus pièces et. Et 40 les deux. C'est vrai. Faut voir ça comme un investissement. Mais c'est un animal rare. Bien sûr, vous n'en avez jamais vu. Loretta, vous n'en avez jamais vu. C'est probablement l'animal le plus rare que vous avez actuellement devant les yeux. Vous êtes sur le plus grand marché du monde et vous n'avez jamais vu ces bêtes sur ce marché. C'est un lapin. C'est une créature mythique. Sa fourrure orne les capes des plus puissants de ce monde. Alors, lance un jet de mentir-convaincre. C'est vrai, en plus. Allez. Ça n'a pas de prix de pouvoir étonner ses amis, Loretta, vous savez. 98. Tout à fait.
Non, c'est pas non, vrai. 89. Sur combien? Sur probablement beaucoup moins. Sur 80. Sur 80. Ouais. Pourquoi tu vas pas aller. Pourquoi t'as fait 89 sur ton premier jet? Tu t'es entraîné 10 fois. Exactement. T'as dit, vous savez, je vous trouve extrêmement sympathique. Merci. Vous pensez qu'une noble comme moi n'a jamais lu de livre sur le continent et n'a jamais vu un livre illustré qui parle de lapins. Mais vous c'est les animaux qui sont partout sur le continent. Vous n'avez jamais vu 40 euros, 40 écus, je trouve ça vraiment extrêmement drôle et distrayant. Vous êtes une aventure finalement. Mais vous... Là, tu dis oui, là. Allez, tu dis oui. Je vous donne 3 écus pour vos lapins. Ça vous va? 3 écus pour vos lapins? Non. Personne n'en voudra. Je refuse. Mais je sais exactement ce que c'est qu'un lapin, ça vaut rien. Est-ce que vous avez déjà vu des lapins sur le continent? Mais oui, en fait. Je vous ai, depuis le début, je vous baigne en bateau. Moi, je crois que Loretta, pour la elle nous a volé nos esclaves. Exactement. Maintenant, elle ne veut pas nous acheter nos lapins. Et elle nous les donne pour le prix d'une édentée en plus. Ouais. Vous voulez bah, redonnez-moi mes écus. Je vous redonne vos écus. Gardez-les. Merci, nous gardons nos lapins. Et en plus, lapins. Je m'en vais. Vous êtes des nuls. Et elle s'en va. Retour à. Donc, vous êtes en train de manger vos crabes. Ça, c'est bien passé. C'est délicieux. C'est très bien. Les crabes au fromage, là, c'est une spécialité. Catastrophe, Clodomir est en train de s'étouffer sur une pince de crabe. Et là, il manque d'oxygène, il devient tout bleu. Tu fais quoi? Bon, je lui fais le truc là pour. Je le prends par derrière pour lui faire un petit coup dans le ventre. Le truc là. De quick. Fais-moi un petit jet de force pour ça. Ok. Le truc de Greta. Attends, force. Tu avais dit de prendre des crabes 4 fromages, de prendre des crabes et des crabes fruits de mer. C'est ce que j'ai pris. C'est bon, 40 sur 80. Clodomir crache. Ce qu'il c'est cuit, lui, en, ce qu'il avait dans la trachée. Voilà. Et. Qu'est-ce que c'est? C'est un doigt coupé. Et voilà, ça avec une bague qui semble être de prix. Bon, déjà, on récupère la bague. Oh, le sang-froid. Le sang-froid de Petra. Tu perds pas le nord. Quoi. L'instinct du loot. Moi, je comptais comme. Alors, récupère la bague. Par contre, je vais quand même présenter le doigt au tavernier. Oui, ce serait pas mal, oui. En disant quand même. Des mouches dans ma soupe. Mais c'est des crabes? Vous voulez que je vous rembourse des 5 sceptres? Quoi? Je vous rembourse des 5 fortunas des niente? Bah alors oui, non mais déjà savoir pourquoi il y a des doigts dans les crabes. J'en sais rien, c'est le crabe qu'il avait avalé, ils sont tout frais mes crabes. Ah bon? Qui gobe des doigts. Un crabe ça. Ça mange des doigts. C'est des belles bêtes. Hein, mais... Cela dit, tu as mis le crabe comme un glouton dans ta bouche, ouais, tu l'as mâché et t'avais un doigt dedans. Voilà. Ok, bon. Alors je reprends effectivement. Tu veux exiger un remboursement, c'est ça? Mais plus que ça, mon petit bonhomme. Ah. Parce que là, ce qui risque de se passer, c'est que je vais vous mettre 0 étoile dans le livre d'or de la guilde. Franchement, tout le monde rigole. Tous les ouvriers rigolent. Ils disent, vous prenez pour qui ici? C'est pas le quartier des nobles. Alors c'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut pas avoir de goût, mon grand. Bon, c'est quand même incroyable ça. Vas-y, fais un jet de mentir convaincre. Je vous mets une étoile. Où est-ce que vous allez gagner? 0,9. Il dit, écoutez, alors tu me dis effectivement, messire, je ne pas que ça remonte au premier noble. Je dis, non, c'est bon. Prenez cet écu, on n'en parle plus. Ok, ça va pour cette fois. Tiens, tant que je vous tiens. Oui. Au niveau du vin, oui. Ça se passe comment ici? Eh bien, en général, on se fournit à Vandermeer, les larmes de la navigatrice. D'accord. Voilà. Et donc, c'est stocké quelque part, j'imagine que... Et le vin qu'on a, nous, ici? Oui. Bah, il est stocké dans les réserves du phare. Ah, c'est le phare qui a les réserves de vin? Bah, je vous parlais du vin qu'on sert à table ici. Non, je parle du vin en général pour le... Bah, les manoirs stockent le vin chez eux, le palais royal stocke le vin chez lui, et nous, on stocke les vins dans le vin. Ah, tout le monde stocke le vin en dessous de chez lui, quoi. Pourquoi vous stockez le vin chez votre voisin? Bah non, moi, je stocke le vin sur un bateau, mais je suis spécial. Ok, très bien. Non, mais je me disais qu'il y avait peut-être des stocks partagés... Non, bon, c'est pas la place qui manque ici, c'est vrai. Bon, très bien. Du coup, on en déduit parce qu'on est quand même... On s'en va déjà. Faites quelque chose en particulier ou... Alors, je te remercie vivement. Fais attention aux doigts la prochaine fois quand même. On observe la bague quand même. On prend... Un petit coup. Ouais, mais ça, on va l'observer après. On s'en va d'abord. Attends. Formol, on la prend avec nous. On la prend avec nous. Ouais. Observons la bague. Non, Formol, elle dit qu'est-ce que vous voulez. Comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Elle est à notre vous service. Prenez avec moi, je suis à votre service. J'ai dit que je vous accompagnais et que je pourrais vous donner des petites astuces sur la table bancaire. Je ne vais pas être votre chien pendant 3 jours. On est là pour faire la fête quand même. Dis donc, Formol, mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? C'est l'attitude. C'est vous, monsieur. Vous m'embauchez. Formol. Il faut tenir votre parole, monsieur. On est une famille, Formol. On t'a embauché, t'as été malade la moitié du trajet. Bah écoutez, j'y peux rien. Et le jour où vous serez malade, eh ben, ça ferait partie de. J'éviterai de vendre mes services à quelqu'un, ma. Vous allez encore faire un scandale? Vous voulez un remboursement? Non. Moi, j'aimerais bien que, par contre, que tu nous indiques les lieux intéressants. Où est-ce que vous voulez aller?
Vers le palais royal. Bah, c'est facile, c'est le gros truc là-bas qui est au bout plein nord. Elle est super insolente, hein. Franchement. Pour moi, j'espère que tu ne serais pas comme ça. Bon, excusez-moi, je suis désolé, je me suis un petit peu emporté. Mais le palais royal, de toute façon, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas de la famille royale, même les nobles ne peuvent pas rentrer dedans. D'accord, mais tu connais pas des petits raccourcis ? Non. Non. À quoi sert-elle ? Je peux vous donner des... Je peux vous dire un petit peu quels sont les quartiers. Là, par exemple, on est au phare. Ah, merci. En arrivant, on a remarqué pas mal de trous dans les roches. Il n'y a pas des entrées par là ? Il y a des trous dans la falaise, mais effectivement, pour garder les stocks de nourriture et d'alcool au frais, il y a des trous qui sont aménagés dans la falaise. Mm-hmm. Mais si votre intention est de les voler, par exemple, non. Je vous déconseillerais de le faire puisque vous êtes à portée de catapulte. Mm. À portée de catapulte. De toute façon, enfin, aucun moment c'était le programme. Bah non, pas du tout. Non. Si vous n'avez pas d'objet particulier, je re-switch sur les deux. D'accord ? Alors nous, non, on regarde notre bague. On peut regarder la bague, ouais. Alors la bague, parce que ça fait partie de la feuille que je n'ai pas imprimée. Alors il y a un doigt coupé ensanglanté et il y a une bague de prix avec une armoirie dessus qui représente un alcyon et une sorte de fiole violette derrière. Donc là, c'est l'emblème de l'île, hein. Ça, cet oiseau. Un oui, peu. Mais là, non, mais toi, t'es pas là déjà. Non, mais ça t'évoque quoi, la fiole ? Non, mais c'est très bien. Ça veut dire qu'en mettant cette bague, ça va peut-être nous donner un accès au manoir où il y a ces armoiries. J'aimerais bien que ce soit le palais royal. Maintenant, est-ce qu'il y aurait dans le secteur un... Gardez le doigt et la bague. Juste la bague. Que faites-vous du doigt, juste pour savoir ? Bah on l'a rendu attends, je vais le garder. Voilà. Pourquoi ? Parce que. Mais on peut le rendre au tavernier. Alors, pour information, au bout de 3 jours, il sera pourri, c'est tout ce que je dois vous dire. Mais vas-y. Oui, c'est dégueulasse, pourquoi tu veux garder un doigt ? Bah, j'ai failli m'étouffer dessus, c'est un souvenir. J'ai vu la lumière au bout du tunnel. Et donc ? Donc là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on sache à quoi correspond ce symbole. Formal, elle sait un peu. Elle connaît les armoiries. En fait, chaque manoir de la ville, chaque noble possède des armoiries. Donc ça appartient à un noble. Je ne connais pas tous les nobles, mais les nobles sont dans le quartier du Libéraux. Donc vous descendez la côte, vous êtes arrivé dans l'Accesso, qui est le quartier pauvre, et ensuite vous allez dans le Libéraux, qui est le quartier riche. On va au Libéraux. Formal. Donc vous passez par l'Accesso. Très bien. Vous deux, vous êtes au port marchand. Alors, vous pouvez approcher des marchands. Non, vous avez Loretta qui venait de vous dire « je ne veux pas de vos lapins ». Vous avez encore des marchands pour votre vin et pour vos lapins, ou vous pouvez changer de lieu, sachant que je peux vous décrire les environs immédiats si vous voulez. Regardons un peu les environs déjà. Ce que j'aime bien savoir, c'est combien coûte le vin à son cours actuel. C'est ça. Alors, on va se renseigner auprès d'un marchand. Vous vendez quoi comme vin ? Bah, le meilleur. Le meilleur vin. Les larmes de Vandermeer. L'arme de Vandermeer. L'arme de la navigatrice. Tout à fait. Alors, il n'y a aucun homme, malheureusement, qui veut acheter ça. Il n'y a personne qui veut acheter ça pour l'instant, malheureusement, parce qu'on est à rabord de stock. Peut-être juste après le mariage. Dans l'hypothèse où. Non, mais ça coûte combien déjà de base ? Voilà. Bah, en temps normal. Et ça dépend de l'offre et la demande, mais en temps normal, je vous en donnerai 2 Fortuna des Colonna par caisse. Rien. On a payé ça combien, nous, déjà ? Beaucoup trop cher. On voit par télépathie. On a toujours été extrêmement, extrêmement dotés en vin. Et en temps moins normal, dirons-nous, en cas de pénurie ? Ouais. Par exemple, si vous arrivez à trouver des plumes d'un oiseau rare et que mon maître leur veut absolument, ça peut atteindre des fortunes. Une plume de 3 mètres, par exemple ? Des plumes de 3 mètres de long, par exemple. Une plume de 3 mètres de long ? Je ne sais pas, vous en avez ? Ah oui. Sur le chapeau. C'est toi qui l'as. Oui, non, mais je ne sais pas si on l'avait encore. Je crois qu'on l'a encore. Parce qu'on était à la soirée costumée quand même. Mais mon maître ne cherche pas de plumes. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'était dans la simple idée de nous renseigner. Bon, ça dépend, il faut négocier. Mais si on est vraiment dans le besoin, ça peut monter à 5, je ne sais pas. Si on doit faire une fête absolument, ça peut monter à 10. Ah, d'accord. Intéressant. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Et est-ce que vous connaissez le lapin ? Non. Ça se mange ? Ça peut se manger, mais Ça peut se manger, mais là, on parle d'un animal. Ça perdrait beaucoup de sa valeur. Voilà, on parle d'un animal mythique. Un animal mythique ? Qui n'existe pas sur le tablier en cœur. D'accord. Et donc, vous leur montrez le lapin, ils les regardent et ils disent, bon, OK, ça n'a pas très impressionnant. Quel est l'argument massue pour que je dise à mon maître, j'ai acheté cet animal pour tel prix et j'ai fait une bonne affaire ? Tu seras le seul à en posséder, très certainement, dans toute la ville. Vous discutez avec un certain Utax, d'ailleurs, je précise. Utax. Encore une fois, c'est une ville de nobles qui ont besoin de loisirs. Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'avoir ce que les autres n'ont pas. Si vous avez des lapins chez vous ou la fourrure de lapin sur vous,
vous serez un peu la star de vos amis, et ça, ça n'a pas de prix. D'accord, ok, c'est un bon argument. Combien vous en demandez ? 50 écus. Alors, on reprécise quelque chose, c'est que le lapin seul a déjà une grande valeur, mais un couple de lapins a une valeur encore supérieure, parce qu'ils se reproduisent assez facilement. Non, non, il ne faut pas dire qu'ils se reproduisent facilement tout de suite, parce que sinon, c'est-à-dire que c'est facile. Sinon, c'est facile d'en avoir. Dans certaines conditions. D'accord. Combien vous en demandez ? Allez, j'ai des choses à acheter. 50 écus. 15, 15, 40 ou pas ? 15 écus par lapin, 40 pour les deux. C'est vraiment très cher, vous vous rendez compte. C'est quand même un bon sens de la négo. Hein. C'est une rareté. 15 à l'unité, 40. Ce qui est rare et cher. Il nous en reste, il nous en reste que deux. C'est les derniers. De leur espèce. Ok. Admettons 10 écus pour les deux, ça va ? 10 écus pour les deux ? Oui. Nous ne descendrons pas en dessous de 20 écus pour les deux. C'est trop cher, j'ai pas le budget. Vous avez le budget, ne me faites désolé, pas... Désolé, fin de l'affaire. Vous avez le budget... Fin de l'affaire. Fin de l'affaire, c'est 10 écus ou rien. 15 écus. Non, c'est 10 écus. Alors c'est rien. Très bien, gardez vos lapins. Donc, c'est vous... à côté d'une belle affaire. Je vous dis ce qu'il y a d'autre autour de vous. Donc il y a une espèce de temple au nord-ouest direct. Il y a évidemment le phare. Il y a un chantier naval à l'est, donc sur votre droite. Voilà. Et au bout du chantier naval, il y a une statue avec une femme. Il y a également une sorte de jardin un peu plus loin. Voilà. Et oui, au bout du chantier naval, effectivement, il y a une statue de dame. Est-ce que vous êtes dans un endroit particulier ? On n'a pas besoin d'aller au chantier naval normalement. La statue de femme avec le panier, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Puis après, il faudra aller à l'Isoloto au nord-ouest, parce que c'est à l'opposé. Ouais. Après, moi, il faut que j'aille vous me renseigner. La statue de femme ? Ouais. La statue de femme, c'est à l'est, par contre. Donc vous partez en route. Vous, pour l'instant, vous allez en direction du Libéro. Ouais. Tout à fait. Et vous passez par un autre quartier, un autre isoloto. Vous passez donc d'arche en arche, chaque fois parce qu'il y a ces précipices. Et vous passez par un quartier qui s'appelle l'Accesso. Donc Alta Bianca n'est pas constitué uniquement de palais. Il y a également l'Accesso, qui est un quartier populaire de maisons en vieilles briques délavées par le sel, où on parle fort et où le linge sèche aux fenêtres. Et il y a une mystérieuse roulotte avec le signe de l'Osmanli, si ça vous intéresse. Attends, on n'est pas là. Vous intéresse ou vous continuez tout on peut toujours passer voir. Tout nous intéresse, nous, on est... Bah oui. Vous frappez à la porte de la roulotte ? Mm-hmm. Donc, il y a une femme qui s'appelle Dame Alina, qui est une diseuse de bonne aventure. Elle dit, mystérieux étranger, je pense que je peux vous dire la bonne aventure pour une pièce d'argent. On a ça. Salut ! Vous n'avez pas la bonne aventure ? On fait la bonne aventure ? Allez, Kétra. Allez. Télépathie ? Oui. Faites-le. Ouais, allez, ok. Allez, les argent. Mais moi, j'ai un écu. On n'est pas là, mais par contre, on raque. Hein. Non, mais tiens, regarde, je te file un écu en plus. Tu vois ? Ça, c'est un doigt dans la gorge. C'est ça, ta pièce d'argent ? Merci, merci. Alors, Dame Alina, une vieille diseuse de bonne aventure, te fait rentrer dans sa roulotte. Il y a plein de gris-gris qui pendent, tout ça. Et il y a une odeur un petit peu étrange. Elle te regarde intensément dans les yeux. Elle dit, je vois que vous cherchez une femme qui vous est chère. Cette femme n'est pas très loin d'ici. Par contre, cette femme est liée par un serment. Elle ne pourra pas vous suivre. J'espère que vous êtes prête à faire un choix entre vos amis ou cette femme que vous cherchez. Oh là. Je suis à côté quand elle dit okay. ça. Oh, tu peux entendre un petit peu. Tu peux entendre, oui. Voilà. Vous pouvez m'en dire plus. Je peux répondre sur... à une question. Okay. Vas-y. Comment reconnaître l'endroit où elle est ? Je pense que vous allez le croiser inévitablement très rapidement. D'accord. Fin de la séance. Vous allez vers la statue de la femme au panier. C'est ça. Mais vous passez par le squéro. Le squéro, c'est les charpentiers. C'est le chantier naval, ça ? Face au port, charpentiers et bardeurs travaillent laborieusement à construire des chaloupes et des trois mâts élancés qui feront prospérer la ville aux Alcyons. Chaloupe pour faire le tour de l'île. Plein de gens, et il y a quelque chose qui vous repère un peu, qui vous éveille, juste, il y a une statue d'un dieu poisson. Ah. Dommage. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou pas ? Attends. C'est nos potes, les dieux poissons. Attends, c'est pote à elle. Ouais. Rien d'autre en particulier ? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Attends, lequel est lié à ma malédiction de main, là ? C'est le dieu intérieur ? Non, c'est autre chose. C'est pas le dieu poisson. La poisson, c'est la guilde des voleurs, les gars. C'est la guilde des voleurs. Ah. Donc ça, c'est-à-dire qu'il faudra le dire à Kétra.
Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que là, peut être intéressant, en fait, de revenir plus tard pour négocier une chaloupe. Pour négocier une chaloupe avec la guilde des voleurs. Ouais, pour en taxer une avec. On a même demandé à la guilde des voleurs de nous aider à faire le plus gros cambriolage dinassé de l'histoire. Moi, je propose de trouver l'ouvrier qui a l'air le plus louche. On lui propose un petit bénéfice de notre future vente en échange d'une. Mais ça, il faut que ce soit Kétra qui le fasse. Ouais. Bon, ok. On lui garde bien ça en tête. Donc, vous continuez vers la statue. Vous, vous arrivez. Attends, est-ce que moi, je peux faire la bonne aventure aussi, là, dis donc. Un denier, messire. Bien sûr, go. Il nous coupe notre aventure, en plus il nous fait raquer le gars, là, j'y crois pas. Elle te reçoit, elle dit, je vois que vous êtes quelqu'un de puissant et d'intense. Comme du bon café. Vous cherchez un homme plus fort que vous, vous êtes traqué par des gens plus faibles que vous. C'est le jeu de la vie, ça. Il y a sur cette île un mage puissant qui pourrait vous aider. Mais je ne sais pas où il est. À vous de le trouver. C'est tout ? T'as droit à une question. Je lui montre la bague. Je lui demande si elle sait à quoi ça... Elle regarde la bague et elle dit... Je peux vous dire ce qui passe sur la bague, mais c'est un denier supplémentaire. Quoi ? Mais oui. Allez, on paye. Allez. C'est payé. Terra voulait des trucs après. On a gagné un écu en plus. Elle dit, cette bague appartient à un homme qui est mort, mais qui est encore vivant. Et il y a un secret extrêmement intime et lié à tout ce que vous recherchez qui est lié à cette bague. Elle te la rend. Est-ce que ce serait pas notre pote là avec sa tête coupée ? Mais non. Non, c'est pas lui. Un homme qui est mort, mais qui est encore vivant. Bah oui. Non, mais c'est pas Moussa, faut arrêter, les gars. Bah Moussa, il est mort et vivant. Qu'est-ce que son doigt, il foutrait dans un crabe à Sa traite est bien quelque part. Pendant ce temps, vous arrivez devant la statue de la richesse. Au bout du square, une grande statue représente une femme, le bras levé et tenant un panier plein d'or. À ses pieds, des alcyons barbotent dans une grande fontaine où les passants jettent des liards. Parfois des deniers, et parfois même, vous les voyez briller au soleil, des écus. Ça se fait pas. J'ai même pas le temps d'y penser que j'étais tout ça, genre. Enfin, ça se fait quand même. Alors, vous pouvez jeter une pièce ou faire autre chose, mais à vous de jette le minimum. Il y a beaucoup de monde autour de la statue. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, découpent, ou des gens tout seuls, ou des gens tristes, des gens heureux qui jettent des pièces. Donc, voilà. Ça sera un boule pour le gang des petites poules. Ouais, c'est vrai. T'as Amaury d'ailleurs toujours ? Ouais, j'ai Amaury. Oui, il est accroché à toi. Il est accroché à la taille. Et si je m'assois comme ça et que je lance Amaury, après, ce sera long, ce sera bruyant. Tout ça pour récupérer. Mais non, parce que sous l'eau, il fait pas de bruit. Ouais, mais c'est une fontaine. Je m'assois et peut-être que je fais tout le tour de la fontaine comme ça. Non, il faut faire diversion. Alors, si vous voulez vraiment voler les pièces, un jet de discrétion réussi suffira. Moi, j'ai pas envie de voler les pièces. D'accord. On peut pas pour l'instant. Déclenchard. Ouais, voilà. Pas pour l'instant, on va se respecter un minimum. On peut aussi jeter des pièces. On peut aussi jeter des pièces. Après, c'est une statue de bonne fortune. Peut-être que ça pourrait jouer en notre faveur. Hein. Bonne fortune. Jetons une pièce. Jetons une pièce. Il est devenu très spirituel depuis qu'il est. Depuis qu'il bénit des miches, il est. Ah bah, regarde. On jette quoi ? On jette un truc ridicule. Ouais. On jette un truc. C'est le geste qui compte. C'est pas ce qu'on jette, en fait. C'est, tu jettes en fonction de tes moyens. Ouais, on va pas jeter un lapin. Hein, donc je jette une pièce de cuivre. Tu jettes une pièce de cuivre et tu vois des gens qui te regardent. Qui me regardent, je les connais pas. Pour l'instant, vous arrivez au Libéraux. Donc le grand quartier d'immenses manoirs et propriétés entourés de jardins et de murs, séparés par de grandes arches, constitue le Libéraux, le quartier des nobles d'Alta Bianca. Donc des grands domaines, avec chacun les armoiries. Alors on scanne les armoiries pour voir... Oui, on peut voir s'il y a celle qu'on a sur la bague. Je suis quand même un peu chamboulé par ce qu'elle m'a dit, la vieille, là. Alors, il y a beaucoup de manoirs. Ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous avez une méthodologie particulière ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe ? On peut peut-être décrire le... Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui passe, effectivement. Un passant, c'est incroyable. Qui s'appelle Pinscolor. Alors, Pinscolor, on va l'appeler. Ça vous mérite. Alors, Pinscolor, il arrive et il est... donc, c'est un noble parce qu'il est riche, il est jeune, il est maigre. Et on dirait qu'il ne dort pas beaucoup. Et il vous aborde et il vous dit est-ce que vous vendez de la drogue ? Encore une fois, et voilà. Non, mais. Alors, non. Il s'en va. Ok.
Salut, Pince-Color. C'est un sort qui va aller le coup. on peut pas lui parler, il part. Bah, il part, mais tu peux le rattraper si tu veux. Attendez. Attends, on n'a pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vendez de la drogue? Pas du tout, toi, dans ta sacoche, là, d'après. Bah, non, je crois que j'en ai pas pris. C'est Nicolas qui en a plein. Je sais pas si j'en ai encore. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? J'ai de la drogue, moi. Bah, moi, je cherche de la drogue. Donc mais j'en ai. Vous avez de la drogue? Ouais. Bah, je peux en avoir un peu. Quel est votre prix? Alors, déjà, est-ce que tu connais cette drogue-là? Ça s'appelle le doigt. Le doigt, non, ça c'est bien testé. Ça ressemble à un doigt. Ton suicide, tu veux que je t'arrête? Ouais, ça ressemble à un doigt. Et en fait, il faut donc, avec une flamme, effriter le doigt. Donc tu chauffes le doigt. Et quand il est vraiment bien cuit, tu peux l'effriter. Et ça, tu le mets dans une feuille, ok, avec du tabac. Et tu le fumes. Waouh! Et ouais. Ça fait quel effet? Ah bah avec ça, tu vas partir loin. Très loin. C'est une bonne dose en plus, et puis il y a au moins 3 phalanges. Ouais. Écoutez, combien vous le vendez? Le doigt? Oui. Entre une information. Mais quoi? Bah, je me suis appelant nous entendez, vous voyez. Je peux prendre 10 doigts? 10 doigts? Bah, je sais pas. Bah, là, c'est, j'ai qu'un échantillon. Bon, bah, vous me le donnez gratuit, c'est le premier ou? Non, c'est pas cette technique-là. Bon, ça va être du 10 écus, je pense. C'est un petit peu cher, j'ai que 6 écus sur moi. Ok, bah, tu vas en gratter 4 autres et puis tu en. Quoi? Ok, bon, on va pour 6, mais c'est vraiment pour toi. Et par contre, tiens, les 6 écus plus une information. D'accord, tu veux savoir quoi? Parce que je connais tout. Oui. Alors, on cherche un écusson avec un alcyon et une fiole violette derrière. C'est comment ça s'appelle? Je reconnais, je sais très bien ce que c'est. Il est un peu défoncé. Hein. Oui. C'est, attendez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donnez-moi le doigt. Voilà, mon brave. Merci. C'est les armoiries de Giacomo, c'est un parfumeur. Un très grand parfumeur, le plus grand parfumeur d'Alta Bianca et certainement du monde. De Giacomo? Giacomo Malatesta. Et vous savez où on peut le trouver? Oui, bien sûr, je vous guide. Alors, vous pouvez m'aider à rouler le doigt? Non, il faut que tu le fasses quand tu es vraiment bien dans de bonnes dispositions parce que ça va t'emmener très loin. D'accord. Et, si et je peux vous retrouver là pour en acheter d'autres? Ouais, oui, on traîne souvent par là. Oui, on sera. D'accord. Voilà. Donc, alors, le manoir de Giacomo, une seconde. Ben, il vous transporte au manoir de Giacomo. Vous êtes donc devant la statue. Oui. Alors, Gilles, à ce moment, les gens te moquent un peu de toi et tu as un flash. Et tu dis, mais en fait, je connais cet endroit. Mm-hmm. J'étais là quand j'étais petit. Lance-moi un dé et si tu fais moins de 5, tu vas pouvoir trouver tout de suite où est-ce que tu habitais. Pas la peine de lancer. Ouais, mais pourquoi pas? Moins de 5. Moins de 5. Mais j'ai déjà fait moins de 80. Mais pourquoi pas? Non, pas un dé à 6 faces. Ah ouais? Ah bah oui. Un dé à 100 faces. Un dé à 100 faces. T'as 5% de chance. Oui, d'accord. C'est impossible. Il est où mon dé à 100 faces? Il n'y a même pas 5 sur le. Attends, pourquoi pas? Tu prends aussi des lycées? Si, 0,5. Entre 0,1 et 0,5. C'est impossible. Tout à fait possible. Moi, je crois en toi, Atlan, mais c'est impossible. Ça, je me rase la tête. Bon, 92 en plus, c'est un dé à 12 faces. Mais c'est le rendu de 92, hein. En plus, 90, 12, hein. C'est vraiment, voilà. Et tu n'as pas encore trouvé, mais tu sais que quelque part, je le sais, ouais. Se trouve la maison et peut-être le secret de ta... Non, mais de toute façon, je sais où il faut que j'aille, hein. On ira tout à l'heure. Atlante, ta constance m'émerveille. C'est ça. Mais le 92 est parfait. Ouais, là, c'est mon super pouvoir. Où allez-vous? Alors là, c'est... Oui, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a plusieurs infos. On a le quartier des constructeurs, les chantiers navals. Ça, il faudra retrouver Ketra, il faudra lui donner l'information, parce que ça peut être très bien pour notre sabotage. Et je tiens à vous dire qu'on est bien avancé dans l'après-midi. D'accord. Ok, je dépêche, alors il faut qu'on aille vendre le coffret. Attends, le coffret, je voulais savoir à qui fallait apporter ce coffret. Au manoir Dolce. Donc le manoir Dolce, il faudrait qu'on aille dans le quartier riche. Ouais, il faut qu'on aille aux libéraux. Alors j'ai dit Fortunata, c'est Felicitad, excusez-moi, Felicitad et Corona, Felicitad et Globo et Felicitad et DNT. Ah bah ça change tout. Excusez-moi. Voilà. Ok. On n'a plus rien à faire sur cette statue, à moins que tu veux interroger des gens à côté, peut-être que tu as ce petit flash, peut-être que des gens savent. Non, pas pour l'instant, non, je pense qu'aller tout simplement aux libéraux sera la meilleure des solutions. Parce que toi le quartier où ton manoir serait, c'est... Les libéraux. C'est libéraux. Ouais. C'est l'Isoloto Libéraux, ça. C'est ça. Allons-y alors. Allons-y, peut-être qu'en chemin on peut peut-être retenter un coup de négociation de lapin. Est-ce qu'il y a un petit stand à pizza autour de la fenêtre parce que j'ai très faim? Non. Non mais c'est pas une ville. Mais si tu veux manger, il faut aller au phare. Tu vas pas prendre... Ah, c'est pas sur le chemin. Oh, non mais le phare il est au nord et là on est à l'est et on va au nord-ouest. J'aime bien cette petite simulation de faim, c'est bien pour une fois, les gens... On va au nord-ouest. Après, si on va au phare, on a peut-être... Ah non, bah non, ils sont partis. Non, je veux dire, on a peut-être une chance de tomber sur eux, mais bon, pas du tout. Je me dis, si on va
au nord-ouest pour aller à l'isole Autolibéro, si on passe par le phare, je mangerais bien. On peut faire un petit détour. C'est... Alors, c'est un détour. Hein. Méfiez-vous de leur crabe. Oui. Bah. Et l'heure qui passe. Donc, vous repartez vers le phare. Mm-hmm. Donc, vous reprenez un chemin que vous avez déjà vécu. Et vous pouvez manger, si vous voulez, un petit peu tranquillement là-bas. Donc, pour l'instant, vous êtes devant le manoir Malatesta, dont la porte est fermée. Mais effectivement, donc, il y a un très beau jardin. Enfin, il y a un mur blanc, une belle maison à étage. Vous entendez la mer qui n'est pas loin, donc il y a vue sur la mer. Il y a un beau jardin qui ceint le manoir. Et il y a également les armoiries que vous retrouvez de la bague qui sont devant vous. Bah, on sonne, on tape. Non, alors, faites juste attention, on ne doit pas vous faire... Parce que là, on a quand même trouvé la bague sur un de côtés. Oui, bah, alors la bague, on ne la montre évidemment pas. Mais si. Mais pourquoi? Bah, parce qu'on peut dire que nous, on a trouvé cette bague... Vous ne pouvez pas qu'on essaie, qu'on essaie de la rendre à son propriétaire légitime. Bah, ils vont dire où est-ce que vous l'avez trouvée Alors, littéralement, dans un crabe. Et il y a des témoins. Tu veux dire la vérité? Ok. Je peux toujours mentir. Non, je suis d'accord avec Ketra. Ça peut être un atout. J'ai l'impression que là, vous y allez. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas juste à voir. Giacomo? Ouais. Parce que ça se trouve, c'est sa bague. Non, je oui, mais pour savoir ce qui lui est arrivé. Pour savoir ce qui lui est arrivé. Ok, très bien. Très bien, très bien. Vous frappez à la porte? Oui. Alors, je vous redécris un petit peu la maison. C'est une grande maison ornée de mosaïques, de dauphins, avec un très petit jardin donnant sur la mer. Un étage, donc. Vous ouvrez la porte, vous toquez à la porte, et on vous ouvre précipitamment la porte. Derrière se trouve une curieuse jeune femme, avec une cape rouge éclatante, brodée d'un oiseau doré et des cheveux blonds ramassés en chignon. Mais le plus curieux, elle porte des lunettes. Des lunettes qui ne sont pas des verres, mais de minuscules petites longues-vues qui rendent ses yeux immenses. La longue vue. Et elle dit, vous êtes qui? Elle dit, oulala, vous venez allez, championne. D'Akaba. Oh. Et vous venez même du sud d'Akaba, vous venez d'Achanul, c'est ça? Oh. Et vous êtes mystérieux. Oh putain. Oh, je sais pas qui vous êtes. Oh, elle est balèze. Qu'est-ce que vous voulez à Malatesta? Alors, bonjour, déjà. Comment vous savez tout ça? Je suis inquisitrice pour le service du prince. Et je sais tout. Oh, ça pue, ça. D'accord. J'utilise la science pour tout déduire. Et d'accord. Je recherche les meurtriers. Vous tuez des gens ou pas? Alors, le moins possible. Ah, vous tuez quand même. Oh putain. Parce que voyez-vous... Si j'ai besoin de me défendre, oui. Je pense qu'aucune raison ne devrait pousser un homme ou une femme à tuer. Et je suis complètement d'accord avec vous. Même si on est sur le point de mourir. Vous savez, quand je suis sur la piste d'un meurtrier, je n'abandonne jamais. Vous comptez tuer des gens sur Alta Bianca? Bien sûr que non. D'accord, très bien. Sachez que si vous essayez, je vous poursuivrai. Je ne vous lâcherai jamais. J'en doute pas. C'est intéressant vos longues vues là. Qu'est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est ça me permet de voir loin, de voir de près aussi, de découvrir les choses et de voir les minuscules détails. D'accord. Et vous les avez construites vous-même? C'est un ami à moi. Il est un petit peu cinglé. Il s'appelle Shazam. Et, Shazam. Il s'y connaît en musique? Tu n'es pas là. Shazam fait des longues vues entre autres. Il fait plein de choses extraordinaires. D'accord. Il en fait d'autres. C'est un passionné, mais un petit peu cinglé. Il est sur Alta Bianca? Tout à fait. Il a une maison typique de mage à côté du Squero. Si vous cherchez une maison de mage dans le Squero, vous me trouverez. Forcément. Dans le Squero. Très merci. Bien. Merci. Moi, franchement, je suis pour l'honnêteté totale. En plus, elle est inquisitrice. D'ailleurs, comment ça se fait que vous êtes là, inquisitrice? C'est une maison de parfumeur. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous savez que vous soyez là, vous? Alors, bonjour. Justement. Vous allez bien? Oui, justement, vous allez bien mal à l'aise. Je vous propose de faire quelque chose, de dire la vérité. Comme exactement, alors c'est ce qu'on comptait faire, d'ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez dire votre nom? Ketra. C'est qui la dernière personne que vous avez tuée? Oula. Sûrement quelqu'un qui voulait me tuer. C'est une marchande d'esclaves. Enfin, c'était... Ah oui, c'était un marchand d'esclaves. D'accord, ça va. Alors, dites-moi, pourquoi vous êtes là? Alors, en fait, nous avons trouvé une bague. Une bague. La voici. Donc, je tends la bague. La bague de Giacomo Malatesta. C'est ça. Est-ce que vous avez trouvé l'homme qui était autour de cette bague? Enfin, non. Dans non. cette bague? J'ai trouvé cette bague dans un crabe, j'ai failli m'étouffer dessus. Dans un crabe? Oui. Au phare. Il y a des témoins. Donc Giacomo Malatesta aurait jeté cette bague dans la mer? Ah non, il y avait son doigt dessus. Un doigt coupé, c'est ça? Oui. Vous pouvez me montrer ce doigt? Ben non. On ne garde pas les doigts coupés des gens. Enfin, qu'est-ce que c'est que... Vous l'avez jeté où? Je l'ai jeté dans une poubelle. Ça, au phare? Oui, enfin, sur le chemin, je... Non, mais déjà, j'ai failli mourir en l'avalant. J'ai l'impression que vous me mentez. C'est une très mauvaise impression. D'accord, on a perdu ce doigt. Donc, ce doigt était tranché? Il était comment? Il était coupé précisément ou il était plutôt arraché? Je n'ai pas regardé ça. Mais en fait, il était mastiqué, puisque
Je l'ai mangé quand même, il était dans le crabe, je rappelle. Et ensuite, je l'ai recraché. Voilà. Donc, mais clairement, le doigt et la bague n'avaient rien à faire. Vous êtes des amis de Giacomo Malatesta ? Pas du tout. Ok, d'accord. Là, on fait juste œuvre de service public. C'est ça. C'est-à-dire d'accord. qu'on rend service, on ramène les choses à leur propriétaire légitime. Bien, d'accord, très bien. Mais j'espère écoutez, que ça va vous aider dans votre enquête. Voilà. Effectivement, bah, écoutez, Giacomo Malatesta livre le prince en parfum. Mmh. Et lui-même, il a des livreurs qui viennent d'Aria et qui lui donnent des fioles et tout ça. Et aujourd'hui, le livreur l'a trouvé porte close. Il est venu voir, comme c'est quelqu'un de sensible, je suis venu voir, et il n'est plus là. Voilà. Bon, bah, si la bague était sur son doigt et que son doigt était dans mon crabe, il y a des chances qu'il ne soit plus jamais là, en fait. C'est une remarque extrêmement pertinente qui prendrait tout son sens. Mais voyez-vous, vous savez lire ? Oui. J'ai trouvé ce mot sur sa porte. Tu peux me le lire ? Mes amis, je pars pour affaire quelques semaines au royaume d'Aria. Merci de déposer le courrier auprès de la famille Bellegno, mes voisins. Giacomo Malatesta. Son voyage vers Aria s'est arrêté dans un crabe. À part qu'il n'y a aucun bateau qui part pour Aria depuis 2 semaines. C'est étrange. C'est étrange, effectivement. Ne serait-ce pas là une machination ? C'est possible. Je suis donc sur l'enquête. Merci d'avoir apporté votre petite œuvre. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main ? Oh, j'ai toujours besoin d'un coup de main. Pourquoi ? Vous voulez devenir inquisiteur ? Bon, inquisiteur, c'est peut-être un peu... Je peux vous non, appeler mon assistant. On pourrait vous aider. Un peu l'oreille. Ah oui ? Je vous appelle comment ? Assistant comment ? Assistant Claude. Assistant Claude. Et vous êtes assistant ? Oui. Je te tire l'oreille. Vous êtes assistant comment ? Ketra. Assistant Ketra. Très bien. Ketra qui a sa 5e job maintenant, en simultané. C'est ça la gig économique. Elle est quinta classée. Je m'appelle Olympia Fonte, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Très bien. Pendant ce temps, vous avez mangé. Que faites-vous une fois que vous êtes bien repu ? Mais on continue à se diriger vers les auto-libéraux. Exactement. Les auto-libéraux. Les auto-libéraux. Vous passez, alors, vous demandez votre chemin, j'imagine, à Formol, et vous passez à l'accesso devant une mystérieuse... Roulotte. Avec un symbole de Lost Manly. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ? Non, c'est marrant, ce genre de truc où j'irais. C'est pas le truc de Clodomir, mais moi, je pense que j'irais, tu vois. Hein ? Allez, passons dans la roulotte. Alors, dedans se trouve une mystérieuse bohémienne du nom de Dame Alinea. Elle vous dit, je vous donne la bonne aventure et votre avenir pour une pièce d'argent. Une pièce d'or ? Une pièce d'argent. Ah. Faites donc. Oh, je vois que vous êtes revenu enfin après un long voyage chez vous. Je vois que votre sang a un pouvoir qui va influer sur la destinée de tous les royaumes. Et que vous êtes un homme très puissant. Est-ce que vous avez une question pour moi ? Oui, tout à fait. Avez-vous connaissance des différentes familles habitant dans les manoirs du quartier ? Non. Non, aucune ? Je suis juste... je viens d'Osmanli. Que voyez-vous de plus précis sur ce sang ? Je ne peux pas vous en dire plus et c'était votre question. Est-ce que tu veux qu'on te tire la bonne aventure ou pas ? Mais bien sûr, allons-y. On lui aura claqué 4 deniers. 4 pièces d'argent. Je cherche une pièce d'argent, tiens. 4 pièces d'argent, peut-être qu'elle aurait pu nous faire un prix si on avait su qu'on y allait. Un prix de quoi ? Ouais. Vous aimez la drogue ? Je suis pas contre. Cherchez le temple du dieu exilé Alta Bianca, je crois que vous trouverez des choses intéressantes. Il y a une question ? Une petite question. Oui. Où trouver de la bonne drogue ? Peut-être que vous devriez aller au temple du dieu exilé Alta Bianca. Oui, cool. Elle vient de te le dire. Tout me mène au... Tout me mène incroyable. Écoutez, je trinque avec vous, Dame Aenea. Merci. Sauf qu'il n'a pas du tout le droit d'aller dans un temple, lui, avec sa malédiction. Pardon, il y a un souci ? Non. Bon, bref. Je vais laisser 2 minutes le temps de faire. Donc, vous êtes encore à l'accesso. Est-ce que vous allez aux libéraux ? Ah oui. Est-ce que vous allez à... au temple du dieu exilé. Ah, tu veux aller au temple avant ? Je sais pas où est le temple du dieu exilé encore. Je sais pas où il est dans les temples. Fais gaffe, toi, les temples, les temples, c'est pas trop ton fort. Oh, moi, je peux y aller si tu veux. Attends, j'ai tous mes points de vie, ce qui ne m'est jamais arrivé depuis à peu près 8 épisodes. C'est pas une petite brûlure à la main qui va me stopper. Je te rappelle que la nuit tombe bientôt. Oui. Je crois qu'on est en fin d'après-midi. C'est pas l'urgence. C'est pas l'urgence. Il faut absolument qu'on se retrouve et qu'on mette le plan. Nous, on est au numéro, les gars.
Moi, ils sont aux libéraux, donc ça, on ne le sait pas, mais nous, de façon, de base, on veut aller aux libéraux. On va aux libéraux. Vous avez rêvé aux libéraux, maintenant, et... non, mais... C'est bien décrit. D'accord, très bien, allez, je vous la refais, je vous la refais. Moi, quel groupe on peut faire, hein. Mais non, mais... ok, on la refait. Excusez-moi, excusez-moi. Ce sont les enfants préférés, ceux qui se libéreront dans la vie. Non, mais en plus, je suis en stress, parce que j'ai pas tout imprimé, mais... D'immenses manoirs et propriétés, entourés de jardins et de murs, séparés par de grandes arches, constituent le Libéraux, quartier des nobles d'Alta Bianca. Bon, il faut que je trouve ma baraque. Et la première chose que vous voyez, c'est une vision incroyable. C'est Ketra et Clodomir. C'est un mec super chelou qui est en train d'essayer de fumer un doigt. Donc là, on va le voir. Ah bah là, on va le voir, le vieux. Mais que faites-vous, malheureux? Il dit, je suis en train de consommer de la drogue parce que je suis un délinquant. Alors moi, je me demande si c'est de la bonne. Écoutez, c'est pas mal, mais j'ai du mal à allumer le doigt. Je lui dis, mais c'est un doigt, avez-vous conscience? Mais vous voulez friter le doigt, là, depuis tout à l'heure? J'ai beaucoup de mal. Ça, c'est un peu dégueulasse, mais je commence à sentir des choses qui m'arrivent en moi. Et alors, c'est assez puissant. Est-ce que vous avez trouvé ce doigt au temple du Chéxilé? Non, non. Qui vous a vendu cette chose, cette marchandise? J'ai trouvé ça par des dealers dans le cadre. Pourquoi vendre de la drogue? Possible, mais... Vous vendez quoi? Du lapin. Des lapins. Est-ce que vous avez déjà fumé du lapin? Non. Ça se fume comment? Parce que déjà, vous avez déjà vu un lapin? Alors, il regarde votre animal et il dit non, mais ça a l'air vivant déjà. Alors, c'est vivant. il faut couper. Non, on va pas tuer. Il faut. Les crottes juste... de lapin, mon cher. Les crottes de lapin. Les crottes et de la fourrure de lapin, vous les effritez? La fourrure, disons que l'effet est décuplé, mais vous perdrez la marchandise. La crotte de lapin est à cet avantage-là d'être renouvelable. Quels effets ça donne? Vous pensez déjà avoir atteint un sommet de zénitude, de planation. Oui. De planation. Bien, aller un cran au-dessus. Alors, malheureusement, j'ai tout dépensé dans ce doigt aujourd'hui, donc il ne me reste plus qu'un écu. Est-ce que vous me donnez votre lapin pour un écu? Non, un écu, c'est... C'est 15 euros de lapin et 40 les deux. OK. Bon, je ne peux rien faire pour vous. Très bien, très bien. Nous trouverons un jour... Bon, en tout cas, c'est intéressant ce doigt. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on peut en acheter. Qu'est-ce que vous faites dans le doigt? Vous êtes bien sympathique, mon cher jeune homme, je suis à la recherche d'un manoir. Je n'ai que peu d'indications sur ce dernier. Que cherchez-vous? Le manoir d'une puissante famille, la famille de Quirk. Non, ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien du tout, actuellement? Non, je vous confirme que, moins qu'il y ait une famille de moindre envergure qui échappait qui soit vraiment installée il y a peu de temps, il n'y a aucune famille qui s'appelle de Quirk. Nous avons des lignées, et déjà tous les noms nous se terminent en O ou en A, donc de Quirk, c'est un très bien. Connaissez-vous quelqu'un qui a peut-être une connaissance plus approfondie du passé du quartier? Non. Non? Non, c'est un petit quartier, on se connaît tous. D'accord, très bien. C'est bizarre ça. C'est étonnant. Est-ce que ta famille n'aurait pas... on n'a pas rasé son manoir pour mettre un autre? Je me doute bien que... Il est possible. Peut-être c'est pas ton vrai nom. Le nom n'est pas le bon. Enfin non, on sait pas et on n'est pas là. Mais je sais. Quoi qu'on n'est pas loin. Donc je vais tenter de trouver quelqu'un d'autre. Tu as des. J'ai des indications. Tu as des. Ouais, des. Comment ça s'appelle? C'est vrai. Des lettres. Non, Est-ce que vous êtes dans un. Enfin, en fait, bon, je vais switcher à eux en attendant. Nous, on sort du manoir de Malatesta. Alors, Olympia te tire par l'oreille encore. Elle dit. Oh là là, ça va. Où est-ce que vous allez, assistant Claude? Attendez, par contre, si on fait les assistants, on est assez libre. Quoi? On va pas rester comme ça. Ah, on est en autonomie. Bah, quoi, ça sert donc à notre... au même endroit. Ah non, mais attendez, on fait notre enquête, on vient vous rapporter. Un homme est mort. Et vous allez faire quoi, là, exactement? Bah, vous nous donnez des pistes, on continue votre enquête. On a une piste, on avait un homme qui vivait dans cette maison, et il n'est plus dans cette maison. Peut-être devrions-nous regarder la maison? Non, mais... Bah, elle te donne une petite c'est palette. Vrai, on peut regarder la maison. Olympia. Et après, on se sépare. Non, mais Olympia, j'ai trouvé le doigt dans mon crabe. Ouais. Donc la suite logique, ça serait que vous alliez enquêter du côté du phare pour demander les crabes ont été pêchés quand, par quel navire, à quel moment. Faites votre travail, Olympia, s'il vous plaît. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce... J'ai quand Clodomir, il doit se plaindre. Je n'ai pas encore regardé cette maison. Alors si vous voulez, vous n'êtes plus mes assistants, je vous renvoie. Il n'y a pas de problème. Si on se sépare, on sera plus efficace. Non, laissez-nous fouiller la maison. Allez voir du côté du phare. Pourquoi tu veux fouiller la maison? Parce qu'on peut avoir des amis. Non, mais c'est pas grave. Olympia, écoutez, nous, on proposait notre aide pour vous permettre d'élargir votre champ de recherche. Si vous préférez qu'on soit tous au même endroit et du coup, ça n'a strictement aucun intérêt,
Moi, ça ne me dérange pas de rendre mon badge d'assistant que j'ai jamais eu d'ailleurs, du coup. D'accord, je vous renvoie. Renvoyez-moi, c'est bon. Je n'ai plus d'assistant. Assistant Keitra, nous allons visiter la maison. Je vais visiter deux secondes et je reviens. Bon, alors, attends, moi je ressors. Tu m'attends. Je suis à l'entrée du manoir. Oui. Bon, t'es plus assistant, mais t'es paralysé quand même. En fait. Je vois mes deux Lascars qui étaient en train de parler au mec à qui ils sont j'ai pas mangé là, mon doigt. Là. Ils sont pas encore là. Ils sont quelque part dans le même quartier, mais ils sont pas là. Ah d'accord, c'est pas sur une place. Ok. Non, c'est un quartier. Bon, bah alors j'attends devant le manoir. Donc t'as perdu ton regarde job, le, hein. Fais le tour du manoir, je sais pas, regarde de l'extérieur. Non, mais j'ai aucun intérêt à aller dans le manoir. Mais on peut apprendre des trucs intéressants, ouais, on sait pas. Mais arrêtez, vous pensez qu'au loot, enfin. Alors, il y a trois. Vous dites que la bague est intimement liée à vous, c'est hyper important. Mais oui. Il y a trois endroits dans le manoir. Il y a l'intérieur qui est un salon, il y a le laboratoire de parfum, et il y a aussi l'extérieur. Est-ce que tu veux visiter quelque chose en particulier? Alors, peut-être le laboratoire de parfum? Alors, le laboratoire de parfum. Donc, il y a un plan de travail avec plein d'essences. C'est des essences, des fragrances. Et sur le plan de travail, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 essences avec des petites fleurs dessus. Malheureusement, il y a juste le dessin des fleurs et pas le nom des fleurs. De toute façon, vous ne savez pas lire. Et c'est toi qui as le codex botanica, là. Oh. Oui. Mais who gives a shit? Mais si, mais la bague, elle est... Vous savez quoi? La bague, elle est hyper importante. Vous errez dans le libéro et vous avez quelqu'un à 50% de chance qui fait que vous vous retrouviez. Alors, qui lance ce dé? Pas moi. Je lance. 50% de chance. Moi, je vais faire moins de 50. Suspense. Zéro. Oh, wow. Oh. Zéro. Deux. Deux. Zéro deux. C'est comme ça qu'on fait, mon capitaine. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ivrogne et drogué, mais... Clodomir, il sort et fait... Non, il sait, j'aime pas l'Olympia fondée. Hein. Il grogne un peu, il donne un côté. Et à 100 mètres, t'as Nicolas qui dit « Je reconnais ce grognement. » Et il guide, et là, vous vous retrouvez et... « Quoi? Mais comment ça se fait? » Tout le monde comprend. Personne ne comprend. Et en fait, si. Voilà, c'est... Vous vous êtes retrouvés. Parfait. Donc, vous expliquez en substance qu'est-ce que vous avez fait de part et d'autre. Alors, on se met à jour tous les uns les autres. Voilà. Et pour l'instant, donc, t'as trouvé ces essences de fleurs. Voilà. Est-ce que tu fais quelque chose par rapport à ces 5 essences de fleurs que je vais appeler, parce que j'ai beaucoup d'imagination, A, B, C, D, E et F. Appelle en fait, il y en a 6. On peut les observer un peu? Est-ce qu'elles ont la même couleur? Non, elles n'ont pas la même couleur. Pas la même taille et pas la même... Bon, bah appelle-moi au pire. Alors, je dis à Olympia, vous avez renvoyé votre assistant, mais je pense qu'il serait très utile. En tant que ton assistant. je pourrais l'engager. Vraiment, en tant il n'avait pas l'air très futé. Alors, je crois qu'il connaît très bien les fleurs et je pense qu'il pourrait nous aider sur cette étape. D'accord, très bien. Appelez-le. Très bien, je sors. Tu alors pas. Je dis, est-ce que tu peux quand même vite fait lire ton putain de codex botanica? S'il te plaît. Il a jamais servi à rien. Ok, donc je sors mon codex botanica. Ça va être lui qui a le codex botanica. Oui, c'est moi, je te le file. Bah, tu me le files, voilà, très bien. Et tu as un jet en lecture. Un jet en lecture, tout à fait. Est-ce qu'il le lit en regardant les trucs ou est-ce qu'il le lit... Bah, il monte à l'étage, voilà. Voilà. Moi, ça va m'intéresser, c'est des fioles vides. Merci. 70. Et sur combien? 70. Et malheureusement, les fleurs ne te disent rien. Allez, si, la première. Tu trouves, c'est un iris. Un iris. Et quand tu sens, tu débouches, ça a l'odeur de l'iris. C'est fou quand même. Génial. Ok. Ça sent l'iris. Voilà. Il y avait quoi sur votre bague ou... C'était une fiole et violette. Un alcyon. Non, mais cette bague, si vous avez dit ce que vous aviez la voyance, cette bague est vraiment importante, hein, encore une fois. Hein. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut fouiller encore le labo? Oui, mais la voyante, ce qu'elle dit... Il n'y a rien d'autre dans le laboratoire que ces... Il n'y a que ça. Enfin, est-ce qu'il y a des fioles vides? Il y a plein d'essences de toutes les... Il y a plein d'essences de toutes les, de toutes les natures, mais il y a ces 5-là qui sont sur ça, les... A priori, c'est parce que c'est un truc qu'il préparait, peut-être. C'est un parfum pour le prince. Voilà. Vous aviez, Est-ce que c'est si le prince a eu son parfum, du coup? Non, en fait, il ne l'a pas eu. Je ne sais même pas s'il a commandé un parfum. Ouais, parce que nous, alors, moi, je dis à Olympia, on connaît un alchimiste. Mais le mot, surtout, il a l'air faux, parce que déjà, quand il dit je préfère un parfum, je vais à Aria, il n'y a pas de tout qui est parfait. Alors, on sent que le mot, il n'a pas été écrit par... On s'est mis au courant de ce qui se passe. Je reconnais votre accent, que vous êtes de Kniggar, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. J'aime beaucoup vos boissons et vos mœurs étranges. Les meilleurs. Et vous êtes également des gens très portés sur la science, et je respecte ça. Tout à fait. Et que faites-vous ce soir, Olympia, d'ailleurs? Ce soir, nous déjouons le mal. Ah, le mal, M-A-L-E. Mais est-ce que se faire du bien, c'est déjouer le mal d'une certaine manière, Olympia? Vous avez un trait d'esprit, mais ce soir, effectivement, nous sommes sur la piste de meurtrier, peut-être. Voyez-vous, Giacomo Malatesta a peut-être été
Un doigt sectionné, peut-être. Il est quelque part. Si je peux me permettre, c'est plus qu'un peut-être, là. Il a un doigt sectionné, c'est sûr, mais il est peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il est mort. Vous savez, ce n'est qu'un doigt. Assistant Claude. Oui. Tant que je n'ai pas vu ce doigt, je ne suis pas certain que ce doigt ait été sectionné. Pour l'instant, je dois juste me fier à. Alors, est-ce qu'on peut aller récupérer le doigt ? Peu éventuel. Après, il est peut-être un peu déjà émietté. Oui, mais le mec, il est foncé, de toute façon. On va aller récupérer le doigt. Et le mec, il est foncé. Vous avez encore deux pièces ou vous pouvez aller faire autre chose ? Ah non, mais on visite les deux pièces. Non, mais on va faire genre comme si on allait un peu chercher dans les poubelles. Et on dirait, on a vu un mec en train de sucer un doigt dans la rue et on l'a repris. On peut tenter pendant qu'il fouille la maison. Le doigt, toi, fais ça. Déjà, et en j'apprends attendant qu'il a rendu un doigt à un mec quand même, donc je me dis putain. L'argent. Le doigt, il est à 100 mètres de nous là. Pour 6 écus. Il est vraiment pas loin. Le doigt est à 100 mètres de nous, il est encore reconnaissable. Hein. J'ai vu, hein. Il a un bout un peu cramé. Mais... Bon, et bah va le chercher alors dans ce cas-là. Je vais chercher le doigt. Et nous, on visite les autres pièces. Alors, on va d'abord traiter le doigt. Donc tu retrouves le mec qui est en train de fumer son doigt. Et il dit hey, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me vendre ton lapin pour un écu? On peut tu non, peux pas lui changer contre doigt. Non, je vais pas lui changer un lapin contre un doigt brûlé quand même, c'est vraiment. Non. Je lui demande si je peux goûter le doigt. Alors il dit ouais, ok, vas-y. Il est défoncé, on est d'accord. Non, il n'est pas défoncé parce qu'il essaie de fumer un doigt. Non, il était un peu défoncé, non? Il était un petit peu chelou. Dans sa tête, il est défoncé. Ouais, il est un peu défoncé. Je prends le doigt et je pars en courant. Alors, fais un jet d'athlétisme avec un bonus de 40%. Bah, parce que tu l'as vraiment pris par surprise. Et donc là, on est sur une place d'un quartier riche. Ouais. Un mec vole un doigt et part en courant. On est remarqué hein, quand même. Attends, attends, athlétisme, c'est courir et sauter. Oui, c'est ça. Oh, mais j'ai que 40, merde. Mais c'est vrai, t'as un bonus de 40, faut que tu fasses moins de 80. Oh, ça va. De 40% de 40. De 40. Ça va. On marque rien. Oui, 44, fantastique. Il royaque le doigt. De toute façon, le mec, ce que je me suis dit, c'est qu'on est avec une inquisitrice. C'est le mec qui dit il n'a pas fait la police parce qu'on lui a fait un doigt. Il n'a pas non plus dire. Bon, bref, mon plan marche à la perfection. Je ramène le doigt, puis le mec, il va pas. Voilà. Alors, Olympia regarde le doigt, et elle dit je regarde, elle dit dans une poubelle, c'est ça? Non, j'ai dit. Alors, moi, je l'ai jeté dans une poubelle. Voilà, mais moi, je suis trouvé sur un homme qui était près d'une poubelle, qui était en train de tripoter. Et comme par hasard, ok, d'accord. C'est bon, je ne poserai pas de questions. Mais effectivement, il a l'air d'être arraché. 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 Et non sectionné. Et non sectionné. Mais peut-être que c'est parce qu'on l'a un peu mâchouillé. Hein. Peut-être. L'enquête progresse. Et plutôt fumé aussi, émietté. Ouais, ça après. Donc, toi, tu fouillais dans la pièce. Est-ce que. Normalement, il y a un jet de perception. Ah ben oui. Est-ce que tu as ça? Alors. Bon, je ne suis pas la plus forte en perception. Mais bon. Alors, il y a une belle bibliothèque. Mmh. Malheureusement, tu ne sais pas lire. Donc, le jet de perception ne portera pas là-dessus. Attends, moi, je peux faire un jet de perception sinon. Vas-y. Oui, en général, pour perceptionner, c'est ouais. Demi. Hein. Moi, je suis 60. Ah bah, c'est sûr que c'est mieux. Hein. Bref, 60. Sûr ? Sur 75, bien sûr. C'est un succès. Alors, plusieurs choses. Oui. Tu découvres un magnifique livre qui s'appelle le Codex Ovo. Hé, hey, je l'avais pas dans ma collection. Ovo. Un traité sur les œufs. Ah, mais on aurait pas un œuf qu'on se travaille depuis à peu près le début de cette année. Assez rare et qui contient tout ce qu'on peut rêver de savoir oh, sur les œufs. Ah bah parfait. Alors, le feuillette. Feuillette-le et puis... Tu le feuillettes et il y a un feuillet qui tombe. Oh. Ok. Un croquis ancien d'un jardin avec une curieuse fleur en forme de cloche renversée. D'accord. Attends. Un croquis. Attends, alors note ça sur ton codex Ovo. Attends, Olympia Fontaine, elle te tape sur les doigts, elle dit vous n'allez pas voler ce codex. Absolument pas, Olympia, j'étais en train de le regarder. Tu adores la science. J'adore les œufs, j'adore la science. Et ouais, tu découvres et aussi... Il faut toujours dire j'adore la science, que Olympia, elle est full science. À part le Codex Ovo, tu découvres une broche qui montre un alcyon attaché par des lanières de cuir. Oh. Mmh, et avec la broche, tu découvres ce mot. Est-ce que tu peux pas convaincre aussi Olympia après de récupérer le Codex Ovo, sachant que tu as déjà deux codex, tu lui dis, évidemment. Tu peux nous dire? Alors, Olympia, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Dis-moi en plus, assistant Claude. Oui, déjà, il faudrait que je récupère le codex au moins pour l'étudier à tête reposée. C'est possible, je le ramènerai bien sûr. Tu es en train de me mentir, mais ce n'est pas la priorité, on verra ça ensuite. Ok, très bien. Alors, j'ai trouvé ce mot. Il dit, mon cher ami, je sais que tu ne veux plus recréer ton mythique songe d'Osmanli, mais ma fille est dévastée par ce mariage et je pense qu'un cadeau unique et légendaire que nul autre ne pourrait jamais avoir lui redonnerait le sourire. Je compte sur toi. Et c'est signé G. Mmh. Il y a beaucoup de G sur G. Ouh là 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 là. Enfin, un G qui a une fille qui se marie. Gioconda. Bon.
C'est Gioconda. Gioconda. Je ne sais pas si c'est lui, mais... Non, mais c'est la personne qui se marie. C'est son père, a priori. Ouais. Donc, en gros... Enfin, Léonide, c'est le prince. Attendez. Léonide Gioconda. C'est la princesse Gioconda. Olympia, comment s'appelle le père de la mariée? Je ne l'ai pas sous la main, je ne l'ai pas imprimé. On va dire qu'il s'appelle... J'ai quelque chose. Ketuki. Quoi? Ketuki. C'est un nom étrange. Ketuki Medico. Ketuki Medico. Exactement. C'est un Pokémon, son père. Bon, bref. Ketuki Medico. Ah, mais et sa mère. Sa mère s'appelle comment? IGN France. Un beau prénom. Oh, c'est un beau prénom. IGN France. IGN France. Médico. IGN France Médico. Bah génial. C'est un joli prénom. Et donc le G là, ça correspond à quoi alors? Non, mais attends. Ce que je suis en train de me dire, c'est que. C'est que le mariage est forcé. Le mariage est forcé. Et que le parfumeur devait refaire une formule qu'il se refusait à faire depuis bien longtemps. Un parfum mythique. Et alors, les songes d'Osmanli. Et qu'on a peut-être. Est-ce qu'on n'aurait pas tous les ingrédients de ce parfum? Amaury. Il dit que j'ai de la sommeil. Quoi? Amaury a sommeil. Mais je le baffe à Amaury là. On l'a bien dit. Oh, c'est quoi cette violence sur cet enfant? Oui, bon, c'est un stagiaire. C'est un stagiaire? Ouais. Très bien. C'est un enfant qui nous a. J'ai beaucoup de problèmes. C'est un enfant difficile. Il faut le grand frériser un petit peu. D'accord. Ah non, mais attendez. Toi, t'es alchimiste, tu vas me refaire le son. Je suis alchimiste. Je me retrouve dans le laboratoire de Giacomo avec les 6 parfums de fleurs. Si on retrouve peut-être quelque part la notice pour faire ce parfum, je pourrais peut-être le recréer. Mais oui, mais dans quel but, ça? Rentrer dans le palais, derrière. On serait les héros de... Livrer le parfum à la femme qui se marie. En étant les envoyés de Giacomo, il va falloir faire passer ce truc-là auprès de l'inquisitrice parce que je pense qu'elle a autre chose à foutre. Ceci étant, vas-y. Ça nous permettrait quand même d'avancer petit à petit vers la vérité. Saviez-vous, inquisitrice, Olympia, chef, patronne, que, et c'est la science qui le dit, le mariage n'était pas forcément bien vécu du côté de la mariée à venir? Ce ne sont pas mes affaires, par contre. C'est pas vos affaires, il y a une personne qui va peut-être. Vous venez d'arriver à Alta Bianca, vous êtes là depuis longtemps? Oui. C'est pas vos affaires? Oui, à quoi? Oui. On vient d'arriver. D'accord. Pourquoi donc? Je ne sais pas à quoi correspond cette alcyon avec des lanières de cuir. Ouh, ah bon? C'est étrange. C'est ça. Un écusson que c'est vous ne connaissez pas? C'est pas un noble. Ah, c'est bizarre parce que si elle qui vit sur alcyon ne connaît pas cette. Pourtant, c'est un alcyon. Alors attendez, je voulais juste résumer. De quoi est tombé quoi? De quel livre est tombé ce mot déjà? Du Codex Ovo. Donc, le Codex Ovo sont tombés 2 feuilles. Une feuille avec. Non! Le mot, il était sur la broche. D'accord, donc... C'est la broche qui est tombée du codex. Il range des broches dans les codex. Donc, 2 codex sont tombés, une feuille et une broche. Il y a une feuille avec un jardin et une fleur en forme de cloche inversée, et une broche, et dans cette broche, il y avait ce mot. Ça veut dire qu'on a besoin du codex ovo pour faire ce parfum? Pourquoi le mot, cette broche, est dans le codex ovo, et pas dans un... Est-ce que tu es bien calme? Oui. Vous avez un petit peu de sang de Varna, j'ai l'impression. Si vous le dites. De Varna, c'est quoi? Varna, c'est quoi? Mais si Varna, c'est un endroit où on était. Empire de Varna? Ah oui. Loin à l'ouest? Oui. Loin à l'est. De quelle famille? Justement, je recherche la maison familiale. Un mystère intéressant. Oui, pouvez-vous m'aider? Vous avez un nom? Je n'ai pas un nom, mais j'ai quelque chose que notre ami Clodomir pourrait vous indiquer. Assistant Claude, Clodomir. C'est la seule personne qui sait lire dans votre groupe? Ouais. Oui, actuellement, oui. Il faudrait que vous appreniez à lire. Il faudrait que j'apprenne à lire. C'est vrai, c'est pourquoi on n'a jamais... Bah parce que ça s'apprend pas comme ça. On est trop occupé à essayer de négocier des trucs, des pinces de crabe à un denier là. Atlan. Dis le mec, ils vont des doigts. C'est pour survivre. Dans le jardin du manoir se trouve une rotonde et une statue de Dame Santa Sofia. Il y a une fente sur le piédestal. Arrêtez-vous là. Voilà. Très bien. Santa Sofia, c'est quoi Dame Santa Sofia? Il y a le manoir Santa Sofia. Ben voilà. A-t-il une statue de une rotonde avec une statue de Santa Sofia? Il est pas loin d'ici. C'est vrai? Oh, vraiment, il est à 45 mètres. Bon. Ah oui, 45 mètres. Eh ben, très bien. Peut-être 50. Voilà qui est bien intéressant. Même à 50, on y va, Olympia. Hein. Si vous me permettez, je n'ai rien à faire sur cette enquête. Si, au contraire, on est sur un endroit palpitant. Vous n'allez pas nous fiffer. Ah bah oui, attends, d'abord. On a 45 mètres de... Tout à fait entre nous, le manoir Santa Sofia, c'est un endroit de sinistre réputation, avec une histoire extrêmement tragique. Pouvez-vous me la raconter? Et c'est un endroit maudit et hanté. Wow. Je vous invite à ne absolument pas y aller. Okay. Et attendez, vous pouvez nous en dire plus? C'est devenu tragique. Pourquoi donc vous, une
une personne de science croire en ces balivernes, manoirs maudits et hantés ? Je crois que j'ai beau être de la science, j'ai vu, parce que je connais bien Shazam. Et qu'avez-vous vu ? Que la magie existe, et on peut savoir que les malédictions existent aussi. Voilà. Oui, la magie, oui, la magie, oui, les malédictions existent, mais je me pense en bonne disposition pour pouvoir les contourner aujourd'hui. Vous... J'aimerais rester dans le laboratoire du parfumeur. Vous allez vous le suggérer. Ah, je suis chaud, là. Tu rentres dans le laboratoire et tout de suite bah, je vais un peu fouiller maintenant. Parce que là, je sens que. Il y a quelque chose à faire dans ce laboratoire. Ouais, les fioles, elles sont là. On n'a pas pu les déchiffrer tout de suite, mais il y avait quelques parfums. Peut-être que si on arrive. Peut-on essayer de relier à les autres parfums ? On peut redéchiffrer les parfums, ouais, maintenant que je suis là. Excusez-moi. Parce que si on arrive à déchiffrer ces parfums, et qu'après on cherche peut-être dans le Codex Botanica ou des choses comme ça. On pourrait peut-être trouver quelque part la recette de ce fameux songe d'Osmanli. Il y a une petite plante en pot qui attire ton regard. D'accord. D'alchimiste. Est-ce que tu veux m'envoyer un jet de bien détecter sûr. Les choses Identification. Identification. Où est-ce qu'il est, mon petit identification ? N'allez pas. Déterminer une substance ? Oui, c'est ça. N'allez pas au manoir Santa Sofia. On va aller au manoir Santa. 43. C'est bon. Tu l'as identifié ? Oui, je l'ai identifié. Alors, c'est de la Vitania. La Vitania. C'est un stimulant hyper puissant. Ah bah. Qui, quand tu le. Un stimulant. Il aurait fallu donner ça à notre exactement. Ami de quelle nature ? Eh bah, bien, si quelqu'un vient de mourir, il est arrivé à zéro point de vie. Ah bah, c'est mais bien. Pas moins un. Zéro point de vie. Tu le fourres dans la bouche, tu fermes la bouche et il arrive à un point de vie. Ah bah, c'est bien. Et par contre, il reste KO. Ah, c'est bien parce que c'est. Pour le nombre de fois où je vais traîner avec Atlan, ça pourrait me servir. Tu as de quoi utiliser une fois ça ou. Tu peux essayer plus tard d'en faire une potion. Je vais garder la Vitania avec moi pour l'instant. avec mon autre ingrédient qui est de l'ugli ambré. Je ne sais même plus ce que c'est. Très bien, il faudra que je trouve un flacon pour en faire quelque chose. Donc la Vitania, ça remet à zéro si quelqu'un... Enfin, ça remet en vie, mais en chaos. Donc toi, tu es dans le laboratoire. Alors, tu es toujours devant les six fioles, A, B, C, D, E, F. Ouais. Sachant que la A a été identifiée par, comme de l'iris par l'assistant Claude. Il y a B, C, D, E, F, alors, si tu veux. Tu peux les renifler, si tu veux. Ah, je vais songe d'Osmanli. Je vais évidemment toutes les renifler. Alors, tu renifles la deuxième, très facile, c'est de la vanille. La troisième, c'est de la bergamote. Alors. Et Olympia te dit, vous avez vraiment un nez exceptionnel. C'est avec le nez, Olympia. À quel âge, Olympia, juste pour des stats Disons 32 ans. Oh, bah, oh la fleur de neige. Mais okay. J'ai demandé à Olympia ce qu'elle faisait après l'enquête ce soir. Non, mais parce que d'habitude, tu vas plutôt dans la gériatrie, donc je me disais, bon. Non, je vais pas dans la gériatrie, j'ai un spectre large. Le quatrième, c'est du chèvrefeuille. D'accord. Je reconnais tout ça, les amis, il n'y a pas besoin de lire pour ça. Alors, avant que tu sentes le cinquième, ouais. Ton sixième sens d'alchimiste te dit, est-ce que je devrais vraiment sentir le cinquième ? Il y a un mec qui va perdre des points de vie. Je vais sentir le sixième d'abord. Alors le sixième, et le dernier, il faut que donc. Tu me fasses un jet de déterminer une substance. Parce que c'est une fleur, ça sent très bon, mais c'est quelque chose de pas courant. C'est du lapin. C'est du songe d'Osmanli. 80 et quelque chose. Ah, moi je suis au-dessus. Eh bien, c'est une fleur quelque chose, voilà, tu ne sais pas. Tu peux pas faire sentir 80. La cinquième à Amaury au pire. Mais non, mais non. Je tire sur la corde. Mais je vous rappelle que c'est une méga grosse récompense. Ouais. Ça va pas le tuer. Ça va au pire, ça, ça va l'assommer. Mais c'est un enfant, au pire, quand même. Ça fait une belle leçon de vie. Mais... Donc. Sinon, on fait sentir au fumeur de doigts. Sinon, on fait sentir à Olympia. Non, bah non, faut pas. Non, il sera pas venu pour rien, comme ça. Enfin, mais il est pas venu, justement. Ça. Mais non, mais il aura... Ah oui, mais tu lui as volé son doigt. Bah oui. Non, mais là, il sait que l'inquisitrice est là. Il connaît le quartier. Il va pas nous faire un scandale. Je lui propose de sniffer un truc gratuit. Il va mais non, mais... Attends. Ouais, c'est soit lui, soit Amaury. C'est soit lui, soit Amaury, je prends pas la question. Amaury, c'est quand même une cagnotte, les gars. Ouais, mais Amaury, c'est pas un Amaury, c'est un trésor. On peut le ramener mort ou vif. Oui. C'est pas précisé. Quoi bon, mais non, mais bien sûr. Non, il faut le ramener, je pense. Non, mais au pire, on le revive, il a la plante. Mais non, mais oui. Mais attends, je peux le remettre à zéro. Ouais, c'est vrai. C'est parti. Amaury, je tire sur la corde, le gamin pleure, mais je m'en fous. Je cautionne pas du tout ce que vous faites. Attrape comme ça, là. J'écarte les trous de nez. Alors, Olympia, elle te met la main, elle dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous voulez que j'appelle la garde ? Cet enfant. Vous voulez que je vous confie cet enfant ? Je crois que vous n'êtes pas apte à vous occuper d'enfants. Je suis son père, je fais ce que je veux. c'est votre fils, vraiment ? Bien sûr. Amaury von Trunkel, bien sûr. Vous êtes père célibataire ou vous êtes... Je suis parfois père.
Ça m'arrive régulièrement. Voilà, parfois c'est... célibataire aussi. Mais en ce moment, t'es célibataire. Oui, mais il y a... ça ne tient qu'à elle de changer si ça. Si vous faites sous mes yeux renifler cette substance étrange à cet enfant, je vous garantis, je vous le jure, que je prendrai cet enfant et je le donnerai à l'orphelinat d'Alta Bianca. Ah bon, alors je redonne du lest à Maury, là, il part en corde. Ah, Maury dit, est-ce que je peux dormir ? Elle dit, vous devriez faire dormir cet enfant, qui a l'air fatigué. Oui, oui, mais... bah, donne-lui du lest et fais-le dormir dans un coin. Voilà, bon, je fais dormir en attendant près des fioles, comme ça je pourrais me balader autour des fioles à portée d'Amaury. Mais par terre. Hein. Bon, on appelle le junkie, là. Comment s'appelle le junkie ? Mais... il s'appelle comment le on junkie ? On n'a pas le nom du junkie, vraiment, d'ailleurs. Vraiment, vous voulez faire ça ? Si, il avait un nom. Il avait un nom. Pince Color, non ? Ah oui, Pince Color. C'est vrai, Pince Color. Bah ouais, tu vois, il se disait. Bon, je vais chercher Pince Color. Un bon sub. Mais tu vois, il se disait que son sub ne servait à rien, mais il est content. Non, mais je prends pas le risque de sniffer cette cinquième substance. Il dit oui. Ça te dirait de sniffer. T'es toujours en. Alors, on le chuchote à l'oreille. De nouveauté. Non, mais il faut dire qu'il y a la police là, quoi. Mais non, mais c'est pas grave. Justement, une nouveauté qui est pour le coup tout à fait légale. Par surprise, il te donne un coup de poing et tu perds un point de vie, tu tombes par terre. Et il dit. Ton pote m'a volé mon doigt, salopard. Mais c'est pas moi. Je sais, mais c'est ton pote. Oui, mais c'est il te redonne un coup de pied dans les côtes. Tu perds justement, ton point de vie, alors je perds mon point. Tu de me rends mon doigt et après on voit. Apaise son cœur. Apaise son cœur. Je vais faire exactement. Je vais faire un jet d'apaiser les cœurs. Vas-y. Alors là, moi, je me recule dans l'ombre. Oui. Hein. Non, mais il me donne tellement de points de vie à temps que tu vas pas. Bah, si, on est dans la maison. Non, mais on va secouer très bien les dés. Secoue bien, tu vas faire moins de combien ? Moins de 80. Ça va. Ah, ça va. Ah, 37. Oh, oui. Wow. Donc là, je lui dis, écoute, calme-toi. Oui. Les actions de mon pote, comme tu dis, ne sont pas les miennes. Moi, je suis là pour t'aider. C'est vrai. Moi, je suis là pour te supporter. Je moi, je suis là pour t'offrir un trip hallucinant. C'est vrai ? Qui, en plus, est gratuit. Combien je dois payer ? C'est gratuit. C'est gratuit ? C'est gratuit. C'est un peu suspect. Si c'est gratuit. Ne me dis pas ouais. Que tu n'aimes pas les choses suspectes. Tu aimes les choses suspectes. C'est vrai, tu as les bons mots pour moi. Je te suis. Je te rappelle. Ça va être lent, carré parti. Allez, donc là, je le ramène à la baraque. Voilà, je vous présente Pince Color. Hé, hey, ça va ? Pince Color qui a un nez incroyable. Moi, je suis quand même dans un coin, tu vois. Parce que bon, je lui ai vendu un doigt. Alors, qu'est-ce que je dois renifler ? On lui montre la fiole numéro 5, la fiole labellisée. Numéro 5, en plus, parfait. Alors, il la débouche. Numéro 5. Il renifle et il dit : je dois faire quoi maintenant ? Nous dire ce que tu as senti, tout simplement. Ça a une odeur un petit peu de fleurs. Et tu vois que son visage change. Et il se sent triste et il dit je pense pas que je devrais faire ça, en fait. Je pense que je rate ma vie. Oh là. Et il se jette par la fenêtre. Oh là. Il se jette par la fenêtre. Ouais, il se défenestre. Mais c'est pas très haut, ça va. Ouais, c'est une maison à un étage. Ouais. Mais il perd exactement 8 points de vie sur 8. Oh. Donc il est en train de mourir. Non, garde la fleur. La vitalité, il n'y a pas moyen. Non, mais garde la fleur. Non. Alors, voilà, Pierre Fontaine dit, est-ce qu'il y a un médecin ici ? Mais le pauvre. Je ne suis pas médecin. Attends, mais si, on peut soigner. Attends, je vais le soigner. Vas-y, on peut... Mais non, mais là, il faut le revive. Non, mais soigner, ça peut marcher. Je ne revive pas avec la vitalité. Ah non, soigner, ça peut les redonner. Qui a des points pour soigner le pauvre ? Bon, médecin, Ketra. Allez, un seul jet pour tenter de soigner. Il n'y a que moi qui sais. Comme la dernière fois, c'est le jet de la vie. Attends, de la mort. Donc Pince Color, là. Le mec, on le trouve. Ouais. On lui vend un doigt. Il essaie de fumer. On le vole. Ensuite, on va le rechercher. Il met une patate à Atlan. On lui fait respirer un truc. Il se jette par la fenêtre. Il est dans le jardin. Là. Attends, on peut le sauver. Attends, moi je sens un peu le poids de la culpabilité. Il y a un peu, oui. Parce que tous ces problèmes, c'est à cause de nous. Donc j'essaie de le soigner. C'est à toi, Atlan. Attends, oui, c'est vrai. Olympia, vous auriez quand même pu fermer la serre. Sur 60. Sur 60 ? Il vit encore un peu, mais il a tous les os cassés. Bon, ça, il se... Bon, bah... Alors, il dit faiblement, il est en train de pleurer, il dit « Achevez-moi, achevez-moi, je mérite pas de vivre. » Oh là. Alors, on va mettre la main sur l'épaule, elle dit « Assistant Kaitra, vous avez des dons exceptionnels. » Merci. Moi, je cherche dans mon Codex Botanica les plantes qui donnent un effet suicidaire. C'est peut-être de la Xanaxia. Tu connais cette plante ou pas ? Du Tramadoli ? Du Tramadoli. Alors, effectivement, tu peux faire un nouveau jet de lire et écrire à l'infini cette nouvelle information. Volontiers. Mm-hmm. J'ai encore failli crever. Hein. Oui, j'ai sniffé ce putain de fragment. Amaury a failli crever. 63 oui. Sur 70. Voilà. 70. Muni de cette information et du dessin de la fiole, tu découvres que cette plante s'appelle le rélinium. Rélinium. C'est une plante, effectivement, très, 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 très rare et dont le parfum a cette capacité de rendre les gens dépressifs à un tel point qu'ils veulent se donner la mort. Mais peut-être qu'en très faible quantité, il... Il peut faire planer, peut-être. Tu veux essayer ? Non. Je me dis, si le parfumeur l'avait dans son établi, c'est que... Donc, on a à deux. Moins que... Bah, soit c'est lui qui... La fiole ait été remplacée pour... Ouais.
Ah. Ou alors il l'utilise en très peu de quantité. Au plus haut niveau. Est-ce que tu aurais, mon cher, on partage avec Olympia. Si cette plante est utilisée en alchimie en de très faibles quantités, en alchimie ou en parfumerie, je ne sais pas. Il est peut-être un peu tôt pour faire des déductions. Oui, parce que pas que ça. Comment? La broche. Ouais. Mais même vous ignorez le. Attendez, de quelle couleur est ce flacon? Transparent. C'est pas violet. Okay. Non, parce que juste c'était un alcyon avec une fleur. Un alcyon avec des lanières en cuir? Non, ça, c'est. Ouais. C'est la broche. C'est la broche. C'est un petit. C'est une iconographie un petit peu, on va dire, coquine. Bah oui. Qui n'est pas du tout de mes habitudes. C'est du bondage, on est d'accord. C'est du bondage. C'est du shibari. Bon, bref. Cette broche, on l'a. On mais peut-être, pas que, peut-être que Pince Color, parce que Pince Color, il connaît tout, lui. Non, mais Pince Color, il a rien d'autre à faire que de nous répondre. Vas-y, pose-lui la question. Ouais, alors. Dis-moi, Pince. Pas moi, je lui ai vendu un doigt. C'est pas moi, je lui ai repris. Ketra, tu l'as sauvé. Ouais, c'est bon, Ketra, c'est mon pote. Là, je lui soulève un peu la tête en allant très doucement. Et je lui montre la broche, je lui fais. S'il vous plaît, tuez-moi. Mon bon ami. Moi, je sais pas, mon bon ami. On te tuera avec cette broche si tu dors. Avant de mourir, que peux-tu me dire de cette broche? Rien, je veux mourir juste. En fait, on te donnera la mort avec cette broche si tu l'identifies. Non, tuez-moi maintenant. Non, on te tuera pas maintenant, identifie la broche. La Pia Fonté dit : je vous trouve vraiment très cruel. Est-ce que vous êtes vraiment un bon père? Ah, ça, moi, je suis un très bon. Je suis un très très bon alchimiste. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, il nous reste le jardin aussi à explorer. Bon, ouais, on explore. Attends, je pense qu'on va peut-être laisser tomber le. Olympia peut. Non, mais il faut l'amener à l'hôpital. Ah oui, il faut qu'on demande. Est-ce qu'un garde de Olympia peut amener. Olympia, justement, voyez l'état de ce pauvre homme. Je pense que nous sommes. Non, on le voyait en alcyon de détresse. Je pense que vous êtes, vous êtes tout aussi fautif que nous dans son état actuel. Occupez-vous-en. Ok. Mais ne le tuez pas. Elle descend dans la rue pour aller demander à un garde de s'occuper de Pince Color. Donc c'est parfait, la maison est vide. Le codex Ovo. Définitivement dans mon sac. Est-ce que tu peux pas tout de suite regarder s'il n'y a pas l'œuf Non, en fait, moi, les fioles, je vais pas les voler parce que je vais rester dans ce laboratoire. Imagine, elle te dit, vous l'avez volé et tout. Tu veux pas regarder maintenant? Ok, alors je regarde le codex Ovo et je compare avec l'œuf que j'ai dans mon sac. J'ai de lecture et écriture. Bien sûr, j'arrête pas en ce moment. 56 sur 70, c'est donc un. Alors, tu feuillettes en attendant qu'elle revienne et effectivement, tu découvres que cet œuf extrêmement rare est un œuf de vouivre du désert. Ah, oh bah parfait. Un espèce de dragon extrêmement dangereux. Et pour faire éclore cet œuf, il faut l'enterrer dans un endroit qui s'appelle le désert noir, qui est particulièrement chaud. Et le sable noir fait en sorte qu'il chauffe encore plus. Et quand il laisse une journée entière enterré sous le sable noir du désert noir, eh bien, une vouivre apparaît. Une du désert. Qui est un animal qui est non seulement extrêmement dangereux, comme tous les dragons avec des ailes, mais en plus qui peut cracher l'électricité. Tu pourrais être le Father of Dragons. Génial. Ça pourrait être pas mal. Entre ça et Sang-Froid Fillon, j'ai l'aspect reptile là qui se dessine. Sinon, on peut le vendre. Non, on va pas le vendre. Bah. Non, mais... On peut avoir un dragon qui crache l'électricité. Qu'est-ce qu'on va le vendre? C'est une vouivre. Oui, quand est-ce que tu avais prévu d'aller dans le désert noir? Là, tout de suite. Le désert noir, ça te rappelle quelque chose, tu connais. Hein, est-ce qu'on peut dire que son coup, quand elle crache le truc, ça s'appelle la fureur de vouivre? La fureur de vouivre, si vous voulez. Vous pouvez même déjà trouver un prénom pour la vouivre. Moi, je pense que pour son coup spécial, la fureur de vouivre. Rien que pour ça, je ne la vendrais pas, Atlan. Bon. Parce que le jour où tu vas créer la fureur de vouivre et qu'elle va être. Oui, mais autant. Il faudra d'abord la fumer, je te rappelle. Moi, ça ne vous concerne ni l'un ni l'autre. C'est attends, l'œuf. Alors, non, c'est notre groupe. Attends, c'est l'œuf du groupe. C'est l'œuf du groupe. Il y a une garde partagée sur cette vouivre. Attends, c'est pas parce que tu le portes qu'il est à toi. Et malheureusement, c'est je la te rappelle que je suis la seule à pouvoir parler aux animaux, donc calme-toi. Oui, ça a super bien marché jusqu'à présent. Bah oui, ça a bien marché. Tiens, vas-y, parle aux lapins, là. À propos des lapins, d'ailleurs. Juste pour recentrer. Est-ce qu'on peut fouiller dans la bibliothèque pour voir s'il y a la recette du songe d'Osmanli? La bibliothèque a déjà été entièrement fouillée par Claude Omir et vous ne trouvez rien du tout. Est-ce qu'on peut fouiller les bureaux? La seule chose qui n'a pas été fouillée pour le moment, c'est le jardin. Alors, fouillons le jardin. Qu'est-ce qu'il irait mettre? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce jardin? Fais un petit jet de perception. Et je vous rappelle que dans le codex Ovo, il y avait un jardin. La photo du jardin avec la cloche inversée. Oui, avec la cloche retournée. 35. Alors, Claude Omir cherche partout, ne trouve pas forcément des choses intéressantes, à part des petites dents de Pince Color, pour l'odeur de sa chute. Mais après une étude attentive, tu découvres sur la balustrade, qui mène donne sur la mer, oui. De l'autre côté, une petite légère trace de sang côté extérieur. Attends, je garde déjà les dents de Pince Color. Tu gardes les dents? Ouais, on sait jamais. Tu vas arriver à dire tu veux garder les dents. Tu vas dire, tiens, frotte pour essayer d'effriter là-dedans. Effriter les dents, et... donc, je trouve une trace de sang sur la balustrade qui donne sur la mer. Exactement. Mais de l'autre côté. Ça se trouve, il s'est jeté dans la mer. Il y a quoi, derrière la balustrade?
La falaise. Non, en fait, non, mais ça se trouve, le mec, il a. Bah oui, il a renifié le truc et il s'est jeté, quoi. Ça se trouve, mais ça se trouve pas, on sait pas. Faudrait appeler Olympia. C'est vrai que. Ouais. C'est suicidé, je regarde en contrebas du coup, parce que ça se trouve il est encore là. Tu vois la mer et des grandes vagues donc. Ouais, non. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas remplacé une de ces fioles de parfumeur par le rélinium, ce qui fait que Giacomo se serait suicidé en se jetant par la fenêtre? Le message vient de qui? Un G. De G. Ça veut dire qu'on lui aurait demandé de refaire une recette en ayant d'abord changé une fiole. Peut-être. Pour le forcer à se suicider pour. Non mais pourquoi? Pour ne pas que... Non, je sais pas. Alors, Olympia dit, est-ce que vous êtes du genre à dormir la nuit? Olympia, il y a du sang sur la balustrade. Oui, j'ai vu, vous inquiétez pas. Okay. Dormir la nuit, moi, pas très vraiment. Peu quelquefois. Qui pourrait... Est-ce que vous connaissez des marins, des filous qui pourraient identifier cette broche? Des gens pauvres, peut-être? Ah oui, nous, ah bah oui. Oui, si, oui. Vous êtes l'air, excusez-moi, oui. Pauvre. Je vous en parle. L'offense alors, est prise. Aussi au chantier naval qui est un quartier pauvre. Oui, bah, on peut prendre la broche et demander. Il hein. Y a ta guilde, Guetta. Toi, t'as ta main. Ah, oui. Alors, je suis pas sûr quand même que... Vous êtes... Non, attends, justement. Alors que non. Qu'est-ce que tu racontes, Nicolas? Non, je vais parler de la statue de la femme au panier, bien sûr. Voilà. Que Guetta adore. Mais c'est vrai, j'adore voir ces statues partout. Disons qu'on nous décontacte facilement avec les gens de basse condition. Est-ce que vous pouvez leur poser une question et puis on se retrouve un peu plus tard? Oui. Demain matin ou dans la nuit? Plutôt dans 2 heures, quelque part. Ah, carrément. Alors, ce qui est compliqué, c'est que là, ça commence à empêter gravement sur notre cambriolage. Pardon ça me... disons plutôt 5 heures. Je chuchote à mes amis. Ah. Et même encore une fois, c'est... Ouais. Non. J'ai entendu le mot cambriolage. Vous voulez cambrioler quoi? Non, justement, on ne t'inquiète pas. Seul les meurtriers m'embêtent. Non, mais on espère qu'il n'y aura pas de cambriolage cette nuit. Ah, d'accord, c'est ça. Avec tous ces genres de notes. Ah, il y a que les meurtriers qui nous embêtent. Oui, enfin, cela étant, ça dépend qui est-ce que vous cambriolez. Mais on ne va pas cambrioler, enfin. Non. Olympia, arrêtez la parano, ne soyez pas complotiste. Bon, on se retrouve quand et où? Demain matin à l'aube. Un petit peu de temps. À l'aube, où? Là où fleurit, là où blanchit la campagne. Au niveau de la statue de... La femme au panier. Vous savez, disons plutôt 4 heures du matin. 5 Pourquoi heures. Quand on a une heure de plus. Bon, d'accord, 5 heures. 5 heures où ça? 5 attendez, heures attendez. Au pied de la statue de la femme au panier. D'accord. Non, c'est pas ce soir-là. Et quelle heure, là? Oh, il est 10 heures du soir. Ah, quand même. Ah, là, il faut qu'on aille taper oui. Le vin. Oui. Faut qu'on aille boire du vin. Opération. Quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'on aille... Nicolas, excusez-moi. Oui. Cet enfant. Oui. Il va dormir cette nuit? Oui. Bien sûr, il dort déjà, regardez. Mais là, vous allez partir. Mais non, mais je ne sais pas quoi. Je vais mettre sur une planche, je vais le traîner, il va dormir. Non, vous pouvez voler des gens. Mais si vous volez des gens avec l'aide d'un enfant, je n'accepterai pas. Mais qui vous dit? Je vous dis la vérité, je n'ai jamais volé des gens avec l'aide d'un enfant. Est-ce que je mens, Olympia? Non, mais peut-être que vous êtes sur le point de le faire. Est-ce que vous pensez que j'en ai envie? Je n'en ai pas. Est-ce que vous voulez me confier cet enfant et je vous le rends demain? Non. Non. D'accord. Mais okay. Ça, c'est un cordon ombilical. Non. Nous sommes liés au bateau. D'accord. C'est bon, on lui donne l'enfant, elle part direct, elle prend un bateau et elle va de l'autre côté pour le ramener au manoir Tréherne. On va vous quitter, Olympia. On a beaucoup de choses à faire ce soir. D'accord. Vous voulez nous demander quelque chose en partant? Non. Non, on part, tout simplement. Donc le sang sur la balustrade. On se retrouve à l'aube, à la statue de la richesse. Donc vous êtes au courant de la théorie qu'on vous a dit sur le meurtre de Giacomo, quand même? Je ne tire pas de conclusion à ce stade. D'accord, mais c'est une théorie intéressante. On a saboté de ses fioles pour qu'il se suicide. Vous ne pouvez pas envoyer des assistants enquêteurs au pied de la falaise pour voir s'ils ne trouvent pas un corps, par exemple? D'autres freelances, là, des... En pleine nuit. La police d'or, aussi. Vous êtes un petit peu limité, assistant Claude. C'est pas grave. En pleine nuit. Vous avez prouvé votre utilité. Et puis, je dois vous remettre ça. Vous savez lire, vous. Bravo. Qu'est-ce que le hautain? Ou alors, éventuellement, nous mettre à disposition, je ne sais pas, une barque pour que nous puissions avancer notre enquête. Vous c'est vrai. Venus en quoi? Nous sommes venus en bateau et ce n'est pas très pratique pour longer les côtes. Et là, il faut vraiment longer les côtes de près pour voir si c'est un cadavre. On aura besoin d'une c'est bonne vrai barque. C'est... Oui, c'est vrai que... Vous avez un bout de papier, elle signe, elle, dit, elle, te donne un temps, elle te tend un papier, elle te dit, avec ça, vous pourrez acquisitionner une barque au Squero, si vous voulez. Ah bah c'est gentil. Bah, très bien. Au Squero. Merci beaucoup. Ça tombe bien, il faut qu'on aille au Squero, de toute façon. Ah, c'est là que vous pourrez la barque. Ouais. Bon, bref. Allons au Squero. Vous partez au Squero, juste pour l'information. Je précise que je suis à 40 mètres du manoir. Oui. Je le remets demain. Ouais. Ah. Vous passez alors entre je deux lieux. Vous regretter. Vous passez entre deux lieux qui peuvent vous intéresser. Ce serait marrant qu'il meure cette nuit, mais il n'y aura jamais la vérité. Vous passez entre deux choses qui peuvent vous intéresser. Il y a un grand jardin public qui s'appelle le Parc des Anges et également un temple
qui a l'air d'être un temple encore du dieu exilé. Est-ce que vous passez temple l'un ni l'autre ? T'as pas le droit de foutre les pieds dans les temples. Toi, t'es interdit de temple. La diseuse de Bonaventure m'a dit que c'était important d'aller voir ce temple. Même si je vais... C'est peut-être pas forcément grave, mais... Ah bon ? Pour deux raisons. Mourir et mourir. Et pour deux raisons. Mais en tout cas... Bon. Alors, le temple... Non. Si Atlan a fait l'impasse sur son manoir, je fais l'impasse sur le temple, on le verra après. Là, l'urgence, c'est d'aller à Squero, prendre la barque... Alors non, moi, l'urgence, quand je suis à Squero, c'est de trouver Shazam le... C'est un peu tôt. Alors, effectivement, oui, face au port, Charpentier et Bardor travaillent laborieusement à construire des chaloupes, même la nuit, et des trois mâts lancés qui feront prospérer la ville de Zalcion. Il y a une statue de deux poissons qui te rappelle quelque chose. Et d'ailleurs, tu as déjà des gens qui t'ont repéré, qui te font des signes, tu vois. Et effectivement... Je peux... Effectivement, il y a aussi... Une maison de mage. Alors attendez, la tour... Tu peux peut-être parler à des... Qui ressemble à quoi ? À des voleurs pour qu'ils nous aident, là. Ah ben oui, c'est sûr. Ah ben là, on te laisse prendre le lit, là. C'est le cambriolage, chez toi. C'est... l'opération Vinas. Non, mais là, on est tout seul, là. C'est pas un cambriolage, c'est un... C'est un écoulement des stocks, du coup. C'est pas pareil. Pour un remplacement des stocks. Ouais. Une petite seconde, oui. Juste en arrivant au Squarzo, au Squarzo, excusez-moi, au détour d'une rue pavée, vous découvrez une tour légèrement penchée dont le toit rappelle un chapeau de magicien pointu. Une jolie enseigne de bronze se balance au vent dans la nuit. Shazam, deux points, mage puissant, virgule longue vue, virgule divers. Divers, c'est la vie, je pense. J'adore. Ok, il faut y aller. Tu veux passer ne serait-ce que pour compléter la quête de la longue vue. Oui. Ouais, mais vous savez, la longue vue, c'est pour deux écus, hein. C'est quand même pas énorme. Non, mais la longue vue, c'est aussi pour notre vigie. Oui, on voulait aussi prendre une longue vue pour nous, quoi qu'il arrive. D'accord. Qu'on achète. Ce sera peut-être fort utile pour regarder dans la porte. Dans la falaise. C'est vrai. Vous entendez un petit... Ouais. À l'intérieur. Personne ne répond. Ça veut dire rentrer, ça. On pousse la porte et on rentre. Fort. La porte est fermée. Bah oui. Bah, on insiste. Tu insistes et la porte s'ouvre brusquement. Tu vois un homme à la peau noire avec une grosse barbe qui a un chapeau pointu avec des étoiles et une robe avec des étoiles. Et il te regarde et il a un œuf dans sa main. Et il te dit, pourquoi les œufs ont cette forme ? Oh, c'est une énigme. Ah, génial. Pourquoi les œufs ont cette forme ? C'est évident, là. J'aurais bien une réponse, mais... Je vous écoute. Attends. Attendez, c'est une réponse collégiale. Attends, c'est une énigme, c'est quoi ? C'est une question. Oui, c'est une énigme. Vous êtes Shazam ? C'est la... Attends. Il répondra pas. Personne ne répondra à moi. Si, attends, mais c'est... C'est pas pour en cas de chute. C'est la forme parfaite qui protège. Oui, parce qu'en fait, en cas de pression, cette forme permet de rester à des grosses pressions, en fait. La structure de l'œuf. Il te regarde de façon extrêmement impressionnée, il te tapote la tête. Ah, il te donne une pièce d'or. Attends, je t'ai donné l'idée que. C'est moi qui ai la réponse. Non, mais Ketra, tu peux pas tout avoir. T'as déjà 8 talents et 37 professions. Vous êtes extrêmement perspicace, jeune homme. Entrez. Merci. Ah, c'est moi qui rentre ? Vous entrez tous. Ah, j'ai eu peur. L'intérieur de la tour de Shazam est perturbante. Des plans incompréhensibles ornent les murs, des tableaux dérangeants, des objets tout aussi incompréhensibles. Sur une mezzanine, des poules de toutes les couleurs, de toutes les formes, toutes les tailles, caquettent bruyamment. Alors, on brise un peu le quatrième mur, je vous dis juste pour que vous ayez ça dans la tête. Les plans incompréhensibles, c'est ceux du métro parisien. Il y a une photo de Trunks et sur une table... Quoi ? À côté, il y a une photo de Trunks avec un petit point d'interrogation et sur une table, les joueurs peuvent voir une longue vue avec à côté une paire de lunettes de soleil, genre des Ray-Ban. Voilà. Shazam s'allonge sur un fauteuil. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il dit installez-vous, qu'est-ce que vous voulez ? À boire. La photo du personnage plutôt asiatique là, c'est qui ? Alors. Il est connu ? Vous êtes quoi, des aventuriers ? Ouais. Vous voulez récupérer le sceptre, l'orbe ? La couronne du roi des rois. Oui. Vous voulez un nouvel empereur pour éviter une guerre entre Akaba et Arya, peut-être. C'est pas mal. Quoi ? Mais je vous propose une quête scientifique excitante qui fera avancer le monde de façon radicale. J'adore. Nous, on était juste venus acheter une longue vue. Mais... Vous voulez juste une longue vue ? Non, mais non, Alors, je pourrais vous promettre des pièces d'or, mais je sais ce qui vous intéresse. Vous voulez des points d'expérience ? Et je vous dire, cette quête-là, elle va vous rapporter des centaines, peut-être même des milliers des points d'expérience, et vous allez monter en niveau grave, ok ?
Donc, c'est un cheat code, ce mec. Comme vous voulez voir, je suis en train de procéder à des croisements complexes de poules afin de créer une gallinacée ultime qui pondra des œufs avec des coins. Oui, des œufs qui ne roulent plus sur la table, des œufs qu'on peut stocker, des œufs carrés, cubiques en fait. Il me manque juste une seule poule. Alors j'ai besoin d'une poule noire qui se trouve uniquement sur l'île d'Esperanza. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter cette quête qui va changer le monde ? Bah oui. On n'est pas passé devant. J'ai pas pris de drogue, mais j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue. Où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas. Pourquoi il y a les plans du métro parisien ? Non, mais tu connais pas les métros parisiens. Tu sais pas ce que c'est. Quels sont ces plans ? C'est quoi ce schéma là, ouais ? D'où venez-vous ? Excusez-moi, est-ce que vous allez chercher cette poule noire ? Oui, nous irons chercher cette poule noire. Vous avez noté une poule ? De quelle couleur ? Noire. Sur quelle île ? D'Esperanza. C'est bien, je pense qu'on se retrouvera quand vous aurez cette poule. Alors non, juste avant quand même qu'on se quitte. Moi, il faut que. Enfin, je suis mage aussi. Enchanté, je suis en train de perdre du temps là, c'est horrible. Je m'ennuie, vous m'ennuyez beaucoup. Allez, vas-y, vite. D'accord, est-ce que vous connaissez Tamerlan ? Ouais, il est sinistre et loin en plus. Loin où ? Je dirais nord-ouest. Nord-est. Nord-est de cette île ou nord-est de ce monde ? Nord-est du monde. Nord-est, mais c'est dans l'autre sens. Ah non, si, c'est vers Akaba donc. Non, nord-est, c'est au nord-est de Varna, au nord-est de l'Osmanli. Au-delà des monts du Gonan qui touchent les étoiles. Vous avez rien d'autre à faire ? Si, on a une longue vue pour vous. Oui. Hein ? Vous avez une longue vue pour moi ? On veut acheter une longue vue. Deux longues vues. Je n'ai qu'une longue vue. Bah non, on en prend une. Bah, ça aurait été bien d'en avoir une pour nous à la base, mais on va en prendre une. Vous la donner si vous voulez. Ah bon ? Ouais. Dis oui. Non, mais oui. Il vous donne la longue vue. Allez dehors. Attendez. Mais. Et claque la porte. Il est très singulier, ce mage. Attendez. Il n'avait pas des cheveux blancs un peu hirsutes et il n'avait pas nom de Zeus des fois ? Peut-être. Vous retrouvez sur le Squero. Oui. Faut que j'aille au nord-ouest du monde. Au nord-est. Nord-est. Au nord-est. Nord-est du monde. Et par-delà les étoiles qui brillent. Il longe les falaises. Alors, du coup, là, il faut que toi, Ketra, tu prennes le lead pour aller voir ta guilde. Parce que je pense qu'il peut nous aider. Donc, alors, je traîne près de la statue du poisson. Ensuite, on te reconnaît, vous reconnaissez. Oui, ma sœur. C'est. Il s'appelle. Ilexo, le voleur du Squero. Je te rappelle. On n'a pas une petite phrase à dire là, pour se reconnaître. Qu'est-ce qu'on a C'est comme ça. Je te rappelle que si on les utilise, on va leur devoir quelque chose à la fin. Bah oui, non, bien sûr. Pas ça, hein. Le micro, il dit. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Mon frère. Est-ce que vous voulez voler des choses ? Oui. Effectivement, on aimerait voler quelque chose, mais alors c'est une grosse affaire là. Parfait. Vous savez qu'il faut voler, il faut donner 10% aux deux, tout ce que vous voulez. Évidemment. 10%, sympa. C'est pas forcément voler, hein. Ça peut être saboter si on peut pas saboter, voler. Oui. Oui, c'est juste. Idéalement, c'est voler, mais si on peut pas, de toute façon. Déjà, on souhaiterait rentrer. Alors, non, mais à la limite, on leur demande juste de le retirer. Dans le palais. Dans le palais royal. C'est ça. Ouais. Quoi ? Se débarrasser de leur réserve de vin. Ah. Ah, vous voulez passer par l'extérieur ? Oui, par en bas. Idéalement, oui. Ce soir. Alors attends, tu peux le mariage dire... il est ce soir ou il est demain, demain. Tu peux leur dire que le vin dans l'absolu ils le gardent. Nous on en a pas besoin. Oui, non mais il faut qu'ils le gardent, pas qu'ils le revendent. Parce que nous le but c'est comme de revendre notre vin. Oui. Alors, parce qu'en fait nous aimerions revendre notre vin. Le problème c'est que il y a des catapultes qui sont centrées sur pour protéger le palais royal et l'accès par la mer. Mais en pleine nuit, par une nuit sans lune telle que cette nuit-là, et en ayant des voiles noires qui sont interdites, c'est-à-dire si vous vendez ou vous achetez des voiles noires, si vous portez des voiles noires, vous êtes considéré comme des pirates. Oui. Donc, on a des voiles noires, bien entendu, un écu. Et avec des voiles noires, vous pouvez vous approcher de la falaise. Et après, un bon grimpeur peut arriver aux réserves qui sont en pleine mer, on va dire. D'accord, bon c'est grimpeur. Accessible. Il n'y a que toi qui sais grimper, Ketra. Il n'y a que Ketra. Ah bon ? Il n'y a que toi qui es athlétique, en fait. Il n'y a que toi. Ok. Bah nous, on maintiendra le bateau à flot en dessous de toi. Alors est-ce que vous voulez des voiles noires ? Notre bateau ou une barque ? Non, c'est où qu'on puisse réaliser une barque. On va réquisitionner une barque. Un bateau, vous allez vous faire voir. Non, on a une barque. Non, on réquisitionne la chaloupe. Oui, justement, on peut avoir une chaloupe. Vous voulez les voiles noires ? Oui. Attendez, on parce en a forcément besoin des voiles. Même si c'est une barque, on n'a pas besoin de voiles, parce qu'une barque, ça se fait à la rame. Vous allez faire le tour de l'île et remonter le nord ? Ouais, non, c'est trop long. Pour une chaloupe, vous achetez une voile noire. Par contre, je vous avertis, vous voulez. Oui, on les met pas dès le vous départ. Vous les souquez loin de l'île. On souquera très loin. Et vous les enlevez, et même vous en débarrassez. Si on vous voit avec, vous êtes. On les jettera à la mer.
Okay. Attends, maintenant, il faut qu'on regarde si on a tout l'équipement, parce que c'est-à-dire que tu dois grimper, tu dois être armé pour peut-être faire ou exploser les trucs, ou les faire tomber à l'eau, ou les percer. Non, vous percer. Moi, je propose attends, de les percer. Non, mais elle a réussi à casser vous avez tous, vous avez tous des... Mais non, on peut pas grimper. Non, mais toi, tu vas grimper toute seule, hein. Ou alors soit tu nous fais une échelle de corde, bah soit oui, tu trouves... je vais monter, je vais mettre la corde et vous venez. Hein. Bah, ça dépendra de quelle hauteur... Enfin, on n'a rien vu encore. Hein. Moi, j'ai pas grimpé forcément, là. Non, mais si, t'as athlétique. Mais t'as bondir, machin. T'as bondir, sauter. T'as bondir, sauter et manger les esclavagistes. Tu peux le faire, nous, non. Du coup, est-ce qu'on va tous sur le bateau? Oui. Ah bah, bien sûr. Ok. What coup de gorong? Oui, alors, nous allons tous sur une petite chaloupe sous des catapultes royales. Exactement. Avec une voile noire. Donc, les plans, c'est quoi? On part, on réquisitionne. Il est minuit. On réquisitionne la chaloupe avec le papier de. Vous avez la chaloupe, vous avez les voiles noires. On équipe des voiles. Non, pas tout de suite. On les déploie. On soute les voiles. On soute les voiles blanches normales. Je veux bien qu'on repasse au bateau et qu'on aille chercher son froid-fillon. Je pense qu'il va. C'est un lézard, il sait grimper, il fait des trucs et tout. Je pense qu'il peut nous être. Alors, sur la chaloupe, vous tiendrez à 5, puisqu'il y a Maury avec vous. Bah non, Maury, on le remet au bateau. On va déposer Maury. Non, Maury, on le lâche pas, Maury. Si on le laisse tout seul, il s'enfuit avec le bateau. Si on enlève le lézard, le bateau. On laisse Maury flotter avec la corde derrière. Ou alors on demande au lézard de surveiller Maury. Il n'y aura pas la place pour un lézard. Le lézard, il prend. Imaginez un gros Totoro qui prendra toute la chaloupe. Il aurait été utile, son froid-fillon. Non, mais il peut nous suivre. Il peut nager. Bah oui. Non, mais il est phosphorescent, non? Il est phosphorescent. Bah, il va nous faire opérer direct. Il se colle sous la coque. Non, mais sérieux, et Julien, mais tu vas. Mais et il attend. Il peut respirer sous l'eau. Il peut respirer sous l'eau. Il se colle sous. Ah, c'est un lézard. Je rappelle que c'est tu sais que je peux lui donner que des ordres simples. Mais tu dis colle coque. Colle à la coque. Et est-ce que tu penses qu'il aura la capacité de gravir la falaise? Non, mais il va nous faire repérer. Et après, il va faire quoi? Il va un scoop phosphorescent qui est ouais. Une falaise, et ensuite, on lui demande de tricoter. C'est un très mauvais plan, Nicolas. Pas de lézard. Laisse-le où il est. Il est phosphorescent. De toute façon, le lézard monte la garde sur le bateau. Donc je pense que ton chat, on peut l'utiliser en tout cas. Mon chat, par contre, pourrait être utile. Non, mais c'est vrai, Fripou, il se la coule douce sur ton épaule depuis 3 mois. Et tu veux vraiment qu'il aille attaquer avec ses petites griffes les tonneaux? Non, mais il peut faire diversion. Ketra est toute seule là-haut, donc je pense que. Non, mais je vais balancer la corde, vous allez me rejoindre. Je sais pas ce qui m'attend là-haut. Je suis pas hein. Sûr qu'avoir les deux là avec nous, ça soit réellement. Bah, toi, tu vas me rejoindre. Ouais, dans le cadre d'une confrontation armée avec quoi que ce soit. Voilà. Éventuellement, je te rappelle que tu es magicien, tu peux peut-être te téléporter. Ou tu peux, ou tu peux manier les éléments pour élever l'eau. Non mais à chaque fois que j'ai manié les éléments, ça s'est terminé par un incendie. Oui, bah ça nous intéresse. Ah bah là, ça c'est intéressant. Tu peux, si tu voulais tonner. Bon bref, on y va. Okay. Allez, on se lance. Vous allez donc les quatre voleurs partent dans la nuit. C'est le grand soir, le grand coup. Vous éloignez un petit peu l'île, vous souquez les voiles noires, vous remontez et vous avez 2% de chance de vous faire voir quand même. Donc, qui lance les dés, il faut faire moins de 98. Oh, soyons joueurs, c'est Atlan qui peut. Moi, je peux faire 92. Hein, non, mais attends, soyons joueurs. Non, mais tu il y a rigoles. 2%, non, mais il passe 99 ou 100. Mais tu rigoles ou quoi? Non, on rigole. Et ouais, il ne fera jamais 99 ou 100. Non, vous êtes joueur ou pas? Est-ce que tu penses que je serais capable de faire? Mais vous allez tout miser là-dessus, quoi, mais sur oui, soyons joueurs. Vas-y. J'ai envie que cette opération se passe bien, il faut qu'elle se passe sous les meilleurs auspices. Non, mais franchement. Non, c'est pas un dé, fais ce que t'as là. Il peut pas faire 99. S'il le fait, franchement. Il a déjà fait un 100. J'ai déjà fait un 100. Ouais. Si vous savez, il y a les catapultes qui envoient des brandons enflammés sur vous en sifflant. On meurt direct. Merde. Ah, c'est cassé. Ouais, bah, redonne-moi l'autre. C'est cassé. C'est donc con, c'était 30. On a un 0 là. Chut. Vous. 82. Ça va. T'as le goût du risque. Ok, drôle. On passe. Hop. Vous passez non loin des catapultes, vous avez l'impression qu'ils vous voient, mais en fait ils sont occupés, donc ça va. J'ai eu peur. Mais vous avez eu un petit peu peur, effectivement. Vous arrivez à quelques encablures de la falaise, donc effectivement vous voyez que. Alors, la falaise est vraiment praticable, elle est même, c'est presque pas vraiment une falaise escarpée, il y a plein de points d'accroche. Et il y a vraiment assez haut un lieu, une grande ouverture. Tu vois, assez haut. 60 mètres de la montée. Ah ouais, 60 mètres. Mais il faut pas grimper, donc vous allez venir. Hein. Mais 60 mètres, on peut pas. J'ai pas dit qu'il faut pas grimper. Il faut grimper. Il faut, faut coller à la falaise. Mais déjà, vous êtes à quelques encablures du bord et il y a des rochers très pointus en bas. Donc il faut. Déjà, comment on s'approche de la falaise sans s'écraser contre les rochers? Déjà, on va nager. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a une partie à la nage, après, il y a une partie où il faut grimper. Bon, déjà, on peut enlever les voiles. Seul, hein. Attends, les voiles. Mais là, on a besoin de magie. On a vraiment besoin de magie. Pourquoi? Quoi? Pour repérer. Mais non, mais pour manier les éléments. Là, c'est trop dangereux. T'as pas quelque chose. On va mourir sur les rochers. Il y a une grosse houle de.
on va dire, à 50 cm, mais ce n'est pas des grosses vagues. Mais non, bah voilà. D'accord, bon, on s'approche le plus possible. On enlève possible. Les voiles. Noires, enlève les voiles. Ouais. Comme ça, si jamais le bateau est trouvé. On affaisse les voiles. Non, mais on les enlève carrément. On les affaisse et après, on les enlève et on met des voiles blanches. On les affale. Les voiles blanches, en repartant, ça grille. Non, mais on les remet. Si jamais le bateau, il y a quelqu'un qui le trouve pendant qu'on n'est pas dessus avec des voiles noires, c'est foutu. On les enlève. Vous enlevez les voiles noires, vous les jetez à l'eau ? Non, parce qu'après, il faut qu'on rentre. On les attache, on les enroule, on fait un ballotin de voile. Et on les fout sous les bancs. Et on le jette à l'eau sous le bateau. Non, mais. Ok. Après, quand on. Ok. Mais après, on bonne voile mouillée. Bah, les voiles après, les voiles mouillées, ok. Ça sèche. J'ai pas galère à grimper là, j'ai un mec qui est quand même accroché en cordée avec moi. Là. Non, mais moi, tu grimperas pas. Non, mais nous, on reste dans le bateau. Ketra va grimper. Ketra. Mais si tout se passe bien, tu montes, tu donnes des coups de hache dans les trucs. Et non, mais il y en a un qui descend, qui monte avec moi. Mais parce que s'il y a un problème, vous perdez votre seule guerrière. Il faut nager jusqu'au bord et tout le monde ne sait pas nager. Voilà. Tout le monde ne sait pas bien nager. Qui sait nager ? C'est quoi nager ? C'est le premier courir sauter. Okay. J'ai 25. Bon, allez, je Attends. 80, waouh. J'ai 40. Elle a 80, okay, c'est bon, vas-y. Allez, voilà. Championne. Attends, par contre, ce qui est. Attends. Avant que tu y ailles. On va te ralentir. Avant que tu y ailles, je peux te passer. J'ai refait toutes mes potions. Justement, avant que tu plonges, j'aimerais savoir si c'est ce que tu portes sur toi. Ouais. Parce que si t'as une armure de fer et 10 000 armes, tu vas couler comme une pierre. Bah non, je vous laisse. J'avais la lance en ivoire. Dis-moi là, ce que tu as sur le dos. Comment es-tu habillé ? Alors, j'ai le petit sac à dos avec corde. Tu veux. Tu plonges avec le sac à dos ? Il y a une corne. Il n'y a pas grand chose. Non, mais sinon, tu laisses le sac. Je vous laisse tout le reste. Ouais. Non, je prends juste la corde. Il faut des armes. Une hache. Oui, les armes, évidemment, je les prends. Non, il y en a une qui est cassée, on ne l'a jamais réparée. Si, on l'a réparée. On l'a réparée une fois. Si, je crois qu'on l'a réparée. C'est bon, elle est réparée. Je prends les haches. Prends tes deux haches, la corde et c'est tout. Et je vous laisse tout le reste. Mais attention, le reste, vous y prenez. Mais bien sûr, comme la parce qu'il y a la boîte et le parchemin. Ok. Est-ce qu'on a déjà perdu un truc ? Il y a la lance d'ivoire, il y a un poignard. Je vais garder le petit poignard là. D'accord. Je le garde. Qui a une mystérieuse inscription dessus. Je peux le faire lire à. Ah bah oui, c'est le moment. C'est exactement le moment de déchiffrer les poignards. Je vais peut-être mourir alors tant qu'à faire. 33. Il y a marqué le mot expéditif dessus. Bah oui, mais je savais déjà ça. Ah oui, on l'a fait. Je te donne le chat aussi. Hein ? Je te donne une potion. Si je meurs, je pourrais pas la boire. Hein. C'est pas grave. Non, mais c'est une potion, c'est le passe-muraille de Karlov, ça dissout tout sauf le verre. Très bien. Ça peut être extrêmement bien pour détruire au hasard un stock entier de vin. Moi, je te file le chat. Non, je voudrais juste savoir comment t'es habillé. Tu portes ta cape de plume et tes cuissardes. Bah non, je me suis changée. Donc tu es habillé comment ? J'ai mes vêtements d'avant là, ouais. Peux-tu te décrire précisément ce que tu veux ? J'enlève les armures en tout cas. J'ai pas d'armure. Pas d'armure. Mais la cape aussi, enlève-la. Minimum de vêtements, d'accord. Voilà, minimum de vêtements. Et tu plonges, vas-y, fais ton jet. Garde la cape. Non, mais vas-y, ça va la ralentir. Vous voyez que la cape est. Mais non, mais la cape, elle la roule en boule et elle l'attache à sa cheville. 48 sur 80. Alors tu nages. C'est ça qui c'est des. C'est à moi. L'eau est particulièrement claire, même si c'est la nuit totale. Mais non, t'inquiète. Et à la lueur d'une grande torche qui se trouve d'un grand brandon qui est dans, tu vois une énorme murène qui est sous toi, entre tes jambes. Parfait. Est-ce que tu continues de nager ou tu fais quelque chose de particulier ? Les murènes n'attaquent pas. Hein ? Tu lui parles, parle-lui. Ah oui, je lui parle. Vas-y. Merci. Ah oui, je lui parle. Vas-y. Tu lui dis fous-moi la paix. Tu dis n'attaque pas. 69 sur 55. La murène attaque. Ah. Et putain. Et elle te rate. Est-ce que tu fais quelque chose ? Est-ce qu'on peut l'aider de la bourner ou pas ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire feu quelque part ? Bah, je lui donne un coup, hein. Coup de hache. Vas-y. Oui. Un coup de hache à la murène. Attends dans l'eau. Mais non. Continue à nager. Fuis. Essaye de lui parler. Refais-moi un jet de nage ou pas ? Non, mais essaie de lui parler. Si tu veux nager, si tu me fais un jet de nage, si tu veux te battre. Essaye de lui parler, ça n'a pas marché. Mais non, mais donne un coup de hache. Ah, quand ça marche pas, elle peut plus jamais essayer. Ah oui, sans tu essayer. Tu fais quoi ? Je nage. Ok. 51. La formule sur 80. Eh bien, sans que la murène te touche, tu arrives au rocher. Voilà, tu fais comme ça, tu te retournes. Voilà. Et nous, on fait tous comme ça. Moi, je la regarde avec ma longue vue. Qu'on a eu gratuitement. Alors, qui a l'air chelou quand même, la longue vue. Commence l'escalade. Mmh. Encore le même jet pour voir si tu escalades. Tu commences à escalader dans la nuit. Non, mais. Une petite averse. Mais heureusement, Ketra, qu'on n'est pas avec toi parce qu'on aurait galéré à cause de ça. Moi, j'ai 25. Ketra, c'est confiance. C'est ton regarde. 54. Mais voilà, moi, déjà, j'aurais perdu 20 fois. Là. Oui, on sait pas. En fait, heureusement que tu es toute seule parce que ça s'est jamais passé. Tu commences à grimper et tu arrives sur un petit relief. Un premier petit relief, tu es
épuisé, mais tu as environ un tiers du trou. Comment ça, épuisé? Lance un jet à 6 faces. On vient de commencer à grimper. C'est un peu gamifié, l'escalade gamifiée, vas-y. Ah, putain. Deux. Alors, sur ce petit relief, il y a des indications qui sont gravées par des ouvriers qui indiquent un chemin sûr vers la prochaine plateforme. C'est d'ailleurs que tu as relancé maintenant un jet pour grimper, mais tu auras un bonus de 20. Tu as combien, 80? Ouais. Donc j'ai réussi. Oh, c'est génial. Donc tu grimpes grâce à ces indications. Okay. Tu es sur le deuxième, donc tu es aux deux tiers de la montée. Relance un dé à 6 faces, mais tu ne dois plus faire 2. Donc si tu fais un 2, tu voudras relancer. 6. Oh, ça pue. Alors tu arrives au deuxième étage, et là tu as un cormoran en colère qui te hurle dessus, qui te surprend, et tu tombes. Comme ça. Tombes dans l'eau. Dans l'eau tombe direct. Oui, alors il faut que tu fasses encore un jet pour voir si tu te réceptionnes bien. Vas-y. Un jet de ça? Ouais. Non, un jet sans face. 66. Alors, tu tombes sur les rochers, malheureusement, et tu perds 2 points de vie. Et tu es tout en bas. Les gars, elle est tombée. Aïe. Super. Pourquoi est-ce que tu t'es pas assuré avec ta corde, toi aussi là? Super, je suis à 13. Je peux regrimper, y a pas de problème. En mettant ma corde quand même et en m'accrochant un peu. D'abord, commence à monter. Allez, c'est reparti. 51. C'est bon, premier tiers. Allez, c'est lance un dé à 6 faces. Allez, je passe 6. 5. Ça va pas être un cormoran. Ça va être une bulle. Tu arrives sur un autre relief, tu te comptes dans la nuit, et il y a un gros massif de ronces. Alors, tu mets la main sur les ronces qui te font saigner les mains, tout ça. Tu as mal, mais tu te souviens du cormoran, tu te souviens de la chute, tu ne tombes pas. Par contre, tu perds un point de vie. T'es une guerrière. Ça va, on ira bouffer du crabe. T'es une guerrière, t'inquiète. Le crabe, il est dangereux ici. T'es une guerrière. Ok. Enfin, on dit ça du bateau dans ma... Une guerrière. J'accroche la corde. Tu t'accroches la corde, ok. Maintenant, tu tomberas plus. Vas-y. 19. Vas-y, lance. Tu arrives au deuxième relief. Quoi? Avec 19, elle devrait arriver au quatrième, là. Qu'est-ce que ça compte pas, là, du coup? C'est une montée compliquée, quoi. Oh non, le corbeau rentre. Non, tu peux pas refaire le même jet. Vas-y, relance. Ah, c'est vrai. Donc, t'as déjà fait 6 et 5, c'est bon. 3. Non, mais on sait pas ce que ça nous réserve. Alors, là, le relief, plus c'est haut, plus il y a eu un relief avec un anneau de bronze qui est installé et une corde attachée. Ah bah, voilà. Génial. Tu détaches ta corde, tu récupères ta corde qui était en bas pour la garder avec toi. Ok. Bon, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, là, tu as une corde autour du ventre qui est attachée en bas. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je prends la corde qui est attachée à l'anneau, je m'attache, j'enlève ma corde. Et tu as fait quoi de cette corde? Je la garde. Ah, mais toi, parce qu'elle est attachée en bas, tu peux pas la garder, tu peux pas l'enlever. Bah, du coup, je m'attache à la corde qui est sur l'anneau. Tu fais quoi? Je l'attache à l'anneau. Oui. Oh, okay. Et je prends la corde de l'anneau pour m'attacher. Vas-y, dernier jet. Bien joué, bravo. Allez, Ketra. 81. Sur 80? Oui. Eh bien, malheureusement, tu tombes, mais tu retombes en bas. Ouais. Donc, tu retombes à l'avant-dernier relief. Alors, tu perds un point de vie quand même avec cette chute. Ben quoi, laissez-la se concentrer. Allez. Laissez-la se concentrer. Allez, vas-y, Ketra, on est tous derrière toi. On voit quelqu'un. On est là. Onze. Alors là, c'est bon. Tu arrives presque au sommet. Donc imagine, t'as la grande ouverture, t'as des petites mains accrochées là. Tu montes, tu regardes autour de toi. Et tu trouves une grotte assez grande qui contient, on va dire, 8-12 petits tonneaux, enfin des tonneaux normaux. Et surtout un immense réservoir grand comme un navire qui dispose de plein de petits robinets. Et ça sent vraiment l'alcool. Donc là, tu es dans les réserves c'est de vin. Il y a deux gardes qui sont en train de jouer au milieu de la pièce. Et ils sont en train de jouer au dé. Et t'en as un qui se lève et qui dit « je vais pisser ». Comme ils discutent un peu, je vais même te dire leur nom. Il y a Willow et Kaelan. Donc c'est Kaelan qui vient pour pisser. Donc il s'approche évidemment de la corniche. Oh bah t'appuies sur X. Bon flex. Alors, ça sert à quoi ça déjà? Ça sert à rien ça, tu vas l'attraper, t'es une guerrière. T'es une guerrière. Bah écoute, personne ne le... Tu peux me le dire si tu veux l'utiliser. Mais je veux juste savoir... Tu veux leur crier, ça sert à quoi? Mais non, je veux juste savoir, parce que moi je débute en magie, excuse-moi, mais t'es toute seule sur un flanc de falaise, donc tu ne poses pas de questions. Mais tu te rappelles de quand je l'ai utilisé ça, c'était pour le lézard. Donc le mec... Je te rappelle qu'on est en train de te pisser dessus. Oui, le mec n'est pas encore arrivé, mais là, dans 4 secondes, il sera là. Ok, il arrive, tu l'attrapes le pied. Mais non. Quoi? Tu attrapes le pied, tu le fais. Donne la carte. Putain, vous me faites tout seul, là, c'est horrible. Balance. Mais attrape le pied. Bon, le mec est en train d'enlever sa cotte de maille en bas pour essayer de pisser. Tu le balances. Et tu le balances, comme ça l'autre il va venir voir et tu le balances aussi. Ok, bon, ok. Tu peux lui choper le pied et le balancer? Oui. Tu fais ça et il tombe.
Il crie d'abord ou pas ? En hurlant. Ah, super. Et il tombe pas sur le bateau. Il s'empale sur les rochers super, en bas. Ah bah ça va. Donc il y a tout ça pour vendre du vin quand même. Hein. Tout ça pour vendre du vin. Donc ça c'était Kaelan. Hein. Oui, et donc il y a Willow qui arrive et qui dit ah, Kaelan, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il commence à il s'approche. Je fais pareil. Alors cette fois-ci, il est un peu plus alerte. Ouais. Donc il faut que tu fasses un jet et que tu fasses moins de 80. Ok. Impossible pour moi, mais je pense que tu peux le faire. 44. Salut, et Willow tombe aussi et s'empale également sur les rochers. Deux gardes de moins. On peut récupérer mais des trucs. Le meurtre paye. Mais oui, mais en plus, mais franchement, vous m'avez influencé, c'est pas bien. Mais t'aurais voulu faire quoi ? J'aurais pas dû me laisser influencer alors que vous étiez pas là dans la scène. Alors, vous êtes tué. Une guerrière. Mais peu importe, on va se faire tous retrouver là en plus. Mais non. Par qui ? Donc, ils sont tombés. Bref. J'arrive. Au pire, ils finiront dans des crabes. Tu arrives donc dans cette pièce où il y a 8 tonneaux, un énorme réservoir et aussi dans le fond une sorte d'escalier sculpté qui mène à d'autres endroits. Okay. Que fais-tu ? Bon, alors j'essaie d'être super discrète. On a un peu tué facilement, j'avoue. Mmh. On regrette. J'ai tué. Oui, c'est, non, mais... c'est Kétra qui a fait ça. Ouais, ouais, en plus. J'en ai pas. Non, mais pas d'autre choix. Pour le coup, faute collective. J'essaie d'être super discrète. Oui. Je m'approche du tonneau de vin. Il y en a 8 et il y en a un énorme. Ok, alors déjà l'énorme, je vais mettre des coups dedans de. De hache ? Oui, je veux la combiner. Alors, tous les robinets. Ça commence à couler. Moi, hache. C'est clair, okay. Oui, j'ouvre les robinets. Et après, les tonneaux. Oui. Avec mon poignard, oui. Je perce. D'accord. Donc, ça fait pas de bruit. Donc, la pièce se remplit de vin et puis ça coule dans voilà, la mer. Voilà, exactement. Et vous voyez cette cascade de vin. Bah, nous, qui on se rapproche. Et vous êtes la regardez non, vous dites argent. Argent j'ouvre argent, un peu, hein. Argent. J'ouvre pas les cascades. J'ouvre un peu les robinets. Bah, tout vraiment, il faut vider le truc. Il faut exploser leur stock. Ok, j'ouvre, oui, ok. Pourquoi le vider un peu y aller ? Parce que pour pas. Et c'est la boule bordée. Voilà, merci. Alors, tu fais quoi ? Pour pas alerter les autres. Je j'ouvre pas les vannes à fond, j'ouvre un peu. Un petit peu. Voilà. D'accord. Ah, pour que ça soit de la négligence. Mmh. Mmh. Malin. Et ensuite ? Et ensuite, je me barre. Est-ce que tu fais un plongeon gracieux dans la mer ou est-ce que tu redescends par l'escalade ? Pour t'exploser sur les rochers. C'est-à-dire que, oui, il y a pas mal de rochers en bas quand même. Oui, mais dis-moi ce que tu veux faire. Tu peux faire un plongeon gracieux, ça serait joli. Là, t'as les pieds dans les cascades de vin. Oui, en plus, si j'essaie d'escalader, ça va glisser, non ? Bah, au pire, t'es assuré, de toute façon. Non, je vais essayer de descendre quand même avec la corde, le début. Un jet normal. Ok. La descente est plus facile. 37. Ouais. Comme un chat, oui, une panthère. Kaitra descend sous la cascade de vin, donc t'es recouverte de vin. Il va falloir aussi que tu... Encore un jet pour nager. Ouais. Elle passe devant les cadavres ou pas ? Oui. Est-ce qu'on pourrait dégager les cadavres ? Est-ce qu'on peut pas les foutre dans l'eau quoi ? Et récupérer des trucs aussi ? Oui, bah tant qu'à faire, je les balance dans l'eau. D'accord. Du coup, ils coulent parce qu'ils étaient équipés de côtes de maille. Ou alors, on aurait pu les laisser là et le faire... moteur physique est craqué, donc je préfère. On aurait pu les laisser là et faire penser que c'était le parfum là encore qui les avait. Bah, un accident. 50. 50. Et Kaitra nage et a fait quand même tout le boulot. Ouais, on va la remercier. Bravo Kaitra. Elle est pas fière d'elle. Hein. Je suis vraiment pas fière de moi. Alors j'avoue que meurtre, fière de toi, on a été un peu stressé, on a un peu hurlé dessus. Hurler dessus quoi. Non mais tiens, on te voyait. Mais non mais, j'aurais fait ça, ça aurait été marrant et voilà. Non, mais c'est ça c'est un accident. C'est un double accident. C'est un double accident. Ils se sont jetés dans le vide. Ouais, d'accord. Je pense qu'ils ont voulu se bourrer la gueule. Non mais ça glissait avec le vin. Il est 3h du matin. Vous retournez à Alta Bianca, au Squero. Dans votre barque, qui sent un petit peu l'alcool, vous savez pas pourquoi, surtout elle sent l'alcool. Mais non, elle est là, elle a nagé. J'ai plongé dans l'eau. Et vous commencez à avoir un petit peu sommeil quand même. Et Amaury ? On retourne sur notre bateau. Amaury, il dort dans la barque. Amaury, il dort dans la barque, il a rien vu, il a rien entendu. Ça va. Alors, les voiles noires, on arrive au. On a évidemment enlevé les voiles noires à mi-parcours, on les a remplacées par des voiles blanches. On les a laissées dans l'eau. En fait, elles sont dans un petit paquet sous votre. On les jette à l'eau. Ouais. Ben, on les jette, on coupe la corde. Très bien, vous les jetez. On les dégage. On les veut pas. On arrive au peut-être port. On dort 2 heures et puis on va voir. Ah, c'est vrai, on a rendez-vous à ça. Bah, on retourne dans notre bateau pour on dormir. On fait une power nap. Power nap. Énergie. Mini power nap. Et le deuxième jour, le jour où ce soir se passe le mariage, donc ferveur incroyable, deuxième jour, se lève sur Alta Bianca et vous vous retrouvez au petit matin. Vous prenez un petit déjeuner
un fruit que vous avez acheté, une fortune, je vous en fais grâce. Devant la comment ça s'appelle, la statue de la richesse. Et Olympia Fonté vous regarde et elle te regarde genre droit dans les yeux. Okay. Ah non. Comment s'est passée la nuit? Bah on a fait le tour de l'île. Bah oui. On a fait le tour de l'île. Est-ce que l'enquête a avancé? Est-ce que vous avez demandé à vos amis comme convenu le médaillon avec l'alcyon? Alors. Ils dormaient. On les a pas trouvés. Oui, ils dormaient tous. Vous savez, la nuit, c'est compliqué. Hein. Bah déjà, donc on fait quoi maintenant? Bah on va leur demander tout de suite. On va retourner leur demander. Mm. Par contre, vaut mieux pas que vous veniez parce que... Là, il est 5h du matin et c'est des gens du chantier naval, ils vont sûrement réveiller maintenant. Mais ils se couchent tous, ces gens-là, parce que... On se retrouve dans une heure ici. Le palais royal m'annonce qu'il y a deux de ses gardes qui ont mystérieusement disparu. Ok, d'accord. Bon. Or ça, c'est pas du tout notre problème. Hein. Vous allez au Squareau et... Bah du coup, vous retrouvez Ilexo. Ouais. Alors, ça s'est bien passé, vous avez fait bon usage des voiles noires. Impeccable. Vous savez qu'il y a une espèce de folle avec des longues vues à la place de lunettes qui est venue me poser des tas de questions sur qui achèterait des voiles noires. Et, que lui avez-vous répondu? Évidemment, j'ai couvert ma sœur Keitra, mais c'est quelqu'un d'extrêmement tenace, donc faites attention. Très bien. Et elle ne peut pas savoir qu'ils ne sont pas tombés tout seuls. Il y a zéro... Moi, regarde, mentir, convaincre, mais, 30. Oui, mais oui, attends, c'est pas grave. Il n'y a aucune preuve. Elle va juste retrouver des mecs qui sont tombés de la montagne. Tu les as pas elle poignardés. Elle voit tout avec ses yeux, là, elle voit tout. Mais... Elle va voir la culpabilité dans mon regard. Alors la regarde pas. Bah, voilà. Qu'il est prêt pour mentir, c'est pas grave. On va éviter. Au pire, tu la croiseras plus. Il est exo, alors que vous avez quelque chose à demander à Ilexo ou pas? Oui, on lui monte la broche. Le manoir de la Puerta. De là, de la Puerta. Quand tu t'as appelé Alfredo de la Puerta, bah oui. C'était une inspiration divine, ou peut-être une réminiscence de son enfance. Oh putain, ça me rappelle quelque chose. Attends, mais pour moi c'est un mytho quand tu dis je suis Alfredo de la Puerta. Ah, il est fort, il est très fort. Je ne sais pas. C'est le manoir de la Puerta. Mm-hmm. Atlant, tu ne sais pas tout. Où se trouve-t-il? Alors, il se trouve dans le Libéraux. Dans le Libéraux, bien évidemment. C'est un mec qui vit la nuit. Et en gros, pour la faire simple, il fait des orgies. Et pour entrer, il faut avoir la broche, mm-hmm. Il faut avoir un masque, et il faut avoir un mot de passe que personne n'a, mais en gros, personne ne le demande. Est-ce que ce manoir se trouve à côté du manoir Santa Sofia? Moi, je connais rien du tout. Personne ne demande le mot de passe? Il faut avoir un masque, un mot de passe, et la broche. Personne ne demande. Mais il paraît que le plus dur, justement, c'est avoir la broche, et vous l'avez, donc vous pouvez maintenant passer toutes vos soirées au manoir de la Puerta avec juste qu'on trouve un masque. C'est une broche par personne? J'en sais rien, personne n'arrive à rentrer. C'est une branche c'est de un groupe. Bah oui. Quoi, vous êtes intéressé par les orgies? Oh, bah, y en a un parmi nous, ouais. Je suis intéressé pour en savoir plus sur les mœurs de la ville, mais ça, c'est à titre. Écoute. C'est for science, bien sûr. Très bien. C'est bon, ça va. Merci pour l'information. D'accord. Vous avez gagné de l'argent cette nuit? Alors. On n'a pas gagné d'argent cette nuit. On en gagnera probablement beaucoup aujourd'hui. N'oubliez pas, 10% nous, pour le début. On n'oubliera pas les 10%, bien évidemment. Quelle est la prochaine étape? Alors, il faut retourner voir Olympia. Sacré que tard, toi. On retourne voir Olympia. Mais non, sa famille. Non, il est une non famille c'est pas de Macron, quoi. Mais non, la broche, on l'a trouvée chez Giacomo. Oui, mais sa famille, elle a des manoirs et fait des orgies. Ah non, c'est sa famille. C'est pas ma famille. C'est pas sa famille, on sait pas. C'est des voisins. C'est le manoir de la Puerta. C'est pas le même manoir. Ça n'a rien à voir avec le dessus. C'est juste que lui, c'est quand il dit je suis Alfredo de la Puerta. Attends, mais tu l'as pas inventé cette histoire, en fait? Écoute, ce sont des heurtoirs. On n'en dira pas plus. Des heurtoirs, ouais. Ah, ça va se heurter fort, là. Ouais. Ok, bon, on va voir Olympia pour lui dire que ça, a priori, la broche correspond au manoir de la Puerta. Ah, ce sinistre personnage. C'est bizarre que vous ne l'ayez pas su, d'ailleurs. Alfredo de la Puerta, c'est un mec qui fait des orgies tous les soirs et. Attendez, il s'appelle Alfredo de la Puerta. Il s'appelle Alfredo de la Puerta. C'est un bonhomme horrible qui a la protection du prince parce qu'effectivement, parfois, ces messieurs les nobles aiment mettre leur. C'est un homme d'Alta Bianca. Pardon? C'est un homme d'Alta Bianca? Bien sûr, Alfredo de la Puerta. Il est d'Alta Bianca. Est-ce que je peux parler en fait avec mes amis sans que vous entendiez Olympia? C'est un petit peu suspect. J'attrape les quatre. Et on regarde tous Atlant. Oui. D'où t'es-tu cette inspiration d'Alfredo de la Puerta sur Je ne sais pas. Peut-être que je connais cet homme, mais actuellement, je ne me souviens pas de lui. Vraiment. En tout cas, mes félicitations. Bon, bah, ok. Très bien. Donc, on y va. Par contre, si j'ai pu me faire passer pour lui une fois, peut-être que je pourrais le faire une nouvelle fois. Olympia dit si on doit aller au manoir de la Puerta, c'est uniquement à la soirée. On s'infiltre. Non, mais ce soir, ce soir, c'est le mariage. De toute façon, au mariage, on n'est pas invité. Donc, oui, on n'est pas invité au mariage. Par contre, il faut qu'on se débrouille avant. Alors, attendez, on a juste à attendre que les gens reviennent sur les quais. Non, mais attendez, là, il y a un truc qui est très bête, c'est qu'il n'y a personne d'entre nous qui est au bateau. Ouais, moi, j'ai les enfants de 12 ans.
Et s'ils viennent nous chercher pour acheter le vin, il n'y a personne pour vendre le vin. Moi j'y vais, moi j'y vais. C'est pas des enfants de 12 ans qui vont vendre du vin. Bah est-ce que tu veux moi, je vendre le vin là tout de suite maintenant tu penses que... Non, ah, moi je retourne au bateau. Claudomir va retourner au bateau quoi qu'il arrive. Moi, comme s'il est traîné et toi on va. Moi je vais aller au manoir, mais pas au manoir de la Puerta, à l'autre manoir. Oui, ton manoir. Et je passerai par le temple exilé. Vous vous séparez ? Ouais. Alors. Claudomir retourne au bateau parce qu'il faut que quelqu'un soit là pour la vente. C'est un peu le but de notre vie. Tu retournes au bateau et effectivement, il y a une longue queue qui se passe, qui est devant votre bateau, de nobles qui veulent acheter. Qu'est-ce qui se passe, messieurs ? Et Dawib Kanabi était en train de vendre les caisses de vin pour une année la caisse. Stop. Et ils étaient sur le point de se serrer la main, tu vois. Stop. Allez, retour. Qu'est-ce que tu fais, Dawid ? Mais ils veulent du vin et on en a. Et vous voulez vendre ce vin ? Personne n'en voulait. Maintenant, regardez, on peut en vendre. On peut gagner 10 pièces d'or. On a 10 caisses. Et toi, ça t'étonne pas déjà que d'un seul coup, il y ait de la demande ? Ben, je sais pas, c'est comme ça. Bah, alors là, je me retourne vers les nobles. Oui. Je dis, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, messieurs ? Alors, il dit, je suis Titavion. Je okay. suis le chancelier du Palais Royal. C'est un lèche, et ça tombe bien. Il se trouve que... On aurait besoin de quelques petites caisses de vin comme ça pour combler une petite fête à côté et je vous proposais, je proposais un euro. Alors attendez, attendez. Une pièce d'or. Je vous l'affine, Claudomir. On est venu dans le port, ok ? On a dit qu'on avait du vin. Le conducteur du port, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il nous a rayonné et en plus il nous a pris un écu et il est parti. C'est vrai qu'on n'a pas trop de besoin. On n'a pas trop de besoin. C'est Niwan qui nous a rayonné. Voilà. Et là maintenant, vous venez. Et il y a la queue. Et vous dites oui, alors ouais, y a une incroyable. Et vous me dites oui, on a besoin de quelques caisses. Oui, comme ça, on voulait prendre voilà, une pièce d'or, on a 10 pièces d'or, on vous donne 10 pièces d'or et puis voilà. Alors écoutez, moi, j'ai effectivement donc, du vin des larmes de la navigatrice. Ça va. C'est pas excellent déjà. C'est pas le vous rigolez ou quoi ? C'est le meilleur vin, c'est du vin de Vandermeer, c'est le meilleur vin du pays. Ok, d'accord. Voilà, allez-y. Donc on me la fait pas moi quand même. Écoutez, moi je vous en propose, on a 10 caisses, je vous en propose 50 écus la caisse. Non, mais c'est pas possible. C'est pas du tout le prix. C'est pas du tout le prix. Le prix de. Vous voulez dire 50 écus pour les 10 caisses ? Non, 50 écus la caisse, vous avez bien entendu. Attends, t'as un écu la caisse. C'est un peu violent comme. Bah non, mais attends, non, mais. Faire un juste l'enfant, c'est pas compté. Voilà. Bon, 50. Donc. C'est pas Bitcoin, ton. Mais, non, mais écoutez, la rareté crée la richesse. Hein. Moi, c'est beaucoup quand même. C'est ? On peut négocier. Attends, alors, t'es pas là. Donc 50, parce que là, j'ai 10 caisses. Ok. Ok. Que diriez-vous de 7 écus par caisse, sachant que... On est passé de 50 c'est à 7. On va dire, on peut pas donner plus de 5 écus. C'est pas, 5 écus, c'est un prix exceptionnel. Je vous en donne 7. C'est le prince qui paye. Ok. Ça coûte combien d'affréter un bateau pour aller en chercher à Vandermeer ? On n'aura pas le temps, de toute façon. Ah, c'est dommage. Ça va dire grave. À quel malheur, vous n'aurez pas le temps d'affréter un navire pour essayer de les avoir à ce prix-là, malheureusement pour vous. Moi, je vous en propose tout de suite, maintenant, 10 caisses. Malheureusement, il est forcément à un prix différent du vôtre. Alors. Et je pense qu'on va trouver un arrangement. Je trouve que je fais hommage à votre esprit de conciliation. Voici mon offre. Puisque, effectivement, nous sommes dans le besoin, je vous propose 10 écus par caisse. Soit 100 écus pour votre stock. Et si vous refusez, on vous pend. Mais on accepte aussi un prix plus faible. Ça, c'est une égo rondement menée. Donc là, il est sur le bateau avec moi. Non, il est hacké avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Déclenche pas les éléments. Déclenche pas. Attends, on parle en téléphone. Déclenche pas les éléments. Donc là, vous faites 10 écus la caisse ou la pendaison. Vous pouvez m'offrir moins si vous aimez le prince. Le prince Léonide d'Altabianca, l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche et vous êtes en train de transiger pour des petites copecs. Allez-y. Demande moins cher, mais on invite au mariage. Vous savez, en fait, quand je vous propose la pendaison, c'est que si toutefois je reviens devant le prince en lui disant que vous avez refusé le tarif exceptionnel de 10 écus, il va être profondément courroucé et risque de tourner sa colère vers l'objet de sa colère. C'est-à-dire le vin ? Sa femme. Vous. Moi ? Alors attendez, mon brave. On va replacer le truc quand même. On vient dans ce port, ok, dans cette magnifique ville. On nous rionnait quand on dit qu'on a du vin. Donc, le lendemain, on nous supplie de l'acheter. Attendez-moi, j'ai juste besoin de savoir, est-ce que vous refusez, non. Oui ou non ? J'ai pas fini mon argumentaire.
je vous trouve quand même super culotté d'un seul coup d'abroger les lois du commerce simplement parce que d'un seul coup vous avez besoin des marchandises. Donc je vous dis 15 écus. Alors, c'est quand même bien en dessous des 50 initiaux. Je vous fais une fleur. C'est pas tous les jours Noël. Tu vas finir pour. Allez, 120 écus pour vos 10 caisses. 130 et c'est. c'est infernal! Ah ouais, 130 et on valide le marché. Ok, 130. Allez, 130. Allez, vous tapez dans la main. Alors, j'ai pas assez de pièces pour vous donner, mais vous avez 130 écus. On vous apporte un coffret avec 130 écus dedans et on décharge les 10 pièces, les 10 caisses. Tu vois, David? C'est comme ça qu'on fait. Ok, donc je demande à mes petits là de ranger le coffre dans la cale. Ah oui, dit, excusez-moi. Tu rigoles? Oui. Sur ces 130 pièces, je retiens les 5 pièces puisque vous avez fait du commerce et vous avez avancé que 5 pièces. Oui, c'est vrai. Ça se perd pas le nord. Hein. Ah, écoutez, c'est un plaisir de négocier avec vous, petit avion. C'est exact. Bon, donc on est riche. On a vérifié qu'il y avait bien du vin dans les caisses. On s'est pas fait couiller. On a vérifié qu'il y avait bien de l'argent. Là, vous aviez bien vérifié. Je compte bien le coffre et je recompte les pièces. Pendant que tu comptes tes pièces, voilà. Suspense, tu arrives au manoir Santa Sofia. Oui. Alors, attends que je le trouve. On peut passer loin de la pendaison. C'est clair. Ça aurait pu virer chocolat, cette affaire. Excusez-moi. Je suis avec Nicolas. On est tous les trois ensemble, avec tous les quatre, parce que Amaury est avec nous. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Amaury encore. Il dort, mais je le traîne au bout de la corde. Ouais. Il dort. Mais non, mais je vais le laisser au bateau avec moi. Non, mais il a dormi ce matin, non? À la base. Ah oui, moi, je suis repassé par le bateau, moi. Non, mais j'aurais dû le prendre, en fait. C'est vrai. On a dit se repasser le Amaury, mais je l'ai avec moi. Écoute, il dort. Tu es là avec qui au manoir? Avec tout le monde. Sauf moi. Comment ça vient? Amaury, Ketra et Nicolas. Par contre, faites gaffe. Pourquoi? Bah parce qu'on m'a mis en garde plusieurs fois, comme quoi il y aurait des petites histoires de malédiction. C'est maintenant que tu le dis ça. Au-delà d'une grille en fer forgé montrant des lions, un jardin sauvage à l'abandon et les ruines noircies d'une grande maison dont il ne reste plus rien. Flashback. Une croix rouge sang peint ici depuis longtemps indique que le lieu est maudit et ne doit pas être pénétré. Hey, un mec du maudisme. Il y a une histoire, mais personne ne peut te la raconter. Par contre, tu es profondément attaché à ton passé. Et je t'invite à te recueillir devant ce lieu. Ah ben je me recueille longuement. Alors qu'est-ce que tu fais en termes de recueillement? Je m'agenouille devant. Ok. Et je mets mes deux mains sur ma dague. Alors tu te recueilles et flashback, tu te souviens de la nuit du drame. Ah, oh, yes. Tes parents étaient inquiets. On t'a fait descendre avec Slatsko le long de la falaise, de l'autre côté avec une corde. Et alors que tu partais en nuit en chaloupe, tu as vu le manoir brûler. Voilà. Tu gagnes une compétence. Il ne sait pour rien. Vengeance. Il l'avait déjà, celle-là. Je rappelle qu'il va aller à Naporia en expédition. 75%. Ouais. Qui te permet d'avoir une résolution froide et de retenter un jet raté. Oh putain. Oh là, le meilleur. Je peux te dire que je vais en servir. Mais à chaque fois que tu l'utilises, tu perds un des 10 à la compétence. Okay. C'est-à-dire que... Ouais. Si tu lances un dé à 10 faces, si tu fais 0, ben, tu es plus qu'à 65% jusqu'à ce que ce soit épuisé. Ok. Eh ben, merci. Merci les souvenirs. Voilà. Oh là. Alors, bah, attends, j'ai pas fini parce que je me lève et j'observe un petit peu les environs. Je cherche la statue avec la... Je cherche la rotonde. Effectivement, il y a une rotonde avec un peu écroulée, avec une statue. Une statue, tu imagines, de Santa Sofia qui représente une femme effondrée en pleurs sur un tombeau. Ouais. Alors, je m'approche, mais tout seul. J'ai envie de rester, de ne pas rentrer dans la propriété, parce que je pense que moi je peux le faire, mais eux, à mon avis, ça va mal se passer. Mais lui, il est maudit, donc normalement, ce qui est maudit. Je m'approche de la statue, j'observe et je regarde surtout la base de la statue, voir s'il y a une fissure, quelque chose. Il y a une fente. Une fente, ouais. Ouais, une fente. Ouais. Et ben, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire prends ma dague et je l'insère dans la fente. Alors, un déclic se fait entendre. En forçant un peu, tu décèles la pierre et tu trouves un livre caché dans une toile cirée qui s'appelle le Codex Occultatum. Oh là 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 là. Oh, la collection un livre, codex. Un livre magnifique orné de superbes illustrations d'un millier de pages écrites tout petit. Ah, génial. Lui, il m'a l'air vénère comme livre. Il va falloir apprendre à lire aussi. On a le Botanica, le Runica, le Ovo. Le Ovo, on l'a volé ou pas? Ouais. Non, on l'a pas volé. Et l'Occultatum. Et je sens que ta famille était un peu maudite pour peut-être des sciences occultes ou des sorts interdits, non? Je feuillette, mais j'y comprends. Je pense que je ne comprends rien. Je regarde juste à voir si je ne trouve pas quelque chose dedans ou
quelque chose sur la couverture, une des notes. Tu te dis que tous les secrets de ta famille sont là, mais malheureusement, ils sont pour l'instant hors de ta portée, parce que tu ne sais pas lire. J'observe bien ce qu'il y a dans la cache. Il faut vraiment qu'ils soient du retour, on apprenne à lire. Grave, mais même ici, il n'y a que le livre dans la cache. Oui, c'est un livre qui est intouché. Tu te souviens avoir vu ton père avec ce livre. D'accord. Je vous donnerai des cours. Il n'y a plus de manoir, il est cramé, c'est une ruine. Il n'y a plus rien. Tu n'as que des mauvais souvenirs, enfin des souvenirs, on va dire, amers dans ces ruines. Il n'y a pas de fleurs en forme de clocher inversé dans ce jardin. Non. Mais c'est comment il s'appelle, du coup ? Bah pour l'instant, non. Donc, mais il y a bien des choses à lire dans ce... Ok, ouais, bah de toute façon, c'est mon... je le prends, bien évidemment. Mm-hmm. Donc, je le remets dans la toile cirée, je fais attention à ce que personne ne puisse le voir, je le fourre dans mon sac et je sors. Et on te demande ce qui s'est passé. Et je leur dis, tout va bien. Tu ne dis pas que tu as trouvé le codex Mais... Comment ça s'est passé, Athlon ? Je le dis qu'à Clodomira. Pour l'instant. La confiance règne. Tu fais bien. Je le montre à Clodomira, en fait. Attends, mais Clodomira, il n'est pas là. Amaury dort debout. Hein, il a dormi 2 heures, il est là. Voilà. Et donc nous, c'est bon, tu t'es recueilli. Je vous dis que j'ai trouvé des choses, mais je pense que pour notre sécurité, je ne vais pas encore les révéler. D'accord. Mais ce n'est pas contre vous. D'accord, tu fais quelque chose. C'est pas de l'argent, ça n'a aucune valeur, je pense. Enfin, ça a une valeur, mais je vous envoie un message télépathique, hein. On est riches. Voilà. Juste pour que vous évitiez de négocier des trucs à un denier alors, dans la rue. Je voudrais aller au temple du dieu interdit, du dieu exilé. Vous partez tous ensemble au temple du dieu exilé. Enfin, tous les 3 et demi. Mais toi, t'as pas le droit d'y aller. Isolé. Presque évité et comme toujours déserté, le temple du dieu exilé est coincé entre 2 grandes maisons marchandes. Colonne de pierre blanche accueille une statue décapitée. Alors déjà, ma main commence à faire un peu mal. Tu le sens pas trop. Et devant le temple, il y a un camelot qui s'appelle, Eino. Donc Eino, il vend des mirabilis qu'il appelle des prunes surprises pour 1 denier la prune. Alors, qu'est-ce que c'est que des prunes surprises ? Eh bien, c'est une prune, vous la goûtez et il se passe une surprise. Amaury ? Un denier, c'est rien, un denier. Bah, tu peux essayer la prune surprise, mais. J'en mange une. Il faut me le payer déjà, un denier. Ah, un denier. J'espère que Claude Meur a vendu les bouteilles au moins. Je cherche un denier, attends, parce qu'on est riche. On sait pas encore quoi. Il est où ton denier ? Il n'y en a plus. Bon, eh ben écoute. On va en prendre plus. Alors. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Non, parce que pour les prunes. Oui. Il faut attendre une petite minute. Ah ! Tu savoures la prune. Alors. Alors, je croque dans la prune et je vais vous décrire très précisément, très longuement, alors, ce que je ressens. Rien ne se passe. Elle est bonne. Elle a pas de goût. Elle a pas de goût ? Moi, j'en veux bien une aussi. Tiens, je t'en achète une aussi. Hé, je vais m'en sortir. Tu mords aussi ? Disons que c'est un denier. Tu mords aussi dans la prune ? Ah, je mords aussi dans la prune. Non. Tu veux une petite prune ? Non, ça va, merci. Amaury, tu veux une prune aussi ? Il dit oui. Ok, je fais croquer Amaury aussi. Amaury veut une. Ah, bah allons-y alors. C'est mon fils. Il faut nous faire de la monnaie. Donc, Kétra, tu veux pas croquer dans cette. Merci. Elle est drôle. Alors, j'ai plus beaucoup de points de vie, là. Tiens. Mais plus beaucoup, la meuf, elle en a 11. Elle a 11, j'ai jamais plus de vie dans ma vie. Je me sens super faible. Ouais. Attends, écoute. Je veux dire, on est en train de manger une prune devant un temple maudit qui a vibré ma main. C'est plaisir. Alors, rien ne se passe. Et Inou vous explique, ils disent, effectivement, ce sont des prunes surprises. Elles ont un effet qui a été décidé. Mais ça ne fonctionne que quand vous faites un jet de dés qui se termine par 3, 6 ou 9. Génial. À n'importe quel moment pour n'importe quel jet. N'importe quel jet. Non, pas maintenant. C'est à quel moment c'est ça la surprise. C'est vous êtes en train de faire un duel, par exemple. Vous lancez des dés et là, tout d'un coup, vous avez une hallucination, par exemple. Ou la diarrhée. Mais ça a été décidé. Voilà. Parfait. Ok. Pour Amaury, j'aide pas les dés, hein, donc ça va. Donc là, vous en avez tous pris là. Pas non, moi. Pas Kétra. C'est toi là et Amaury. Drôle. Alors, t'avais bien besoin de ça, toi. Ouais. Alors, ça, plus ta vengeance, ça va être incroyable. De toute façon, il fait 92. C'est donc pas ça 39. Va, c'est énorme, mais il n'y a pas de problème. Il arrivera à rien. Tranquille. Mais ça peut être un effet. Il va faire 92, du coup, il va faire vengeance. Attends, j'ai une question, du coup, parce que moi, j'avais. Ce temple du exilé m'intéressait. Il y avait de la drogue déjà qui était vendue là-bas. C'est ce que tu viens d'acheter. Ah, c'est la drogue, d'accord. Donc, c'était ces. Ah, c'est ça. Ah, mince. Ah.
Je vous rappelle que le drogué a dit je veux plus de cette pas merde. Pas éventuellement en acheter une et la garder. Oui. Ça se conserve vos un denier. On la garde. On sait pour un denier. Je peux peut-être faire des potions. Je peux tenter. T'en veux un peu plus? Une potion surprise, ce serait drôle. T'en veux un peu plus? Tu fais Nao de surprise. Attends, je suis chaud. T'en veux combien? 2-3? 3. 3. C'est un denier, ça. Ça va, c'est un denier. On en prend 3. C'est toujours bien d'avoir de la drogue sur soi. Pour. Moi j'ai envie en foutre partout. Prochaine étape. Attends, tiens. Je peux toujours pas entendre 3. Dans ce temple, hein, ça me 3. Fait mal à la main. Note toujours. Que 3 plus ouais. Surprise. Dès que j'approche du temple, j'ai mal à la main. Ouais. J'ai rien d'autre à faire, du coup, je pense. Je peux pas. Vous savez qu'on doit toujours apporter le coffre au manoir. Hein. Alors maintenant, on va apporter le coffre. On a la longue vue. Oui. La longue vue, je l'ai ramené sur le bateau, du coup. Oui, oui. Donc. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve? Bah non, mais on a le coffret avec nous, de toute façon. Donc, oui, c'est vrai. On a des lapins aussi, je te rappelle. Après, les lapins, c'est moins grave. Il faut attendre la nuit pour aller faire la petite orgie, là. Oui, c'est vrai. Ah, inquiétera, on n'a pas des petites orgies. On est une journée, on commence à grandir, enfin, de devenir des adultes responsables. Il y a encore un dernier lieu que vous n'avez pas visité. Enfin, il y a aussi le palais. Le palais. Ouais. Et il y a aussi un parc qui s'appelle le Parc des Anges. Ah oui, c'est vrai, le petit jardin, là. Mais donc, qu'est-ce que vous faites? Alors... Moi, j'aimerais bien aller voir Clodomir. Mm-hmm. Donc, je vais voir Clodomir. Ok. Il faudrait qu'on ait le manoir Dolce sur le bateau. Et nous, on va au manoir Dolce. Vous vous retrouvez tous ensemble au bateau. Non, on voulait aller au manoir Dolce, tant qu'on était encore dans le quartier un peu de... Ah, aller au manoir. Alors, comment tu... Quelle est ta stratégie pour trouver le manoir Dolce? Parce que vous êtes dans le Libéro, mais vous n'avez pas de guide. Bon, on a bien. Mais il doit y avoir le gros. Ah, mais non, il est cassé. Alors, sur deux. Du coup, on retourne voir Olympia. Pourquoi on connaîtra le manoir. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui passe encore pour qu'on puisse lui demander? Un mec drogué avec des os brisés de partout, ouais. Non, il n'y a personne. Personne ne passe. Bah, on peut même tiens, pas... si, il y a Loretta qui repasse. Ah, qui regarde, qui regarde de haut. Là. Elle a ses deux esclaves avec elle ou pas? Non, elle les a libérés. Mais non, on la encore. Retrouve. Ouais. Elle passe là. Si... Oui, on lui fait. Loretta, on l'arrête dans la rue. On l'arrêta. On l'arrêta. Et on lui demande tout simplement. Est-ce que vous connaissez le quartier? Vous me demandez si je connais le Libéro? Oui. Alors que je suis une noble, oui, vous moquez de moi? Oh, écoutez, elle tient, elle te gifle. Vous ne serez pas, vous ne serez pas la première noble que l'on croit, parce qu'il ne connaît pas du tout le quartier où elle habite, vous qui vivez souvent chez vous. Oui. Eh bien oui, je connais le quartier. Eh bien, prouvez-le. T'es déjà pris une gifle, quand même. Non, c'est pas grave. Je suis prêt à en prendre d'autres. Prouvez-le. Mais en faisant quoi? Nous cherchons le manoir de... C'est quoi? Dolce. Le manoir Dolce. Pour... Donnez-moi vos lapins et je vous amène notre manoir Dolce. Ces lapins valent 15 euros chaque, 40 euros ouais, couple. Du coup, vous me donnez-moi 40 écus, sinon. Vous êtes une noble bien étrange. Ouais, pour une vous noble... Êtes une noble enfoirée, j'ai envie de dire. Ça négocie dur. Hein. Et si je la gifle, Loretta, est-ce que quelque chose de grave ou pas? Vas-y. Tu peux pas super gifler, ouais. Gifle, ça. Non, vas-y, gifle-la. Atlant, t'es sûr de ça? Je sais pas. Gifle-la. Je... Moi, je peux la gifler, hein. C'est un prêté pour un rendu. Hein. Mais arrêtez de gifler les enfants, enfin. Les jeter d'une tu falaise. Ah oui, t'es ok pour les tuer, les jeter d'une falaise, mais gifler, par contre... Bon, gifler une personne, quand tu reviendras au bateau, tu comprendras, je te ferai oublier tes soucis. Oh, j'ai une potion d'hallucination, je lui enverrai bien à la tronche aussi, juste pour de la déconnade. Ça ferait un peu cher payé, non, non. C'est vrai que c'est peut-être pas la situation la plus... Donne-lui une prune. Au pire, on lui donne un lapin. C'est pas grave. Mais ça changera rien, ça changera rien. Tu veux lui donner un lapin? Ok. Bah peut-être qu'elle serait. En même temps, elle prendra soin, elle. Il a dit, le mec qui nous les a donnés a dit, faites-en ce que vous voulez. Après, les lapins, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que potentiellement, on peut les refourguer à quelqu'un et peut-être avoir 15, 20 deniers à tout casser, 20 écus, ce qui est pas mal. Non, mais ça coûte, ça fait, trop long, ça fait 20 écus le renseignement quand même. Vous avez refusé sa proposition. On peut avoir quelqu'un, on peut peut-être se la mettre dans la poche une fois pour toutes, maintenant qu'elle est... Est-ce qu'elle nous respectera si on lui donne un lapin? Elle l'a giflé. Hein. C'est vrai. Elle t'a giflé quand même. Loretta, est-ce que vous tenez à ces lapins? Donnez-moi ces lapins. Et ce lapin. Voilà, un lapin. J'en veux même pas, en fait. Je veux juste vous faire chier. Ça, on l'a bien vu. Je vais juste vous faire chier. Oh, vous savez quoi? Je m'en vais. Elle s'en va. Ok. Bon. Super. On n'arrivera pas avec elle. Hein. Non. Je pense que... On la relation est... On trouver d'autres passants, des nobles qui se baladeraient dans le quartier. On alors, est vous dans errez. Les et... attends, vous... ouais. Vous errez dans le Libéro et ben on va eh bien, quelqu'un qui marche, quand même, voilà. Pas... Il y a beaucoup de nobles hautains qui semblent incommodés par votre odeur de vin, votre apparence de gens qui ont navigué toute la nuit et qui ne dorment pas. Et voilà. Et ils ne veulent pas vous parler.
Sympa, libéraux. Bon quartier, dis donc. Bah, du coup, on retourne au port. Vous allez dormir jusqu'à la nuit tombée ? Ah bah non. Non. Non, non, non. Alors les gars, j'ai refait la coque en or massif. Ce serait bien qu'on aille s'acheter des vêtements éventuellement, un truc pour qu'on passe un peu plus inaperçu. Ouais, un peu moins... Ouais. C'est vrai que si on doit aller... Qu'on est plus fiers à lui. Non, mais on doit aller nulle part, en fait. Ah si, on... À part votre envie, là. Il y a le coffret, il y a le coffret. Il y a le coffret. Moi, j'ai quelque chose à te montrer, Clodomir. Ah ! Ok, bah tiens, viens, parce que toi, t'es le grand argentier de la troupe. C'est ça. Je vais te montrer comment j'ai réussi à négocier les... Et donc là, bon, on se met à l'écart sur le bateau et je lui montre le bouquin, donc le Codex Occultatum. Alors c'est un, comme je l'ai dit, un livre écrit très petit et... J'ai une longue vue. Alors, ce livre comporte 12 révélations qui sont là. Et à chaque fois que tu veux en découvrir une, il faut lire le livre pendant au moins une demi-journée. Ah wow. Ça fait 6 jours. Ça fait 6 jours de lecture. Bah, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre la partout de ce soir. Ouais. Présenté comme ça. Ouais, présenté comme, comme ça. Là, c'est le matin. Déjà, je pourrais avoir 2 révélations jusqu'au soir. Bah, quoi, non. Ta journée Une. Bah. Une. Le matin, j'ai entamé le matin. T'as déjà négocié, t'as vendu, bah oui, ils sont partis, je sais pas où. Non mais attends, là, c'est pas Titavion qui me parle du codex, machin, c'est fini, Titavion. Allez, une seule. Ok, une. Tu le tentes ou pas ? Ouais. Donc toute la journée, tu vas lire jusqu'à ce soir. Bah ouais. Ok. Nous, en attendant, est-ce que Kétran pourrait retourner ? Vas-y, lance les dés, oui, bien sûr. T'as réussi ou pas ? 54, évidemment. Ah. Alors, lance un dé à 12 faces. Attends, comme ça. 12 faces, c'est quoi ça, 12 faces ? 12 faces, vous en avez certainement. C'est un dé un petit peu rond. C'est ça, là ? Ouais, ça va jusqu'à 12. Ouais, 12, ok. 2. Alors, révélation numéro 2. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Qu'est-ce que t'es bon, mais qu'est-ce que tu veux ? Il est pas alchimiste pour rien. Alchimiste. Alors. La révélation numéro 2, s'il vous plaît. Donc toi, tu es à ses côtés. Ouais. Il te raconte les choses et c'est toute une partie qui dit la chose suivante. Donc c'est l'histoire de l'exil du roi des dieux qui a abondamment raconté. On est à côté quand tu le racontes. Non, vous êtes. Enfin, à moins que tu me dises, vous êtes à côté. J'espère. On est. Vous nous appelez ou pas ? Vous n'êtes pas à côté. Mais. Bah non, vous n'êtes pas à côté. Et pourquoi ? Bah pour l'instant non, parce qu'on était à part de toute façon. Oh, je pourrais peut-être vous raconter après. Ouais, sympa. Bon, alors, l'histoire de l'exil du roi des dieux est abondamment racontée, donc il y a même des enluminures. Il a expliqué que le roi des dieux combat l'ennemi, donc il y a un dieu, au bord du monde, qu'il est sur le point de le faire tomber au prix de sa propre vie, mais il a un sursaut de lâcheté et il s'exile en pénitence. Une histoire que vous avez déjà entendue, mais là, elle a l'air d'être inscrite comme une réalité extrêmement tangible. Et vous allez où ? Bah, J'aimerais bien qu'on aille au Squero pour demander à ta guide de nous aider pour localiser le manoir Dolce. Où ça, tu dis ? Bah, au Squero, donc le chantier naval, pour que la guilde des poissonniers puisse nous aider. Parce qu'ils connaissent sûrement la ville comme leur poche. Ok. Et moi, je vais nous acheter des fringues. Toi, t'es avec lui toute la journée. Ouais, ouais. Attends, je lis aussi. Eh ouais, viens, voilà. Alors, vous allez au Squero et Ilexo dit... Vous allez à Mori. Vous avez fait un... Ah oui, d'ailleurs, on avait 10% de côté pour la guilde. Vous avez fait un sacré deal. Hein. Ouais. Ouais. Alors, il est temps de payer. Attends, putain, je les ai pas pris. 12 écus et demi. On a été officiellement payé 125 écus. Ah, bah oui, ils nous ont payé 5. Ah non, ils ont même payé. 125 moins 12,5, ça veut. Non, c'est pas ça. On a 12 écus et demi à payer. 10% de 125. Ouais, 10%. Ouais. 12 écus et demi. 125. Il faudrait les retenir sur. Donc on a 112, 5. Tu les as pris sur moi ? Oui. Voilà, bah, je les paye. Ok. Donc tu retires 12 écus et 5 de 125. Il nous reste 112,50. 112,50 en plus des écus qu'on a là. Exactement. On est réglo avec la guilde. Et ensuite, que faire ? Bah, la guilde, pour on vous, lui demande. On ne sait pas tous les jours qu'on gagne 12 écus. Vous pouvez faire affaire avec nous souvent. Oui, bien sûr. Et alors, on aimerait savoir où est le manoir Dolce. Très bien, mais écoutez, j'ai ce petit tête de camp qui s'appelle Cassoulet. Il va vous emmener au manoir Dolce. Super. Alors, c'est un petit gamin, Cassoulet, qui vous guide jusque dans le Libéro. Dans un vieux manoir, alors attendez que je le retrouve, excusez-moi, à chaque fois, tout est un petit peu dans le désordre. On a le coffret avec nous, côté, le coffret avec Etra. Le coffret. Bah, c'est ce qu'on a dans le manoir Dolce, oui. Non, on y est presque, excusez-moi. Je me rappelle plus, j'ai récupéré un truc qui s'appelait de l'ugli ambré. Dans nos aventures précédentes, il va falloir que je potasse le codex Wikipédia pour retrouver le gli ambré. Je suis désolé, excusez-moi.
Et alors, je sais pas combien de temps on va rester sur Alta Bianca, si on a fait toutes nos affaires, mais... Mine de rien, chez le parfumeur... Ouais, t'as récupéré des trucs, là-bas ? Non, j'ai rien récupéré. Et alors, la bague était quand même, je ne sais plus ce qu'on nous a dit, mais la bague était très importante sur le destin de l'un d'entre nous, nous tous. J'aimerais bien qu'on résolve ce meurtre. Cassoulet vous laisse devant une maison sans étage, au mur noirci de poussière et de suie. Donc elle détonne vraiment. Il y a un jardin sauvage devant, aux plantes tordues. Le tout est entouré d'une grille aux piquets pointus. Le manoir d'Olche est caricaturalement sinistre. Donc il y a une grille fermée. Non, le quartier n'est pas top, hein, en fait. La grille est fermée, on ne peut pas... Ben, ouais, on essaie de taper de la grille. Non, comment est-ce qu'on peut appeler quelqu'un comme ça? On appelle... C'est pas ouvert, on peut pas mais ça a l'air d'être une maison abandonnée depuis genre 150 ans. Ah bon? Il n'y a personne, mais c'est quoi ce délire? On y va ou pas, Ketra? Vas-y. Ouais, on pète la, on pète la grille pour voir. Lance un dé, juste un dé, et si tu fais un nombre impair, il se passe quelque chose. Il va se passer la police. Au pire, s'il y a un garde, tu le tues. On a l'impression qu'on a fait quelque chose de bizarre, c'est nous qui l'ont forcé à tuer. 4, non. Elle défonce la grille et personne ne veut. Atlan perd un point de vie. Donc on approche de la porte, on tape. Alors, la porte se pousse et s'ouvre en grinçant. L'intérieur de la maison est noirci également, comme si on avait, il y a bien longtemps, projeté partout de la peinture noire. Oh. Il y a qui dans cette maison? Toi et lui? Ouais. Oui. Oh, ça pue. Tu gagnes un point de vie. Hein? Pourquoi pas moi? Oh, il est maudit de ouf. Oh là là, c'est maudit. Oh là là. Il va avoir des hallucinations. Au milieu d'objets assez communs... Je suis à fond de vie. Au milieu, bah, tu gagnes un point de vie temporaire. C'est-à-dire, tu as un point de vie en plus. Tu perds un cœur gris. Est-ce que ma main... J'ai aucune sensation dans ma main droite, j'ai rien là. Non, rien de particulier. Au milieu d'objets assez communs se trouve un piédestal de la taille du coffre. Ça alors. Ok. Ben, on pose le coffre. Ben, je pose le coffre. Au moment où tu le poses sur le coffre, tu as une sorte d'intuition. Tu tournes la tête et tu vois une petite bourse qui a l'air quand même un petit peu dodue à côté de. Sur une table non loin. Est-ce qu'elle est apparue ou pas? Ben, peut-être qu'elle était là avant, peut-être qu'elle a apparu. Oh, ça pue tellement. Bah, je vais prendre la bourse. Tu la prends ou tu l'ouvres? Je l'ouvre. Tu ouvres la bourse. Dedans, tu vois quelque chose d'incroyable. Mais ce sera pour la prochaine. Non, c'est la prochaine. Ah oui, merci d'avoir été avec moi. Voilà, Game of Roll. Le 8, on se retrouve pour savoir ce qu'il y a dans cette mystérieuse bourse. Et pour savoir ce qui va se passer ce soir, on va bien s'amuser. Et s'il va se passer d'autres choses par la suite, bonne fortune, vous devez le retrouver, tout ça. Oui. Donc on se retrouve. Ah oui, c'est vrai. Voilà, dans une semaine, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Ciao. Salut.